Ok, là c'est bon, tu peux insulter, tu peux y aller, vas-y, fonce. Et tout le monde va bien. Ah, donc ouais, un petit forchat, parce que ça faisait un moment. C'était quand le dernier qu'on avait fait? C'était le mois dernier, non? Trois semaines. De quoi? 3 semaines. Non, un peu plus. 3 semaines. 4 semaines. Ouais, je sais. Ouais, donc un mois. Pourquoi vous faites le chier? Ouais, c'est un mois, quoi. Ok. Mais ouais, même si on est terrassé par la maladie, par le cancer, par le choléra, par la peste, comme en Chine, ça nous arrêtera pas. Ouais, voilà, on s'est dit on va quand même faire un truc, parce qu'on a pas mal de trucs en plus de quoi parler. On n'a pas beaucoup de news parce que finalement il s'est pas passé grand chose à part deux gros éléments, deux grosses annonces. Ouais, mais bon. Hein? Ah bon? Oui, enfin quand je dis gros, c'est médiatiquement. Ouais. Médiatiquement. C'est énorme, mais bon, après on verra, on en parlera plus tard. Pour l'instant, bah, je vais faire une petite sieste. Si ça vous allez, dérange pas. À tout à l'heure. Ça va si on se fait des chocolats chauds avec du Nutella, ça vous va ou pas? Parce que. Non. Non, mais avec des tartines de Nutella. Ah, mais pas que du Nutella dedans, espèce de barbare. Y'a que toi qui peux penser ça comme ça, mec, c'est pas possible. Non, on sait jamais. Hein. Ouais, vite fait, de toute façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, on commence par quoi? Bah écoute, tu sais quoi, Spider, vu que t'as l'air d'avoir envie de parler. Vas-y, dis-nous, ce que. Je vais me muter quand je te traite. Ça va être super. Non, mais Spider, tu vas commencer histoire qu'on laisse passer les malades avant. Ce à quoi t'as joué, ce que t'as lu, ce que t'as vu d'intéressant. Oh putain, ça fait beaucoup de trucs quand même. Non, mais pas tout, mais des trucs, les trucs les plus importants, quoi. Alors, du coup, j'ai joué à Star Wars Jedi Fallen Order. De la merde, d'accord, très bien, la suite. Ouais, enchaîne. Attends, je regarde. Du coup, ouais, mais si on a joué à Diablo 3, ouais. C'est Army. Ouais, c'est très cool. Ouais. D'ailleurs, ouais. on n'a pas continué. Maintenant que la saison est ouverte, faudra qu'on y retourne. Ouais. On a manqué à nos obligations. Puis du coup, c'est Silent Hill 3 aussi qui m'a fait kiffer. J'ai repris en stream et c'était cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si Red Dead. On parlera un petit peu plus tard. C'est ouais, mais non, mais même on peut en parler maintenant parce que ouais, du coup, je suis curieux depuis. Ça fait 2 jours que tu m'as dit que t'avais un problème avec Red Dead et je sais pas ce que c'est et ça m'intrigue. Et du coup, j'ai envie qu'on en parle maintenant. C'est que en fait, du coup, Red Dead, du coup, moi je l'ai acheté comme à peu près tout le monde à sa sortie. Ouais. Parce que tout le monde était hype, tout ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre puisque je trouvais que le jeu était très lent. Ouais. Il avançait pas, que le scénario littéralement était à cloche-pied. Il savait pas du tout où se foutre et c'était très relou. Mm-hmm. Et du coup, je crois que j'avais quitté au chapitre 3, un truc du style, parce que ça me cassait totalement les couilles d'avoir à peu près 15 minutes de cheval pour 2 minutes vraiment intéressantes de mission. Ouais. Que l'open world me faisait chier tellement c'était lent et ça mettait du temps à foutre les trucs. Ouais, ça je peux comprendre. Et du coup, tu m'as re-hypé parce que t'as fait « Non, mais tu sais, le jeu, finalement, quand je me suis remis, il est bien, en vrai. » Puis je me suis remis parce que je l'ai déjà fini une fois. Donc je sais à quoi m'attendre et je sais jusqu'à où je peux aller pour pouvoir profiter de tout le jeu. Je sais où m'arrêter dans le scénario pour avoir certaines fonctions actives, d'autres non. Donc c'est pour ça que je me permets, moi, d'y rejouer. Non, mais... Toi, tu l'as pas fini, toi? Non, et du coup, voilà ce que je voulais dire, c'est que je m'y suis remis il y a 2 semaines. Et en une journée, j'ai fait beaucoup de scénars. Et au final, plus ça avance, et du coup, il vient une partie où il arrive quelque chose. Et il arrive quelque chose au personnage principal. Et du coup, tu fais, ça me fait chier de continuer à jouer, quoi. Parce qu'en fait... Y a pas de raison, en fait, y a pas d'utilité, le scénar il va se terminer, de toute façon, vu qu'on a déjà Red Dead 1, ça fait chier un peu, je trouve. Attends, on va spoiler, va falloir que ce soit plus clair, parce que on va spoiler, ok, si jamais vous avez pas envie d'être spoilé, allez vous faire enculer, d'accord? Ok. Donc... Ok, c'est bon, vous laissez laisser le temps dans vos gueules. Est-ce que tu parles de la maladie? La maladie, ouais. Tu parles de quand tu tombes malade, d'accord, ok. Ça, en fait, déjà, Cuba, ça m'a cassé les couilles. Ah ouais. Ça, c'était genre... En fait, tu dis, ça aurait pu être une bonne fin, tu sais, genre, ça se termine là, ils réussissent à s'enfuir, tout ça. Je dis, pourquoi pas. Mais, putain, c'est...
il se passe tellement rien, ça piétine, c'est ah on y retourne, ah putain il nous faut un nouveau plan, il nous faut encore de l'argent, putain, on a besoin encore de faire un plan. Mais tu fais, mais c'est relou, ça patine depuis 40 heures pour rien. Je sais pas, ça m'a pas autant. Vous pouvez vous démuter, hein, du coup. Enfin, bah merde, du coup, on va m'entendre, mais. Je sais pas, ça m'a pas autant dérangé. Je sais que ouais, ça piétine. Bien sûr que ça piétine, mais. Je pense que ça vient principalement de l'atmosphère du jeu qui, justement, c'est un petit peu un essai sur le. Comment on dit le c'est le grid en fait, parce que. Comme le seul point de personnage de Dutch, c'est que c'est un connard qui pense que. Qui pense qu'au fric, tu vois. Et en fait, Dutch. Yes. Il me rappelle un petit peu. Alors attends, ça va être un grand écart scénaristique que je suis en train de faire. Mais Dutch, il me rappelle Griffiths. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tout le monde le suit et lui, il hésitera pas à foutre tout le monde dans la merde juste parce qu'il est ambitieux, tu vois. Et c'est pour ça que Dutch, I just need more faith. Et ouais, c'est pour ça que Dutch dès le début. Déjà rien que quand tu le claques dans RDR1, je me disais franchement, il a eu ce qu'il méritait. Mais ouais. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est clairement pas un jeu non plus qui est polarisant en fait. C'est un jeu qui est très polarisant. Il y a des gens qui justement vont pas supporter le rythme. Moi personnellement il m'a pas dérangé parce que de toute façon je mets tellement de temps entre les missions. À faire d'autres trucs, à augmenter tous mes talents, à augmenter, faire de la chasse, etc. Que moi, ça m'a pas dérangé la longueur du scénario, mais je peux comprendre. En fait, le problème, c'est que je me disais, RDR1, j'ai eu aucun problème à le faire à 100%. Il y a tout qui passait bien. Et celui-là, j'ai vraiment mais beaucoup trop de mal à juste à y jouer, quoi, en fait. Parce que quand tu lances, tu dis, en fait, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas lancer une mission? Eh ben, tu vas activer le mode de caméra cinématique et tu vas rester appuyé sur croix. Mais je suis d'accord. Des fois, il y aura pas de dialogue. Pour les missions, je suis très d'accord. Les missions me gonflent aussi là. Depuis que j'ai recommencé le jeu, j'ai dû faire 3 missions de scénario histoire de débloquer les trucs principaux et tout le reste, je suis allé moi-même faire ce que je voulais, chasser ce que je voulais, etc. Parce que c'est plus ou moins tout ce qui m'intéresse. Donc, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. J'ai l'impression que le 1 était beaucoup mieux rythmé Ça dépend de quelle façon tu le regardes. Le 1, le scénario est très long. Il est peut-être moins lent, mais il est très long aussi, le 1. Tu passes beaucoup de temps à apprendre à connaître Bonnie et tous les autres personnages. Mais c'est pas non plus le même style de jeu. Premier Red Dead, niveau scénaristique, c'est vraiment pour le coup un vrai western spaghetti. Avec un personnage qui est un mec solitaire, un peu badass, etc., qui est recherché et tout. Le deuxième, c'est plus un genre de conte americanas, enfin c'est un petit peu The Hobbit, mais avec des cow-boys, quoi. Donc c'est vrai que je pense que ça doit aussi se traduire par ça, et le fait aussi que Rockstar a plus envie de faire des jeux vidéo et qu'ils ont envie de faire des films, quoi. Donc c'est vrai que ça joue aussi, quoi. Je suis d'accord avec Wap sur son message là, qu'il a balancé. Comme quoi, c'est vraiment beaucoup trop dirigiste au final, parce que... Ah oui, non, c'est catastrophique. La mission, justement, où c'est vachement... Genre, quand tu braques des banques, tu sais, tu dis, bon, ils ont un plan, tout ça, ça va être bien, en plus, ça va être... Ouais. En fait, le seul truc que tu fais, c'est... Alors, je veux bien, du coup, dans le lore, tu suis les ordres, c'est normal. Mais quand même, putain, tu... Du coup, tu fais que ça, en fait, et ça dure 2 minutes, et puis, basta, tu rentres, et c'est reparti, quoi. Mais elles sont plus que dirigistes, elles sont vraiment limite rigides, quoi. Enfin, tu fais vraiment rien d'autre. Ils pourraient te mettre une cinématique du début jusqu'à la fin pour les missions, ce serait exactement pareil, quoi. Et une fois, dans une émission, t'es sur un train et tu dois bourriner un mec sur un train. Faut rattraper un type. Je crois que c'est une des premières fois que t'arrives à Rhodes, je crois, juste avant, à Les Moines. Et moi du coup je me suis dit, écoute, pas folle l'arbitre, je vais passer au-dessus du train, tu sais, sur le toit pendant qu'il roule, et je vais passer par derrière pour lui péter la gueule en attendant qu'il sorte, tu vois. Je fais ça, j'ai éclaté tous les scripts de la mission, j'ai eu beau claquer, j'ai essayé de tuer des mecs et tout, ça n'a rien fait, tous les scripts ont pété d'un seul coup, et il a fallu vraiment que je passe dans la porte qu'ils avaient décidé à travers laquelle je devais passer pour que ça continue le truc. Et il y a beaucoup de choses qui sont comme ça dans l'aventure, et je peux admettre que c'est un petit peu, ouais, que c'est problématique, mais bon, écoute-moi... C'est pour ça que du coup, en fait, ça me fait chier de le relancer, parce que du coup, la fin, je sais pas ce que ça va être, mais du coup, je me doute,
Mais bah, je, pense, coup, je pense honnêtement, honnêtement, hein, je doute pas de, de ta capacité, attention, scénaristique, mais je pense que tu t'as peut-être pas trop idée de ce qui va se passer à la fin. Je pense savoir de quoi tu veux parler, bien entendu, mais il oui. y a plein de trucs. Il y a un épisode épilogue qui est vraiment pas mal du tout. Et non non c'est sympa franchement moi il m'a quand même bien touché, mais d'ailleurs on en parlera des jeux qui nous ont touchés juste après, un peu plus tard bien sûr. Allez, tu peux continuer. Le truc bah c'est du coup Jedi Fallen Order, je pense que toi t'en parleras, Lucien. Bien bah oui, si tu veux j'en parlerai quand moi je peux, je ferai ma semaine alors. Voilà, et ouais. Puis le seul autre truc que j'ai maté récemment bah du coup c'est ça, chapitre 2 hier. Ouais. Et bah du coup en fait je l'ai maté, bon il devait être quoi 2h du mat, donc j'ai fini, il était 5h du mat, tu fais c'est bon je suis prêt. Oh la vache. Ah ouais. Putain. Dure deux... Je crois qu'il dure 2h50 un truc du genre. Ouais. Faut que je le mate quand même. Pareil. Bah en fait il était, genre il était bien, mais j'ai pas vu déjà les 3h passer. Ouais. Mais par contre t'as l'impression qu'en fait c'est totalement dévié du premier film en fait, genre c'est limite, ouais, en fait, juste la version adulte. J'ai pas vu énormément de gros changements scénaristiques, en fait. C'est juste, ouais, c'est limite, on prend les mêmes, on recommence, mais ils sont plus vieux, quoi. Ouais, d'accord, ouais, ok, je vois. Mais ça reste plaisant quand même. J'ai préféré le premier, mais ça reste ouais, je crois que c'est le consensus, c'est que les gens ont quand même préféré le premier. RDR1, tu pouvais avoir un minimum de liberté. Attends, je reviens juste sur le commentaire de Deadpool. RDR1, tu pouvais avoir un minimum de liberté dans tes choix tactiques. Et justement, RDR1, je trouve qu'il est très calqué sur GTA 4. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc, t'es dirigé à un moment, mais à certains moments, tu peux quand même te permettre d'être un peu créatif. C'est vrai. Mais oui, d'accord. Ouais, faudra que je le mette Hit 2 parce que pour le coup, j'avais vraiment kiffé le premier. Et écoute, on verra bien ce que ça donne aussi. Mais c'est vrai que j'ai entendu des trucs assez différents. Hein. J'ai entendu plein de critiques différentes qui disaient qu'il était trop long, qu'il était trop lent, qu'il patinait, que justement il était trop expéditif. J'ai entendu de tout, quoi. Non, mais puis bah voilà, je crois que j'ai fait à peu près mon tour. J'avoue, bon, après, vu que j'ai été malade, j'ai pas fait grand chose. Puis bah, il y a eu l'art to play, mais bon, ça faudra. Revenir dessus. Bien sûr, on a un débrief à faire. Bah, tu sais quoi, je vais prendre la suite, je prends la gagne. Ok, je prends la gagne. Et bah du coup, j'ai testé Jedi Fallen Order pendant franchement une demi-heure, je crois. Je l'ai téléchargé et j'ai testé et il m'a dégoûté, quoi. Il m'a vraiment saoulé. Déjà le fait que les options soient moyen, élevé, ultra là. J'ai pas compris ça que dalle à foutre là dans un jeu sur PC. C'est pas, tu fais pas ça, tu ne fais pas ça. Rien que ça m'a saoulé. Ensuite c'est au niveau, clairement juste au niveau du gameplay, parce que au niveau scénaristique pour l'instant j'ai croisé quasiment personne, juste le NPC du début là qui s'appelle Prof, je crois. Ouais. Il me semble que je trouvais extrêmement bien écrit, et je trouvais qu'il était extrêmement bien doublé, la mocap était bien et tout. Mais alors au niveau du gameplay, mais ah la salope, ah c'était dégueulasse. J'ai l'impression que ton personnage est tout le temps sur des rollers, que tout ce qu'il fait est extrêmement clunky. À chaque fois que tu lances une attaque, ça coupe à moitié son animation. Enfin, y a rien qui est fluide. Et pour le coup, j'ai vraiment cru voir quelqu'un qui s'était approprié une version alpha de Dark Souls et qui l'aurait reskin, quoi. Vraiment, je te promets que j'ai trouvé ça vraiment insultant, quoi. J'ai trouvé que le gameplay était vraiment clunky et ça m'a pas plu, mais pas du tout, quoi. Clunky, ouais, par contre, c'est les combats sont assez lourds, entre guillemets, mais. Ils sont même pas lourds. C'est pas déjà, ils en ont pas du poids, je trouve. Je trouvais qu'il y avait bien plus de poids dans The Force Unleashed. Et. Ah si, ah, les combats étaient bien mieux dans Force Unleashed, ils étaient bien plus travaillés, bien sûr que si. Déjà t'avais pas que un pouvoir de force, là pour l'instant t'as un pouvoir de force, dans Force Unleashed tu pouvais brûler. Les animations peut-être, elles étaient bien, mais t'avais des sacs à PV en face, et fallait juste, attends. T'avais la manette, t'avais toi, il fallait faire... X, Y, voilà, et après voilà, tu l'as terminé le combat. Mais c'est exactement pareil pour Fallen Order, sauf que tu fais des galipettes, hein. Bah non, tu fais des contres et tout, il y a quand même... Non, je trouve que c'est vraiment un gros jeu de merde. Et ça m'a rappelé, d'un côté, au niveau du gameplay, c'est très étrange, je suis d'accord, mais ça m'a rappelé Kingdom of Amalur.
J'ai trouvé que c'était, c'était au même niveau, si tu veux, de clunkiness au niveau du gameplay. Enfin, ça m'a... C'est Electronic Arts, hein. Ouais, bah ouais, du coup ça doit expliquer parce que putain, je te promets que ça m'a dégoûté quoi. Mais ouais, du coup, j'ai pas continué, je me suis arrêté, je crois, enfin, très très rapidement. Les quelques premiers combats, ça m'a. Pff, j'étais pas dedans du tout. Et je me suis arrêté au début quand t'es sur un train, je crois. Il y avait une baston contre. À peine une demi-heure. Contre 2-3 clones, je crois. T'en balances un dans un ventilo. Et ensuite tu montes et j'ai arrêté là, je pouvais plus. Je crois que je me suis arrêté parce que. J'avais essayé de faire un force push sur un mec, si je me gourre pas, je crois que c'était, ouais, c'était un force push. Tu l'as pas encore ? Non, c'était quoi ? Attends, parce que tu gagnes un truc de force. Oui, ça ralentit, pardon, ça ralentit, exact. J'ai essayé de déclencher un ralenti sur un ennemi, il y a eu l'animation du héros qui balance, comme je sais plus comment il s'appelle, Michel Force, enfin bref. Il y a eu l'animation du mec qui envoie, avec son bras, le ralenti. Ça a pas touché l'ennemi, il m'a foutu un coup dans la gueule, ça m'a vénère, j'ai quitté. Directement, j'ai quitté désinstallé en moins de 10 secondes. Ça a vraiment pas résonné avec moi. Est-ce que je peux juste un petit point comme ça ? Je t'en prie. Vas-y. T'as fini New Young Blood et t'as pas fait plus de 30 minutes sur. Franchement, ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais, parce que. Pour ça, plus jamais je t'adresse la parole. Si tu veux, je suis quand même si Youngblood était, c'est une hérésie, hein, clairement ces gens-là, il faut leur foutre des tortures médiévales sur la gueule, hein, on est d'accord. Mais j'ai quand même plus d'attrait à Wolfenstein qu'à Star Wars. Je m'en bats vraiment les couilles de Star Wars. J'aime bien, mais je m'en bats les couilles. Donc non, j'ai vraiment pas tenu quoi. Si on se la force, en pas assez de force, ton perso il titube comme un gros cuck. Pourquoi ils nous refont pas jouer Cal Katarn là? Dans un, tu nous fous un FPS à la Black avec des blasters et tu refais un Dark Forces 4 ou 3, je sais plus, auquel ils se sont arrêtés. Ils ont déjà essayé de faire un FPS, sauf que c'était Battlefront 2 et bon. Ça a pas marché bien beaucoup. Ouais, bah voilà. On a vu le résultat quoi. Ouais. Bah, il a le problème. Mais sinon, voilà, j'ai testé Jedi Fallen Order, donc j'ai pas aimé. RDR2 du coup, que j'ai aimé. Ace Combat 7. Je passe énormément de temps sur Ace Combat 7 et j'adore Ace Combat 7. C'est ce qui m'a fait chier ce jeu. Ouais, mais non, par contre, je peux comprendre. Franchement, je suis totalement en résonance avec toi, Poto, parce que c'est vrai qu'il est extrêmement spécial et toi, t'aimes beaucoup les simulations. Moi, j'adore le côté arcade, mais il est quand même assez déséquilibré dans le sens où t'as des trucs qui sont bien trop longs pour un jeu comme ça, en fait. Il y a certains débuts de missions qui sont longs, certaines missions que quand tu dois les recommencer depuis le début, j'avoue que ça casse les couilles. Mais Ace Combat 7, j'ai vraiment kiffé, je trouve que le scénario est vraiment super marrant. Et pour le coup, c'est vraiment, vraiment un animé, quoi. C'est vraiment, vraiment un animé. Et non, j'ai vraiment bien aimé, je trouvais ça vraiment cool. J'ai pas encore fini, mais même le système d'amélioration dans l'arbre d'avion et tout, là, il est cool. Donc j'ai bien aimé, ouais. Il y a Outer Worlds aussi que j'ai pas continué, j'ai du mal à me mettre dedans, je sais pas pourquoi j'ai plus de mal à me mettre dedans que dans New Vegas. Je sais vraiment pas ce qui fait ça. Comment ? Je trouve que ça rentre bien, moi, c'est très facile à prendre en main justement. Oui, non, il est facile à prendre en main et tout, mais je saurais pas dire pourquoi j'arrive pas à me foutre dedans quoi. J'arrive pas à me faire des grosses sessions de jeu parce que au bout d'un moment, je sais pas, je me fais chier, je crois. Mais je sais pas pourquoi je me fais chier, c'est ça le pire. Mais... Ah, je vois, moi j'aime beaucoup l'écriture quoi. Bien sûr. Ah ouais, ouais. Ça me parle. Le fait que ce soit pas open world, ça casse les couilles. Ah, ça pose pas trop de problèmes. Ouais, ça m'a pas trop posé de problème non plus. Je saurais vraiment pas dire pourquoi. C'est étrange comme sentiment, mais quand j'y joue, je fais. Bref. Tu vois, je sais pas, je t'aurais pas à dire. Faudrait que je l'ai pas désinstallé encore. Encore, hein, c'est le mot-clé. Mais j'essaierai de pousser un petit peu dessus pour mettre le doigt au moins sur ce qui me plaît pas, tu vois. Mais salut Atama, ça va mec ? Bien quoi ? Voilà, sinon, vite fait pour terminer, Disco Elysium. Pareil que je l'ai pas continué, mais le peu que j'ai joué pour l'instant, ça me fait chier qu'ils soient en anglais parce que je vous l'aurais bien streamé et j'ai pas envie de. Il y a énormément de narration donc j'ai pas envie de tout vous lire et tout traduire ou tout prononcer en anglais, ça va me casser les couilles. Et je crois qu'il y a aucune trad si je me gourre pas, en tout cas pas pour l'instant. Donc, c'est cool pour un jeu qui se veut uniquement sur le dialogue. Bah c'est ça, et vraiment le jeu est super intéressant et ça doit être un des jeux les mieux écrits que j'ai vu ces dernières années, je pense.
Ah, bah, c'est sûr que genre, en jouant à Fallout 4, bon. Oh putain, ouais! Oh putain! Ouais, Disco Elysium, il est vraiment sympa. Et à un moment, quand ils sortiront, je sais pas s'ils sortiront des pages de trad ou ils sortiront des trad, même des fan trad, tu vois. Peut-être que j'essaierai d'en faire quelques streams, au moins un stream, histoire de voir comment ça se passe. Un truc posé, c'est pas un jeu, c'est clairement pas de l'action. Hein. Mais non, ouais, il y a vraiment moyen de faire un truc cool. Sinon, bah oui, Monster Hunter Generation Ultimate aussi, que j'ai repris. Et après j'ai joué à plein d'autres trucs, mais c'est les trucs qui m'ont le plus marqué, notamment des trucs auxquels j'ai joué en stream, Faith principalement, que j'ai fait vendredi dernier, cool. Faith que j'ai vraiment adoré, et je pense, ouais, il va falloir que j'achète la suite parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. C'est vraiment des putains de jeux, quoi. C'est vraiment pas cher en plus, je crois. Ouais, sur le chat ça disait 1$, je crois, pour débloquer la suite, donc franchement ça va. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'il va te foutre dans le rouge, quoi. Mais voilà, c'est plus ou moins tout. Après, ce qu'on a vu... attends, je vais garder celui-là pour la fin, quand même. Joker. J'ai regardé Joker au cinéma avec Poons. Et bon, bah écoute, je pense que je peux pas dire plus que les gens ont déjà dit. Je m'en suis pris plein la gueule, quoi. Il était vraiment, vraiment incroyable comme film. Et voilà, j'ai pas envie d'en faire une critique beaucoup plus longue que ça, parce que voilà, tout le monde a déjà dit tout ce qu'il fallait dessus. Midsommar qui m'a pété les couilles. j'ai bien aimé. Ouais, on l'a maté pareil avec Poons et je me suis endormi 2-3 fois, je crois. Ah oui. Ouais, mais on était claqués, hein, mais c'était beaucoup trop long. J'ai trouvé ça beaucoup trop long, quoi. J'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop long, je me suis fait chier, donc ça m'a saoulé. J'étais surtout intrigué, du coup, ça m'a tenu en haleine. Ah ouais, par contre le film est très intrigant, il est aussi très très joli. Le film est vraiment magnifique, au niveau de l'image c'est vraiment très joli, mais j'ai clairement préféré. Il est chiant, bah oui. Mais surtout que moi j'y allais, on m'a dit ouais c'est Alexandre Aja, donc je me suis dit ouais cool, Hérédité 2, tu vois. Mais non, Taras, non, pas du tout. Mais non, ça m'a pas marché. Sinon sur Netflix j'ai maté Fractured Fracture en anglais, je crois, et la fracture en français je crois. Et super film, vraiment super sympa. Je vais rien dire parce que sinon ça serait du spoil. Et Ellie aussi sur Netflix, qui était vraiment sympa, ouais. Il était vraiment cool, il m'a pris un petit peu par surprise à la fin en plus, donc c'était un petit peu téléfilm. J'avais l'impression que ça faisait téléfilm plus que vrai, un vrai film. C'est vrai, ouais. Un téléfilm plus quand même. Hein, beau téléfilm, quoi. Ouais, un beau téléfilm. mais il était très bien. Ouais, il était vraiment cool. Devil Story, d'ailleurs, j'avais envie de juste d'en reparler, parce qu'on l'avait streamé pour, la fin de l'horrible octobre. Oh, putain. Devil Story avec Narnère dans le champ, là, qui tire sur le cheval. C'était incroyable, mec, c'était incroyable, ce film. Depuis qu'on l'a streamé, j'y pense tous les jours, mec. Avec le Nerner avec le cheat de munitions illimitées qui tire dans le champ comme ça, putain, mec. 24 heures. Oh, la tuerie, quoi. Alors un film, j'aimerais quand même passer le trailer, le trailer en fond pendant qu'on en parle et qu'on a regardé avec Spider et Momo. Qui s'appelle Punk Fu Zombie. Ça a l'air agréable, dis donc. C'est un film. Un film indépendant d'exploitation, science-fiction, post-apocalyptique, zombie, horreur, québécois. Québécois. Ça, c'est le mot-clé, ça. Québécois, il est. Attends. Les Québécois vont tenir nous tuer. Voilà, donc on a les bons accents du début jusqu'à la fin, et c'est, ça prouve vraiment que tous les Québécois sont complètement starbés, quoi. Le film, il est incroyable. J'ai l'impression qu'il faisait 3 heures quand on l'a regardé. Je crois qu'il faisait 1h20. Il faisait 1h20. Chaque seconde était multipliée par 1000. C'était un truc de fou, gars. Mais et surtout, quand on l'a lancé, on l'a lancé, c'était Amazon Prime, du coup, c'est... Ouais, on a foutu Amazon Prime. Oui, parce que on l'a pas chopé sur YouTube ou téléchargé n'importe où. Non, c'était sur Amazon Prime, sur un service qui est payant, mec. Donc ces gens-là sont rémunérés, quand même. Ah ouais, bien sûr. Et c'est surtout qu'au début, on cherchait un slasher ou un film d'horreur assez marrant. Ouais, voilà. Et putain, mais quand il y a eu ça, en plus... Il réussit à faire, oh franchement, ça doit être assez marrant et tout. Putain, mec, c'était le premier film. Mes sourcils sont restés aussi hauts, quoi. Le stun d'1h20. Ouais, vraiment.
Pour le coup, vraiment. Ouais, ouais, non. Il n'y a rien qui allait. On comprenait rien en plus à ce qu'il disait, parce qu'en fait, les trois quarts du temps, on comprenait vraiment pas ce qu'il disait, quoi. C'est, voilà, c'est comme c'est... Techniquement, c'est du français, hein. Alors, techniquement, vraiment sur papier, mais de lui très loin, en tout cas. Mais c'est, si j'avais regardé le film dans une langue étrangère que je ne comprends pas, ça aurait été pareil. Ça aurait été exactement pareil. On n'a rien compris au scénario. Mais non, c'était une super expérience. Je vous conseille quand même de le mater si jamais vous avez si vous avez des envies suicidaires, allez-y quoi. Voilà. Mais préparez pour quoi. Ouais, faut vous y aller avec pas trop d'attente non plus quoi. Attends, par contre, il dure combien de temps le trailer là? Parce que sans déconner, j'ai l'impression qu'il dure 3 quarts d'heure. C'est la fin là, on est sur la fin là. Et en fait, ils ont montré littéralement toutes les scènes intéressantes du film. Mec, c'est 2 minutes, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes déjà. Oui, mais c'est ouf en fait. Regarde le titre, oh, il est beau mec, il est beau ce titre. Je vais faire une icône comme ça pour aller meuf un jour. Et il y avait du coup, ouais, c'est, dans le chat, il y a eu le film Doom, mais il a pas trop. Pas trop marqué en fait. Bah, il a marqué Momo. Ah quand, oui. Quand la gonzesse trouve un cadavre qui s'appelle Blazkowicz. Mm-hmm. Ou Momo. Ou Momo. Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais vu Momo faire une crise d'épilepsie aussi rapide et intense. Il s'est désactivé en fait. Ça a désactivé Momo sur le coup. Et si, bien sûr que si, Hunter, t'inquiète. Au début, je pensais qu'elle allait trouver Docteur Carmack, Docteur Romero, des trucs comme ça. Docteur Doomguy, je sais pas. Non. Direct sur Docteur Blazkowicz, Momo, il a fait. C'était un truc de fou. Ça nous a tous buté. Mais le film était honnêtement pas aussi horrible que ce à quoi je m'attendais. C'était de la merde. Hein. C'était de la merde, mais il y a certains trucs qui nous ont surpris positivement. Notamment qu'ils ont eu quand même les couilles de faire des imps. Avec des mecs déguisés qui lancent des boules de feu, quand même. Ouais. Des mecs de Stargate. Quoi. Rien que ça, ils ont eu les couilles de faire lancer les bonnes boules de feu aux imps. Et tu sais, tu serais dit, bon, ils vont juste faire des monstres, mais non. Ils ont fait quand même des trucs qui ont poussé un peu plus. Donc ça, je trouvais sympa. Ouais. Et ils ont prévu d'en faire un deuxième. Ah. C'est marrant parce que j'avais oublié. Je passe une bonne journée, mais. Et finalement, tant pis quoi. Ils ont clairement prévu d'en faire un deuxième. Est-ce qu'ils en feront un? Je ne sais pas. Ouais. J'ai prévu. Faudrait leur. Oui, parce que c'est vrai que la fin était jolie aussi, mine de rien. Oui, la fin était pas trop mal branlée. Ouais, c'était bidon, hein. Mais en vrai, c'était ouais. Je sais pas. C'est peut-être qu'on passera sur le drive-in à un moment. Donc Power de se faire bloquer sur Twitter. Ah, je regrette rien, mais j'avoue que pendant le film, du coup, c'était très étrange d'imaginer que derrière la caméra, pendant qu'on était en train de regarder le film, derrière la caméra, il y avait un mec qui m'avait bloqué sur Twitter, tu vois. Personnellement, en plus. Ah, ça, ouais, c'est beau, personnellement, ça. Parce que je l'ai insulté, personnellement, j'en suis très très fier. Attention, j'en suis super fier. Mais bah oui, parce que si l'autre truc, tu sais pas, quand j'ai vu le trailer de Doom, la première fois qu'il est sorti, Doom Annihilation, je suis allé directement sur Twitter pour insulter le réal. Et je l'ai spammé avec des « Fais pas ça, je t'en supplie, fais pas ça, tu sais pas ce que tu fais, mec, t'as pas honte !» Je crois que je l'ai traité de fils de pute aussi, enfin, j'ai été assez civil, et il m'a bloqué. Donc, non mais je regrette rien, hein, parce que son film mérite les insultes, mais bon, il était pas non plus, voilà, il était pas aussi horrible que ça, quoi. Il va t'entendre. Il est passé plus vite que Punk Fu Zombie. Ah putain, carrément. Alors là, carrément. Maintenant, l'échelle. On l'a speedrun. Hein, on l'a vraiment speedrun le film. Donc, voilà. L'horreur que c'était, putain. Ouais, putain, Punk Fu Zombie. Putain, j'ai oublié d'en parler aussi parce qu'on a vu, on a maté avec Momo et Spider, on a maté les deux Astérix de Astier. Ouais, Et que le premier était cool et que moi j'ai trouvé que le deuxième c'est vraiment un masterpiece. Donc, J'ai préféré le. Je sais pas si j'ai préféré le deuxième ou le premier. J'ai l'impression que le deuxième est passé plus vite. C'est clairement le deuxième, moi, qui m'a. Il m'a vraiment éclaté du début jusqu'à la fin. Comment ? Le premier est cool, hein. Y a pas oui, de voilà, c'est ça, ouais. Mais le deuxième est vraiment. Deuxième est vraiment mieux, quoi. Y a des vannes qui sont vraiment marrantes, y a des scènes qui m'ont vraiment fait rire, vraiment. Yes, on a dit. Continuez. Allez-y. Continuez sans moi. Bah vas-y, bah je vais faire. Hein. Je t'abandonnerai pas. J'ai pas fait grand chose cette semaine avec les cours. j'ai joué un petit peu à Death Stranding, mais on va pas trop en parler parce que je suis le seul. Enfin, le seul ici. Dans la discussion. Après, j'y ai joué genre une heure et demie peut-être. Ah oui, c'est vrai que t'en as fait un peu Shadow. Ouais. Après, j'ai joué beaucoup avec les copains au dernier Call of. Ah, c'était bien ça. À s'insulter et à tuer des mecs. Après, j'ai fait un petit peu de CS aussi. Mais ouais, c'est je vais claquer. Oui.
Oui, donc ouais, d'accord, ok. J'ai entendu un petit peu pendant que j'étais en train de mourir, mais. Ça fait deux semaines que je joue quasiment plus avec la fac là. Ça commence comme ça. Ouais. Ça finit par. Je joue pas trop en ce moment. Ouais, au final, je joue plus, je coupe le PC, je revends. Les copains, c'est fini et j'ai un CDI. Après, moi j'ai besoin d'une Crossfire, donc tu peux m'envoyer ta carte graphique si tu veux. Franchement. On est pas encore là. Putain, le SCD entre deux cartes graphiques qui sont même pas de la même génération, poteau, c'est stylé de ouf. J'ai même pas dit un SCD, j'ai dit un Crossfire. Ils vont faire la gueule, ils vont faire la gueule, les constructeurs. Crossfire. Hein ? Il n'existe plus le Crossfire. C'est pas grave ça. Il y a plein de trucs qui n'existent plus et pourtant qu'on utilise toujours, Momo. Hein. Réfléchis. Regarde le TTR. L'Ultrich, il a raison, il fait avec la fuck, mais il y a les blocus. Ouais, bah les blocus, ça commence à arriver. Il y en a déjà eu un la semaine dernière. C'est Yannard quand il parle du Discord du blocus, ils font chier. Mais quand il en parle en vocal, tu sens quand même quel petit sourire de ah. Le seul truc qui me fait chier avec les blocus, c'est que à cause de ces merdes, j'ai pas pu passer mon oral et ça fait deux semaines que j'attends de le passer et c'est juste ça qui est chiant. Sinon le reste, bah, c'est je dors le matin quoi. T'es où sur les photos là, Yannard? Chez moi. On te voit pas. C'est pas toi. T'es pas sur un vélo ou un truc comme ça là. Ça manifeste pas pour le Crous. tu t'es pas mis le feu? Du tout. Ah, pourquoi faire? Regarde s'ils sont pas beaux. Regarde les forces vives de la nation. Ouais, en vélo. Ouais. Notre futur, ça. C'est marqué quoi? Est-ce que c'est marqué on fout le bordel sur leur. C'est marqué ça, on est d'accord. Ouais. Avec la poubelle et. Mais recyclable, hein. Attention. Merde, c'est quoi qui a marqué? Le blocus m'a. Pas dit. Radicalisé, non? Radicalisé. Je crois? Je crois, ouais. Quelle bande de futurs chômeurs. Laissons les adolescents faire les trucs d'adolescents, on peut rien. Franchement, en 3ème, j'étais le premier à foutre des palettes devant le lycée alors que je savais pas ce que ça voulait dire. C'était quoi déjà? C'était le CPE, c'est ça? Qu'ils avaient signé un truc, c'est ça? J'étais le premier, mon gars, pour rentrer chez moi. Je m'en fous, je vais prendre des poubelles, je vais les mettre devant, ils seront bloqués. Franchement, c'était trop bien, mec. Après, on allait au kebab. Ok, ouais, donc t'as fini, du coup? Non, et puis j'ai maté Wounds aussi sur Netflix. Ouais, ouais. Un petit film horrifique. J'ai rien compris. J'ai bien kiffé Wounds. On avait maté avec Wounds. Wounds a pas kiffé, très, moi très j'ai bien aimé, ouais. Moi aussi, très très bien. pareil, là, pour le coup, c'est vraiment un petit téléfilm plus. C'est très sympa et... Ouais, j'ai pas dormi. Il y a de bonnes idées de mise en scène. Ouais, après, il y a des images subliminales de grosses putes, mais franchement, ça va. C'est ça, surtout, j'ai pas dormi. J'ai pas réussi à fermer les yeux, je voyais des trucs. Du coup, je fais ah, c'est pas marrant. Oh, franchement, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Bah oui, c'est sympa. Ouais. De ouf. Ouais, si vous avez Netflix, allez-y. Ouais. Et du coup, c'est tout, c'est bon? Ouais, c'est tout. Ah, j'ai Hunter x Hunter, mais ça. Ouais, non, ça c'est pas la peine. Ça c'est pas la peine. Ouais, non, c'est pas les couilles. Et ben moi j'ai joué à quoi? Du coup, moi j'ai joué un peu à Diablo avec vous, évidemment. C'est pas vrai. Ouais, tu mens. C'est vrai que j'ai joué tout seul en fait. Ouais. Non, mais je m'invente des amis quand je joue pour. Tu comprends, sentir un vrai podcaster. Ouais, c'est pour m'entraîner pour les streams. Ouais, je comprends. Sinon, j'ai joué à quoi? J'ai joué un peu en stream. J'ai fait un peu Wolfenstein 2009, que j'avais quasiment jamais joué, je crois. Ouais. J'avais joué une fois quand il était sorti, mais il m'avait pas marqué. Et j'ai rejoué hier, et clairement, il m'a pas marqué. Ah, d'accord, ouais. le point fort du stream d'hier, c'était pas le jeu, c'était l'atout, quoi. Ouais, clairement. Ouais, je comprends. Parce que le jeu, alors j'y ai pas rejoué depuis hier. Hein. Je voulais y rejouer un petit peu cet après-midi, puis au final, j'ai eu la flemme. Ouais. Mais au final, enfin, le jeu, c'est vraiment typique des FPS des années 2000, fin 2000, quoi. Ouais, y a rien, en fait. Et c'est vrai que j'y avais joué un tout petit peu, et c'est vraiment. C'est comme tu dis, c'est vraiment typique FPS années 2000. Tout est gris. Tout est pareil. Ça tombe sur une version de l'Unreal, je crois, non? Je sais même pas. Non, c'est je crois. C'est pas l'Unreal 3. Je crois que c'est un moteur maison, mais je suis pas sûr. Ah ouais. Mais même, enfin, ça pourrait être un reskin de n'importe quel autre FPS de cette génération. Ça, je verrais pas la différence. Ça me faisait penser à l'autre FPS que je crois que c'est Poléon qui l'avait streamé. Oui. Où tu te balades dans le temps, là, tu sais, tu reviens à une époque. Ah ouais. Far Cry. L'URSS. Non. Où il y avait l'URSS, tu retombes sur une île.
Napoléon l'avait streamé. Oui. Je sais pas du nom. C'est Arcane, non, en plus. Je sais même plus. Je crois. Hein. Je sais plus si. Singularity, c'est ça. Et c'est Arcane Studio. Mais je crois que c'est Arcane. Parce qu'avant c'était Raven Software, je crois. Et attends, non, ou alors je me cours. Bah non, Arcane Studio. Non, attends, je confonds avec quelque chose d'autre. Non, mais c'est pas. Mais attends, Singularity, c'était qui alors? Vas-y, regarde. Il me semblait avoir. Non, mais évidemment. Non, oui, du coup, c'est Raven Software, c'est bien ça, c'est Raven Software. Qui n'existe plus d'ailleurs, ouais, non, c'est Activision. Oui, c'est Activision, ouais. Ils ont été rachetés et tout. Donc, évidemment. Déjà avant, ils ont fait partie. Mais d'ailleurs, attends. Au fichier 2009, c'est parfait par Raven aussi, je crois. Ou édité, ouais, donc, ou. Ouais, aussi, si, c'est ça, si, c'est ça, ils l'ont dev. Ils l'ont dev, ok. Ils l'ont dev. En bisbise avec id Software aussi. Ah non, an avant Singularity d'ailleurs. Ouais, ok, d'accord. Donc, Et du coup, ouais, voilà, bah, le jeu, enfin. Il est un peu dans la même veine, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te surprend, en fait. Même, même le principe un peu. Comment dire. C'est le petit gimmick du jeu avec tes pouvoirs, avec ton amulette du futur nazi, là. Ouais, futur nazi. Bah, même ça, en fait, qui pourrait être cool, c'est naze. Tu vois, ah, genre. Ouais. C'est-à-dire que, du coup, t'as plusieurs pouvoirs, mais. C'est tellement convenu, quoi, tu vois. C'est très générique. T'as un truc pour ralentir le temps, t'as un bouclier, t'as. Voilà, quoi, c'est. Vous vous souvenez de. Dans leur utilisation, t'as une barre de mana, je veux dire, enfin. Ah ouais, carrément. Tu vois, c'est très jeu vidéo, mais en même temps, pas assez pour être pour marrant. Être fun. Ouais, je comprends. C'est juste. C'est chiant, quoi. Oui, Russian, je me souviens. En parlant de manipulation du temps, c'était. Quand il avait été annoncé, quand on voyait du gameplay. Tout le monde était complètement subjugué. Et putain, quand il est sorti. Le pet de fou, quoi. C'était terrible. Il y avait des trucs cool pourtant. Il y avait des idées sympas, mais c'était tellement situationnel et tout. Ça m'a. La déception, quoi. Le seul bon truc que je me souviens de ce jeu, c'est dans les 10 premières minutes, c'est un moment où tu dois passer. Il y a de l'eau en fait dans un canal et tu dois passer de l'autre côté. Et du coup, tu dois figer le temps pour marcher sur l'eau. C'est le seul moment du jeu que je me souviens. Le bidon de ouf. En fait, t'as l'impression que quand tu ralentis dans le temps, à part dans Max Payne, c'est souvent parce que le shoot, il est pas très précis ni bien. Ouais, donc, ouais. Le ralenti, ça permet d'évacuer le truc. Ah, et puis tout était mou et tout. C'était chiant comme tout, quoi. Et c'est vraiment con parce qu'il y avait. Ouais, c'est comme tu dis, il y avait vraiment des idées sympas. Et pareil que ce que dit Hoffman, la démo, je l'avais, mais enculé, quoi. C'était. Je l'avais momifié tellement je l'avais faite. Hein. Mais quand le jeu ensuite est sorti, je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais c'était vraiment pas. C'était vraiment pas fun, quoi. Vraiment générique, t'as l'impression de jouer à un jeu Lidl. C'est que tu trouves dans les bacs à Nose. Que tu trouves dans tes boîtes de céréales, c'est à l'époque. Ouais, c'est ça. Moi j'avais trouvé Starsky et Hutch et Crazy Taxi, moi. Dans mes boîtes de céréales. Franchement, je m'en suis sorti bien. Aussi, je crois. C'était bien Crazy Taxi. Un jeu Ford. Ouais. Build tough. Ouais, exact. Tu vas prendre le. Le Cybertruck alors ou pas? Mais Day One, mec. Day One, précommande. J'ai pas le permis, je m'en les couilles. Précommande. Avec les options ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, je veux jetpack, je veux parachute. Je veux les. Tu sais, les bras qui sortent des camions qui font des repérages de tornades là. Optimus Prime. Ouais, voilà, je veux plus ou moins. Je veux un ATH et des mitrailleuses. Je veux le quad aussi. Il y a un quad. Le quad? Ouais, t'as pas vu pendant l'annonce? Non, j'ai pas vu l'annonce, moi j'étais pas là. Moi. Je t'enverrai la vidéo du coup. Ouais, il a annoncé un quad, enfin il a pas annoncé le quad, il en a juste parlé, mais en gros c'était juste, enfin il a un quad du coup électrique Tesla, tu vois. Fais voir. Et qu'il a foutu dans la benne du Cybertruck. Putain, trop bien. Non. Et il a rien dit de plus sur le quad. Le cyber quad, mec, regarde. Oh la gueule qu'il a, c'est trop bien. Oh, super. Non mais par contre, c'est un truc de Halo, ça. Je suis désolé. Non mais carrément, pour le coup, même la voiture, quoi. C'est Halo. Hein. Même le Cybertruck, c'est Halo. Ouais. Et franchement, t'as remarqué que les gens qui aiment pas le design du Cybertruck et du Cyberquad, c'est tous des keuks ou des gonzesses. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas très très révélateur?
Mais c'est. Ou alors des bobos de gauche. Ouais. Vous parlez des montages là, mais la plupart des montages que j'ai vus sur le Cybertruck, perso, c'est ceux de Halo justement. Bah oui, où tu vas avec le Warthog. Bah c'est ça, ouais. Mais Karl Jett, il en a pris deux. Allez, photo. Il est pas fou. Tu mets l'un sur l'autre parce qu'en plus, ils peuvent s'emboîter vu les formes. Et je suis sûr que la forme un petit peu comme ça, ça le rend moins évident sur les radars. C'est comme les ailes furtives, tu vois, comme les bombardiers, tu vois. Donc franchement, ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. Complètement. Est-ce que par contre, tu pourras changer la plaque d'immatriculation pour mettre avec un bouton à l'intérieur. Pour mettre Halo. Ouais. Ça, on a pas dit par contre qu'on avait remonté. Du coup, tu les 4 textes. Attends, tu veux que je montre ce que tu m'as envoyé tout à l'heure? Ah ouais, bah vas-y, fonce. Attends, bouge pas, bougez pas. Je finirai parce que j'ai pas fini. Non, non, vas-y, bah, parle pendant que je suis en train de charger ta caisse, je vais le foutre en fond. Donc Wolfenstein 2009 qui m'a fait chier. Il y a aussi, ça remonte un peu maintenant à une peut-être 2-3 semaines, je sais plus, où j'avais rechopé le premier Call of, où je me suis dit, ah putain, ça va faire plaisir, tu vois, je vais pouvoir m'y remettre, enfin, le refaire un peu comme à l'époque et tout, ça va être marrant. Et en fait, je me suis fait chier. Bah oui. Et parce que je l'avais refait il y a pas très très longtemps, tu vois. Quand je dis pas très très longtemps, c'est peut-être 1 an, 2 ans. Ouais. Et là, je m'étais marré, tu vois. Mais là, aujourd'hui, maintenant, quoi, et bah, en voulant le refaire, je me suis fait chier. Bah ouais. Mais encore, j'avais pas ressenti. Je m'étais pas fait chier quand j'avais refait Medal of Honor. Ouais, débarquement allié. Je sais pas, faudrait peut-être que tu t'essaies de voir pour le faire pour. Pour comparer, faudrait que je teste. Mais ce que je me dis, c'est que quand je vois que je joue genre à Wolfenstein 3D et que ça me fait pas chier. Ouais, bah oui. Ce que je veux dire, c'est que je me dis, c'est le problème, il vient peut-être pas uniquement de l'âge, quoi. Bah oui, bien sûr. Non, mais oui, il doit y avoir forcément un truc derrière, quoi. Voilà. J'ai pas vu. Bon. Attends, parce que du coup, c'est un truc qui m'a envoyé Momo tout à l'heure. Et c'est tombé dans mes recommandations YouTube, vraiment. C'est un russe qui a refait le début du premier film Taxi. Ouais. C'est que des Russes dans les commentaires, je crois qu'il y a un Français qui dit bravo ou c'est comme ça, mais... Il y a un Français qui dit vive la France. C'est que des Russes, et je sais pas si t'as vu, mais pendant le travelling, là, quand on voit la ville du dessus, on voit le mec qui fait du best jump, là, à droite. On le voit en train de voler, en fait, et de cheater, ça m'a fait rire. Et du coup, c'est un mec, il s'est amusé à refaire le début de Taxi. Attends, tu sais quoi, je vais couper la musique, juste pour que vous écoutiez un petit peu. Mais en vrai, c'est assez... Il y a les chansons et tout, et attends... Ça dure 8 minutes en plus, il y a vraiment toute une scène. Hein. Ouais, mais il va jusqu'à la fin. C'est vraiment. Jusqu'à la fin de la scène. Et le mec, il a même un modèle de Samina Seri, quoi. Le mec, il est modélisé Samina Seri, ça. C'est un truc de fou. C'est trop bien. Et du coup, Michael de Santa, il joue. il est en train de manger un burger, Samina Seri. Michael de Santa, il joue le premier, là, celui qui a les pustules sur le visage, là. Ouais. Mais du coup, j'y réfléchis, mais en fait, du coup, le mec, c'est. Il se fait chier, je sais pas si c'est un mode ou si c'est lui qui l'a modélisé. Samina Seri. Par contre, au lieu de faire un sandwich, il a pris un burger. ça existait, franchement. Mais c'est. Putain, ça m'a étonné, quoi. Il fait chier, quoi. Mec, il y a beaucoup trop d'efforts. Il a vraiment repris en plus la soundtrack du film. Donc il a vraiment timé. C'est vraiment impressionnant, quoi. Il a repris des morceaux du film aussi, du coup, un peu. Non, c'est tout sur GTA V. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est le film chez eux, Taxi, il est redoublé en russe, comme on fait nous. Sauf qu'en Russie, ils n'ont pas les mêmes conditions de doublage que nous. C'est-à-dire que chez eux, quand il y a un film doublé... Ça c'est clairement parce qu'ils ont pas de thunes. T'as juste la voix russe au-dessus de la voix originale. Donc t'entends pas... Dans les documentaires, en fait. C'est ça. Comme les documentaires d'Attenborough, quoi. Donc t'entends les voix françaises derrière et t'entends la voix russe qui essaie de parler un peu plus fort. Avec un micro qui marche pas très bien, tu sais. C'est super. C'est génial. À la russe. Ah oui, à la russe, ouais. Et tu vois, le mec, il a quand même foutu de l'effort dans son truc, il a même foutu un ENB pour que ça ait l'air plus réaliste, entre guillemets, et tout. Ça ressemble beaucoup quand même à Los Angeles, Marseille, mais franchement... C'est vrai que... Ça m'a vraiment étonné, bref, on va couper cette merde. Du coup, j'en étais où? Donc premier Call of qui, au final, je pensais me refaire un bon voyage dans le temps pour m'amuser comme quand j'étais gamin, mais en fait, non, pas du tout. C'est un mur. Et tu comptes te refaire un petit coup de Call of 2 ou quoi?
Bah écoute, pourquoi pas. J'ai pas vraiment prévu, mais. Pour le coup, le premier, je peux bien admettre qu'il est vraiment, vraiment limite rétrograde. Mais le deuxième, pour le coup, il est bien plus fluide. Est vraiment super sympa. Donc tu pourrais réessayer. Je pourrais essayer, ouais. Mais sinon, ouais, sinon j'ai joué aussi. Du coup, là, je change complètement de registre. J'ai joué à Black Flag. Ouais, d'accord. Que j'ai rechopé en fait quand Scad avait fait son stream là sur SC3, ouais. Je me suis dit putain, et si j'allais me refaire du Black Flag. Ouais. Simplement parce que Black Flag est mon Assassin's Creed préféré et vraiment, j'ai joué et vraiment je le trouve toujours aussi cool en fait. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de fun dessus en fait. Juste le principe même en fait d'avoir ton petit bateau que tu peux améliorer etc. Je trouve ça assez unique en fait. Ouais, ça a été repris tu vois. Enfin c'est un truc qui existait déjà bien sûr. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien implémenté quoi. C'est très bien implémenté, sympa, je crois. Et puis bon, les champs, ils sont trop bien. Donc, ouais. Et puis, ouais, justement, ça, je voulais aussi en parler. Que, bah, du coup, Black Flag a, je pense, les collectibles les plus cools de tous les jeux vidéo du monde. Où tu peux littéralement choper des notes de musique qui rajoutent des sea shanties, du coup, à ton équipage. Ah oui, je trouve ça super cool d'implémenter ça directement, tu vois. Au niveau des collectibles. Ils étaient chiants en plus à récupérer les six chantiers, je crois. T'as un petit parcours à faire en fait. Ouais. Mais du coup, le fait que les collectibles soient pas juste des collectibles pour histoire d'avoir un 100%, tu vois. Mais que vraiment ils te rajoutent. Comment dire c'est pas du gameplay, mais qui te rajoutent. Oui, ça te rajoute un petit peu d'ambiance, ça te rajoute des trucs. C'est pas juste des collectibles pour des collectibles, quoi. Donc, j'avoue, c'est cool. Super cool. Ouais, tout le jeu me fait kiffer, quoi. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est un de ceux que j'avais bien aimé aussi. Et si je me souviens bien, tu pouvais aussi upgrade tes holsters, non? Oui, tu peux tu commences avec 1 et puis tu peux aller jusqu'à 4. C'était 4, il y avait pas 6, non, c'est Barbe Noire qu'on a 6, je crois. Ouais. Oui, tu peux en avoir 2 sur ta poitrine et 2 sur tes hanches. Et je me souviens, aussi les combats, ils étaient où tu tirais là-dedans, c'était un vrai gunslinger. Et c'est vrai que j'avais bien kiffé. Il y avait aussi, je crois que tu pouvais trouver des trésors, il me semble, non? Oui, c'est ça, t'as soit des trésors classiques, genre des coffres, comme dans tous les Assassin's Creed, soit t'as des cartes trésors. Oui. Et ça, du coup, dans les cartes, enfin, les trésors des cartes trésors te rapportent un peu plus que les simples coffres. Mais dans les coffres comme ça, là, ouais. Tu peux choper des plans spécifiques pour ton bateau. D'accord, ah ouais. Ah, j'ai pas poussé jusque-là, moi. Moi, je me souviens juste que j'avais trouvé à un moment, je sais plus si c'était dans le jeu ou juste en me baladant que j'avais trouvé ça, mais c'était un anneau qui avait une chance de repousser les balles. Ouais. Ça dit quelque chose ou quoi? Et ça, c'est dans le scénario ça ou c'est dans un trésor caché justement? C'est un truc caché je crois. Ah oui, parce que je crois que c'est un anneau en plus. C'est un anneau d'Eden en plus, il me semble. Hein, c'est clairement dit que c'est un anneau alien. Je sais plus exactement. Ouais, c'est un trésor. C'est un trésor. Je suis en train d'y jouer. D'accord, ouais, t'es encore en train. Ok, d'accord, je vois. C'est un des jeux, je pense, où je prends le plus de plaisir en fait à parcourir l'open world, tu vois. Généralement, les open world, c'est un truc qui a tendance à un peu me saouler, tu vois. Ou juste, au final, c'est juste, tu vas d'un point A à un point B, et puis finalement, tu fais pas trop attention au reste. Ouais. Mais là, juste de parcourir les mers, et puis de péter la gueule à des bateaux, les piller, et puis te servir de ce que t'as pillé pour améliorer ton bateau, et puis choper des cibles encore plus grosses, etc. Je sais pas, je trouve ça... C'est vraiment super bizarre comme entrée pour Assassin's Creed, en fait. Ouais, complètement. Mais c'est vraiment très étrange. Assassin's Creed, en fait. Bah oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment un des plus atypiques qu'il y a quand même dans la série. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il plaît beaucoup, c'est parce qu'il est vraiment étrange, quoi. Bah oui. Parce que ton perso, il me semble que... Ah ouais, t'as pas pu le blairer, moi j'ai vraiment kiffé. Je crois que c'est un de mes préférés aussi. Le tout premier Assassin's Creed reste mon préféré, mais je pense que juste après, c'est celui de Black Flag, ouais. Pareil. En fait, après, le premier, c'est différent aussi. Oui, le premier, surtout moi en tout cas personnellement, je sais pas pour vous, mais moi le premier Assassin's Creed, je l'ai vraiment chopé genre j'étais dans un magasin, tu vois, je pense que du coup ça devait être Day One ou j'en sais rien. Ouais. J'ai vu le jeu, je me suis dit ah tiens la jaquette elle a l'air cool, j'ai acheté et au final bah
J'avais aucune idée de ce qu'était le jeu. Hein. Ah ouais. J'avais jamais vu de trailer. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. J'avais téléchargé des trailers. Le jeu, il est tellement fou. Sur mon PC, j'avais téléchargé du gameplay. Je regardais des conférences de comment elle s'appelait Jade quelque chose qui était à Ubisoft avant. Qui était à moitié bonne en plus là. Attends. Ouais, la Renault. Ouais. Pas du tout. D'accord. je sais. Jade Raymond, c'est ça. Elle, je matais des conférences en boucle pour le premier Assassin's Creed. J'avais regardé des breakdowns au niveau de l'engine, au niveau des animations, parce que les animations étaient folles, parce que c'était procédural, c'était pas scripté. Pour Altaïr qui saisissait des pierres et tout. Et il m'a tellement retourné la gueule le jeu que ça restera mon préféré. Je sais pas si, évidemment, si j'y joue maintenant après avoir joué à plein d'autres, etc. Peut-être que. J'y ai rejoué il y a pas très longtemps, mais il a vieilli forcément. Mais je trouve qu'il reste agréable en fait à faire. Je pense, honnêtement. Ouais. Il est très répétitif, ça c'est sûr. Mais c'est pas si gênant que ça, quoi. Je trouve pas non plus, ça a saoulé beaucoup de monde, mais moi ça m'a pas dérangé non plus. Moi non plus, ouais. Bah en fait, le problème c'est que tu l'as pas spécialement quand tu joues, mais souvent, genre quand on te dit, mais il était répétitif. Plus tu penses, plus tu dis, ah, c'est vrai que quand même, il y avait pas mal de répétitions. Ouais, mais c'est pas de la répétition chiante, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, c'était. Je sais pas. Plus que de la répétition, je pense qu'il y a vraiment deux trucs à séparer, c'est la répétition et la routine. Parce que, tu vois, dans Assassin's Creed, moi j'ai pas trouvé que c'était répétitif, j'ai trouvé que c'était par contre très routinier, parce que c'était toujours le même truc. Tu rentrais dans une ville, t'observais, t'avais tes cibles, tu les butais, et voilà quoi. Par exemple, dans Diablo, le fait que c'est répétitif, ça n'a aucune importance, parce que le jeu reste bien. C'est plutôt de la routine, c'est un cycle de gameplay. Un cycle de gameplay qui est plus facile à comprendre en fait. Il y a plein de jeux qui ont un cycle de gameplay qui est beaucoup plus compliqué que ça et qui inclut beaucoup de choses que tu peux rajouter dans ta rotation en fait. Mais là, j'avoue que oui, le cycle est court. Donc, ce que j'ai cité tout à l'heure, hein, t'arrives, tu vides, etc. Mais non, je trouve pas ça chiant. Je trouve pas ça dérangeant. Tu pouvais dire quelque chose dans les enquêtes avant. Personnellement, j'ai préféré le 2. C'est le 2, ça reste mon préféré. Ouais. Bah le 2, c'est-à-dire que le 2, c'est un peu une version améliorée du 1, quoi. Ah oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est le 1.5, mais il y a eu tellement d'améliorations, je crois que c'était... Je peux comprendre que tu t'es pas fait le 2. Hein, mais... Je sais pas si c'est à partir du 2 ou de Brotherhood, où tu pouvais améliorer ta baraque. C'est à partir du 2. Non, c'est à partir du 2. C'est à partir du 2. Oui, c'est à partir du 2, vu que tu tombes sur l'espèce de manoir tout décrépit. Ça m'a vraiment fait kiffer de pouvoir reconstruire vraiment une baraque en plus, parce que du coup... Ça avait vraiment sens d'ouvrir les coffres et tout ça, parce que au final, tu participais vraiment à la reconstruction du truc. Et je crois que c'est mon préféré, même au niveau de l'histoire et tout ça. Tu vois, il y a Scholar qui dit que le 1 était tellement gris. Et je suis assez d'accord pour certaines parties, tu vois. C'est vrai quand t'es à Acre ou à... Je crois que t'as Jérusalem aussi, je me souviens plus très bien. Ouais. C'est très gris ou alors très monotone, ouais. Et quand tu es à Damas, justement, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que le jeu est divisé en fait. C'est-à-dire que du côté chrétien, c'est très gris, et dès que tu es du côté musulman, ça devient un peu plus coloré. Bah, c'est aussi très lié au fait que t'as les villes qui sont complètement. Assaillis, peut-être plus qu'assagis, mais qui sont contrôlés. Qui sont complètement contrôlés par les Templiers. Les Templiers, ouais. Et les autres qui sont plus du côté assassin, et c'est vrai que Damas et même. Comment il s'appelle Massiaf, je crois que c'est ça, premier village c'est Massiaf, et un peu plus coloré aussi, et ça se voit, je crois que vers la fin du jeu, Massiaf est moins, et justement plus grise, et j'aime bien ça, mais il y a un truc, moi, que dans le 2, ça m'a toujours saoulé, j'ai l'impression qu'il y a un genre de filtre à l'image, dans Assassin's Creed 2, qui rend à moitié flou, il y a du bloom, il y a du flou, il y a du SSAO, et je trouve que c'est... Bah, je trouve que c'est pas joli. Ça m'a vraiment dérangé. Le premier est très sharp. Ça m'a pas choqué plus que ça. Moi. Ah ouais, je m'en souviens vraiment quand je l'avais lancé. Parce qu'en fait, on l'avait acheté avec mon père dans les périodes. Je crois que c'était en fin d'année. Je me souviens plus quand il est sorti, mais il me semble que c'était dans une fin d'année. Et je l'avais testé directement chez mon frère. Parce qu'il avait une PS3. Et rien que là, mon père, c'est la télé qui est pétée ou le jeu est flou. Et moi, ça me choquait pas parce que j'avais déjà vu des vidéos de gameplay et des images, tu vois. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait beaucoup de bloom. Donc tout brillait. La chemise, quand t'avais une chemise blanche,
dimanche et briller au soleil. C'était quelque chose qui m'a, en fait, bizarrement, qui m'avait vraiment dérangé. Le jeu était génialissime. Le 2 était vraiment bien. Il y avait plein de compétences qui étaient rajoutées. Il y avait plein d'éléments de gameplay qui étaient rajoutés. C'était vraiment cool. Le scénario était bien. Mais ça m'avait vraiment saoulé. Ouais, diversifié, ouais. Même le fait de pouvoir ramasser les grosses, les armes des ennemis améliorer les tiennes et tout. C'était sympa comme tout. Ouais, complètement. La carte qui ramait du cul, c'est vrai que quand t'ouvrais ta carte, tu divisais tes FPS, je crois, non? Sur PS3. Sur PS3, peut-être. Ah, mais sur PS3 en même temps. La PS3 en même temps, c'était pas. Sur 360, moi j'ai eu aucun souci en tout cas. Ouais. Enfin, quand tu développes pour une console, tu fais un petit peu attention, tu le traites quand même. Mais pas sur Xbox, c'est pas grave, ils ont qu'à prendre des Xbox. Bah, essaye de dire ça au mec de Platinum pour Bayonetta. Ah, mais c'est pas pareil, ils sont japonais. Ah oui, mais du coup la PS3 là-bas. Bah oui, tu comprends. Ouais. Connard. Bref, on a fini ou pas? Du coup, attends, non, j'ai pas tout à fait fini, je crois. Vas-y, fonce. Du coup, Black Flag, et puis ensuite. Ensuite, du coup, j'ai pas joué à grand chose d'autre, je crois. Par contre, je suis en train de me remater toutes les saisons de Kaamelott. Ouais. Oh, là, je suis à la saison 5, je crois. Ma préférée. Ouais, c'est ça, je suis à la moitié de la saison 5. Et, j'avais un petit truc à dire dessus, c'est qu'avant, mes saisons préférées, c'était les 1 à 3, tu vois. Bien sûr, mais non, pareil. Et tout simplement parce que, Kaamelott, j'y allais surtout pour me marrer, tu vois. Ouais. Et là, justement, les saisons 4, 5 et 6 sont vachement plus dramatiques, on va dire. Elles sont vraiment dramatiques, ouais, carrément. Ouais. C'est vrai que là, tu gardes quand même le côté humour, hein. Mais comme le côté humour justement il est lié ça fait un petit peu aigre doux en fait parce que t'as des scènes qui sont vraiment ultra tristes avec des scènes qui sont vraiment trop marrantes à chaque fois que le roi Lot apparaît à l'écran si tu veux c'est éclaté quoi et je trouve que c'est vraiment c'est les films en fait maintenant les épisodes ils font 50 minutes tu sens qu'ils sont quand même bien plus personnels que le début où ils touchaient un petit peu, c'était très superficiel en fait. Là, les persos, je les trouve vraiment, vraiment approfondis. Et la saison 5. Du coup, justement, c'est là que je trouve que j'ai. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai changé ou. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'apprécie beaucoup plus la saison 5, enfin, tout le côté. Dramatique de la série, j'arrive beaucoup plus à l'apprécier en fait. Ouais, je suis d'accord. Contrairement avant où il me saoulait un petit peu, là maintenant, j'apprécie normalement, j'arrive à voir un petit peu l'effort, si tu veux, d'écriture qu'il y a eu derrière, etc. Ouais, Et j'aime beaucoup en fait. J'ai l'impression un peu de redécouvrir ces saisons-là. Quoi. Ouais. Et du coup, je suis pas un Kimomo, mais un pied en avant, c'est que du coup, moi j'ai jamais regardé les saisons 4, 5, 6, je crois. Parce que justement, c'était beaucoup trop dramatique et. Je regardais juste pour les blagues. En fait, je regardais juste pour les blagues. Ouais. Mais après, la dernière fois que je me suis mis vraiment à les mater, c'était genre, il y a 9 ans, un truc du style, quoi. Je matais, mais quand ça passait, c'était sur M6, avant d'aller se coucher, limite. Ouais. Mais du coup, j'ai jamais rematé depuis, et ça se trouve, en fait, ça passe très bien. Et bien sûr que ça passe bien, t'es fou, quoi, toi. Ouais. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur le film. Qui sortira l'année prochaine. Et je suis très hype. Attends, j'achète la saison 1. Vas-y, ça vous dérange pas? Je rigole. C'est quoi? Mais attends, à coût de combien? C'était 15 balles. Oh, ouais, oui, 16 balles la saison 1. Autant acheter un Blu-ray là. Mais non, parce que justement, on est allé à Fnac hier avec Yadar et tout. Et on est passé du coup dans le rayon Blu-ray DVD et c'est n'importe quoi. C'était quoi? Il y avait le DVD de Rabbi Jacob. Donc le DVD, c'est un DVD que maintenant, normalement, tu fais. Il y en a un qui tombe quoi, si tu veux. À chaque fois que tu tousses, tu fous un coup de pied dans un arbre. Normalement, il 13 balles là-bas. 13 balles. Le DVD, hein. Ah, le DVD. Ah. Pas le Blu-ray. Non, le Blu-ray, ça aurait été impeccable, tu vois. Non, le DVD. Tu sais, tu soulèves la boîte, il n'y a rien dedans à part un DVD, tu vois. Oui. Et 13 vrais euros, quoi. 13 vrais euros européens, quoi. Donc, non, mais pas du tout. Ah, mais ça m'a cassé les couilles, laisse tomber. S'il y a des gars qui ont des liens pour mater, je suis chaud. Bah, télécharge. Qu'est-ce que t'attends? T'es fou, quoi. Con, quoi. Tu vas sur iTorrent ou tu vas sur Torrent 9, je pense que sur Torrent 9 ils en ont. Oh là là, faut pas. Mais attention, on ne cautionne pas. C'est pas bien. Non, je dis qu'il faut pas le faire. Parce qu'après tu pourras pas perdre de l'argent.
Oui. Tu comprends? Mettez bien les sites comme iTorrent ou TorrentNight dans vos blacklists. Ouais, oui, pour être sûr de pas être tenté par le diable, d'accord? Voilà, ouais. Il devait pas RBG aussi. Ouais. Mais je crois que les saisons 1 à 3 sont gratos, il me semble, non? Je crois que tu peux les mater sur le site de M6, il me semble. Ah oh, si, sûrement sur le site de Cister. Ouais, ou Cister. C'est sur le... Ouais, mais oui, il a chié leur site. Bah avant, ça allait. T'arrivais vraiment sur une page de streaming comme pour South Park, quoi. T'arrivais, tu cliquais, t'avais ton épisode. Et maintenant, je crois qu'il faut te loguer dans 6 langues différentes. Le problème, c'est que par exemple, South Park, justement, quand tu te foutais sur la page, t'en avais pour 25 minutes. Ouais. Pour Camelot, t'en as pour 4 minutes, quoi. Donc bon. Ouais. C'est bah, chiant. Ouais. Après, sinon, j'ai tout sur mon PC. Donc, si tu veux, je te fais un torrent et je te l'envoie. Enfin, je veux dire, je te le partage digitalement. Voilà, parce que tu l'auras acheté chez toi, bien entendu. Bien sûr, c'est uniquement si tu me montres le ticket de caisse. Le ticket, voilà. Attends, on est pas des criminels, t'es fou, quoi, toi. Ouais, jamais. Drive-in, on pourrait aller streamer au drive-in aussi, c'est vrai. On avait pas du bon côté de la loi. Essayé. Non, on l'avait déjà fait. Oui, mais tu l'es passé en... Non, c'était quoi? C'était Ken que tu passais. Oui, j'avais passé Ken, mais j'avais passé aussi du Camelot. Pas sur le dernier drive-in qu'on a récemment, mais sur l'ancien, oui, j'avais passé Octomécan. Ouais. J'avais passé Camelot, pardon. Je suis en train de devenir delirious. Ouais. C'est la fièvre, ça, rien, vous inquiétez pas. Et du coup, je pense que pour moi, c'est fini. Ouais. Tu veux dire que tu vas claquer, c'est bon, tu vas mourir. Ouais. Ok, non, je comprends. Je ferme les yeux. Que j'avais joué. Putain. Du coup, il y a un truc que je veux demander, c'est qu'est-ce qu'on fait d'abord? Est-ce qu'on fait genre retour sur la Art to Play ou alors sur les annonces médiatiques qu'il y a eu? Mais oh, viens, on fait un crog. Ouais, viens, on fait un suicide collectif. Ouais, allez, du coup. Un peu de PC, bien sûr. Putain, vous parlez des annonces là, mais c'est lesquelles? Parce que vraiment, je sais pas. Il y a eu la Stadia. Attention. Oh, putain, bah, la sortie de la Stadia, il y avait l'annonce. Ouais, okay. Bah, moi, la deuxième que j'ai notée, c'est quand même l'annonce de Half-Life Alyx. Parce que j'ai trouvé ça vraiment étonnant de voir quand même qu'ils n'avaient pas laissé tomber entièrement la licence. Ils avaient dit qu'ils travaillaient sur un truc, sur une licence VR, tu vois, Valve. Mais oui. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit du Half-Life et qu'ils allaient sortir comme ça. Et honnêtement, quand j'ai vu le trailer, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Je vais parler de Path of Exile 2. Bah, du coup, on est assez hype pour Diablo 4. Ouais, Diablo 4 a l'air vraiment sympa. Je pense d'ailleurs qu'il a l'air bien mieux que Path of Exile 2 et bien mieux que n'importe quelle mise à jour qu'il y a eu sur Grim Dawn. Sinon ça va. Et toi? Oh là là. Oh le dab. Pas de problème. Pas de problème. Je vais foutre le trailer en boucle, tiens. Mais Half-Life Alyx, je pense qu'en plus on peut faire confiance à Valve pour toujours repousser un petit peu les limites d'un médium ou d'un engine, tu vois. Donc déjà, je trouve que Source 2 est magnifique. Et je pense qu'ils vont pouvoir faire en sorte d'intégrer vraiment plein de trucs nouveaux au jeu, quoi. Ça va pas être juste n'importe quel autre shooter, ça va pas être Boneworks, ça va pas être... Pavlov ou quoi, ça va vraiment être un truc qui va être poli de ouf. Et puis, de toute façon, dès que ça se passe dans l'univers d'Half-Life, je suis relativement ouf. Par contre, il y a des puzzles, ça c'est moins ouf. Mais de toute façon, j'ai pas le Valve Index, donc... Ça me faisait marrer, parce que du coup, je m'attais vite, tu sais, pour voir, les réactions. Bon, forcément, c'est toxique, mais il y avait un autre truc, c'est qu'en fait, ça parlait des recommandations. Tu sais, genre, faut 12 Go de RAM, faut avoir minimum une 1060, je crois. Une GTX 1060. Ouais. Donc, et en fait, quand, c'est ce qu'ils disaient, les mecs, c'est quand il y a eu, des fois, tu sais, les... Les questionnaires Steam pour savoir ce que les gens avaient, et au final il y avait, je crois qu'il y a à peu près 10% des gens qui avaient le matériel recommandé sur Steam pour y jouer, et en plus là, du coup avec la VR il y en a encore moins. ça me faisait un petit peu mal au cœur. Je trouve ça encore 10%, je trouve que c'est un chiffre encore trop élevé, parce qu'il y a vraiment, enfin je pense que 80 rien que les configs qu'on a nous, et d'ailleurs à la LMF en général, on a pas de 1060 On a... Si, il y en a quand même des 1060. Ouais, mais enfin, il y en a un. Ou deux. Mais la 1060, elle est pas top, de toute façon. Hein. C'est un équivalent GTX 970, la 1060, je crois, mec. Hein. Bah oui, grosso modo. Donc, c'est... Bah bien sûr, tu confonds peut-être avec la 2080 ou... Non, je pensais que c'était plus proche, justement, de la 1080 qu'en avait un peu, quoi.
Non, 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 la 1060, c'est une entrée de gamme, poto. Hein. Ouais. Oh, ouais, mais c'est ce que je veux dire, c'est que on est avec les configs qu'on a, nous, on fait vraiment partie d'un pourcentage qui est vachement haut, hein, comparé à tous les autres utilisateurs de Steam. Je te promets que 90% ouais. Des gens qui ont Steam, c'est vraiment, ils ont. Ils jouent, hein. Ah, ben, ils jouent sur des micro-ondes, poto. Hein, c'est. La 1060, ouais, je l'ai, commence vraiment à galérer. Bah ouais, ouais, ouais c'est, ouais, c'est pas une pas. grosse. Non, non, c'était l'entrée de gamme de la série des 10X, hein. Enfin, des 1000X, donc ouais. C'est mais. Quoi de quoi ils parlent? Ils sont en train de gueuler. Il y a l'autruche qui a gueulé sur Bear Force One. Attends, je vais te foutre le clip, tu vois. Comme ça, tu pourras voir. Tu pourras voir des mecs un peu à poil. Ça te dit rien. C'est ce qu'on parlait en groupe. Par contre, le problème, c'est que, bah, du coup. C'est cool hein, qu'ils fassent un truc VR, tout ça, qu'ils ressortent, bref. Ils commencent vraiment à ressortir des jeux. Par contre, s'ils pouvaient aussi en sortir des non-VR. Parce que, bon, c'est bien sympa, mais... Mais, comment dire, je vais pas dire que je le sentais venir. Mais de voir un Half-Life en VR, je suis tellement pas étonné. Quoi. Bah oui, bien sûr, c'est pas étonnant. Et c'est vraiment comme... Enfin, Valve, je pense que c'est un petit peu un distillat de ce que fait Carmack. John Carmack, où lui, il a toujours essayé d'être sur... c'est le fer de lance, tu veux, de beaucoup d'innovation. Et évidemment, ça a commencé avec tout ce qu'il y a eu avant le premier Doom. Hein. Ça a commencé dans les années 90. Et là, lui aussi, s'est mis à la VR, du coup, parce qu'il bosse chez Oculus maintenant, Carmack. Ouais. Et ça m'étonne vraiment pas qu'il soit là-dedans. Et ça m'étonne vraiment pas que Valve se soit mis là-dedans aussi, parce que ils ont toujours adoré ça. Quand tu vois ce qu'a apporté Half-Life 1 au Medium, quand tu vois ce qu'a apporté Half-Life 2 au Medium aussi, avec tout, comment les avancées au niveau de la physique et tout. Et quand tu vois, je pense que va apporter Half-Life Alyx, je pense que c'est pas étonnant non plus, parce que la VR, c'est quand même quelque chose sur laquelle déjà Valve table énormément. Comment il s'appelait, Gaben là. Il a, ouais. Il était en train de se chier dessus, il y a le méga poil à l'écran. Il était en train de se chier dessus quand il voyait que la VR décollait pas. Et tu voyais qu'il était vraiment paniqué parce que c'est un gros investissement de leur côté, tu vois. Et ouais. Mais ça attends, je vais passer parce qu'il y a vraiment des mecs qui sont en train de se frotter le, ils sont en train de se frotter les tétons et c'est chiant un peu. Mais du coup, le truc que je voulais demander aussi, c'est, je crois que c'est Arcana qu'on avait parlé, comme quoi en gros, quand le jeu sortira, il y aura aussi du coup le. Un truc rapport à Source 2, un truc genre c'est les outils de Source 2 qui vont être filés. Bah un petit peu comme ah, c'est possible. Oui, bien sûr. Mais du coup ça veut dire un genre c'est... de comment de Garry's Mod. C'est ça ouais. Mais du coup concrètement genre ça pourrait apporter quoi? Bah la même chose que Garry's Mod mais avec Source 2. ce qui est tu avoueras voilà. Quand même assez vénère en soi quand même. Bah, je vois pas concrètement, donc bon... Bah non, mais le truc, c'est que tant qu'on en saura pas plus sur Source 2, on peut pas trop dire, quoi. C'est comme si tu lâchais... Oui, lâcher un moteur de jeu comme ça dans la nature, c'est vraiment, pour le coup, quelque chose d'extrêmement important, quoi. Et comme dit Wap, enfin, des SFM de cul en Source 2. Voilà, avec de la physique, quand même, parce que les rigid body physics, franchement, ça allait deux minutes, quoi, mais bon... Mais du coup, oui, si ça a le même impact que par exemple que l'Unreal Engine 4, quand il avait été release à tout le monde et que maintenant t'as l'impression que tous les jeux indépendants qui sortent ils sont sur UE4. Bah, c'était ouais, pareil ouais. Pour Source à l'époque, mec. Hein. Là, par exemple, ils sont en train de montrer sur la page de Source, ils sont en train de montrer Xenoclash. Mais enfin, quand il est sorti, ça a été quand même. Enfin, il y a plein de gens qui se sont rués dessus et qui ont vraiment sorti des trucs impressionnants, quoi. Mais du coup, c'est surtout ça aussi, c'est ces perspectives-là qui sont impressionnantes, mais ouais, j'ai assez hâte quand même de voir ce que ça va donner. J'avoue que j'ai quand même hâte. Hein. Pas trop hype, mais c'est surtout hâte de voir, comment dire, le moteur, du coup, ce que ça donne. Bah ouais, ouais. Bien sûr. J'ai rien que là dans le trailer, bon, c'est du bullshot, hein, mais il y a quand même quelques détails qui m'indiquent, je pense, que ce qu'on voit dans le trailer, c'est pas beaucoup retravaillé. On voit les mêmes problèmes qu'il y avait Source 1. Est-ce que je peux essayer de trouver... C'est Joël qui avait mis ça en lumière. Merde. Qui avait mis ça en lumière la dernière fois. Je crois que j'ai fait péter ma capture. Non, c'est bon. C'est où? Attends, je vais prendre ça. On va le montrer après. Half-Life Alyx. C'est à un moment... Il prend une caisse. Attends. Enfin, elle prend une caisse et elle balance ça à un métrocope. Attends. Ça, tout ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Voilà, c'est ici. Attends.
ici. Comment on fait pour bouger frame par frame déjà sur YouTube? Oh, je sais plus. Ta bande de cons. Bah ouais, normalement ouais, mais je me souviens plus comment on fait. En réduisant la vitesse, non? Non, bah attends, je peux faire ça au pire, mais... Ouais, tiens, 0.25, on verra bien. Ouais, le fait que l'objet, il se détruise, c'est cool comme ça. Non mais regarde, en fait, merde, putain, évidemment, je l'ai passé. Comment on fait? Il me semblait qu'on pouvait faire ça avant. En gros, le modèle de l'objet pas pété et le modèle de l'objet pété existent en même temps. Ah putain, on l'a pas exactement vu, c'était sur une frame, mais... Ah putain, c'est juste avant ça. Bref, en gros, ça, c'est des problèmes c'est extrêmement source, en fait. Ça fait très très source, et ce truc-là me fait me dire que ce qu'on voit là, je pense que ça fait partie du résultat final, ouais. Donc, non, ça peut être sympa. Et en plus, voilà, ce head crab-là me terrifie. Je trouve qu'il est vraiment dégueulasse. Sa texture, sa couleur. Je trouve vraiment terrifiant, quoi. Je trouve qu'il fait vraiment très 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 peur. Mais la vidéo de la Ouya. Oh, putain, la Ouya. Non, vous connaissez ça, Boneworks? Boneworks, c'est un jeu. Ça, c'est un mec de Corridor Digital. Et c'est fait par Node. Et Node, c'est des potes à Corridor Digital. Et donc, c'est des mecs qui s'occupent, qui font des jeux, qui font de la VR, qui font des effets spéciaux, etc. Et Boneworks, j'espère qu'on va voir un petit peu les exemples. Mais déjà, t'as les bras entiers, t'as de la physique entière, t'as tous les doigts qui sont réglés séparément. T'as de la physique sur tout, en fait. Et c'est super impressionnant. T'as des mécaniques d'escalade en VR. C'est super impressionnant ce qu'ils font. Sur la chaise, là. Sur la chaise, ils montent et ensuite ils passent au-dessus. C'est vraiment super cool. Et les gars, ils sont très fans de tout ce qui est airsoft, etc. Et ils polissent extrêmement aussi tout ce qui est shooting mechanics. Donc je pense que ça va être super impressionnant une fois que ce sera fini. Je sais pas s'ils ont mis une ETA ou même si même c'est sorti, mais pour l'instant ça a l'air super super, je sais pas si tu vois, mais ça a l'air vraiment super dynamique et non, tout. Non, c'est cool. Ça a l'air vraiment sympa. Il y a un Ouachi qui bosse chez Node, mon gars, il est ouf, tu le verrais en jeu, il se prend pour John Wick, quoi. Ah ouais, c'est eux les vidéos de test d'armes en VR. Ouais, c'est Node. Ouais, ça doit être Node. Et du coup, Corridor Digital s'occupe de faire des effets spéciaux. Là, c'est lui, là, le chinois en noir. Là. Et Corridor Digital aussi, ils font des vidéos que j'adore qui s'appellent... merde. Ah, comment ils appellent ça? En gros, c'est les gars qui s'occupent des effets spéciaux et qui réagissent à des effets spéciaux bons et mauvais dans certains films, tu vois. Donc, ils montrent des trucs qui sont particulièrement jolis et ils montrent des trucs dégueulasses. Ils avaient fait, évidemment, le trailer de Sonic, ils avaient fait plein de trailers dégueulasses, tu vois. Ils sont en train de foutre des claques sur le cul, le mec. Mais, oui, c'est ça, ouais, ils parlent de mauvais et de bons effets spéciaux. SFX Artist React 2, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment des vidéos qui sont super. Je les trouve vraiment sympas. Ils les sortent assez souvent en plus. Tiens, attends, je crois que c'est le chien qui va prendre la question. On est sorti une, je crois, hier ou avant-hier. Ouais. Où il parle d'un film ougandais. Oui, bah, il parle de qui a tué Capitaine Alex. C'est oui, voilà. C'est de Who Killed Captain Alex. Et mon gars, ils s'en vont de rire, mais ils regardent ça quand même avec beaucoup de tendresse. En fait, ils savent que les gars, ils ont fait ça avec ce qu'ils pouvaient, tu vois. Qu'ils y connaissaient rien du tout. Et j'ai bien aimé l'épisode et dire, ah, était cool, ouais. Mais ouais, je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font parce que c'est vraiment super impressionnant. Attends, mais quand tu regardes les interactions entre le gueule, entre la main du mec et tout, il est en train de toucher la bite du singe. Avec son gun. Il est chelou, ce chinois, là. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde-le en haut à droite. Regarde-le. Le mec, c'est un samouraï, quoi. Le gars, c'est Tenchu. Regarde-le. Yeah, il est trop à fond dans le truc. Moi, si j'avais Gorn, mais laisse tomber, je serais pareil, quoi. Je serais en train de hurler chez moi. Si j'avais le... Je crois que Gorn, il est sorti sur le PSVR, non? Oui. Il me semble. Putain, franchement, c'est un des seuls jeux que... Sur VR, bah, avec Half-Life Alyx, du coup. Saber. Qui me tenterait le plus. Beat Saber, ouais. Et t'avais vu, il y en avait un qui avait envoyé un lien, je crois, sur Vidia. C'est un truc qui ressemble à Beat Saber, hein, sauf que c'est avec des guns. Oui, c'est des guns et un bouclier, non, c'est ça? J'avais juste vu des guns, je crois. Et dans Doléance, c'est dans Doléance qu'il a mis ça, ah bon? Je vais même pas regarder parce que du coup j'ai la capture de Discord en bas à gauche. Mais ouais, ça avait l'air cool aussi, ça, et ça ressemblait un petit peu à Beat Saber, mais avec... Pistol Whip, je crois que c'est ça. Pistol Whip, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Pistol Whip VR. Oh putain, tout le monde a les mêmes putains de thumbnails. Oh, ça me saoule, ce truc. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il s'est mis dans son jeu, le mec. Oh, le ouf. Oh, mon gars, le futur. Il y a plein qui font ça, surtout sur Beat Saber. Upload VR, ils étaient à la conférence
des VR complètement éclatés là. Ah oui, ça me dit quelque chose, Upload VR. Ouais, ouais. C'était. Je sais plus ce qu'on avait vu qui était la conférence de merde et je crois que eux, on les avait même skip, je crois. On avait fait autre chose. Il y a moyen. Putain, c'est ouf. Et donc, ouais, c'est Beat Saber, mais un petit peu avec un côté aussi super hot en fait. Mm. Et t'as une musique qui passe et je sais pas si tu peux. Si t'es obligé de tirer pendant les beats de la musique. Ou si tu gagnes plus de points ou un truc comme ça, mais ouais, tu peux rythmer aussi l'apparition des... Enfin, l'apparition des ennemis est rythmée, etc. Et attends, parce que je vais peut-être mettre un petit peu la musique avec. Est-ce qu'on va... Ouais, bon, c'est un connard. Mais non, ça a l'air sympa. Ouais. Pistol Whip, ça se dit. Whip. Mais ouais, ça a l'air sympa. Et il y a pas beaucoup de jeux VR qui me plaisent, mais entre celui-là, ouais, Beat Saber et Gorn, j'avoue que... Mais tu sais que pourquoi jouer à la VR quand tu pourrais jouer à la Stadia ? Transition. Oh, quelle belle transition ! Quelle belle transition pour la Stadia ! Ce qui est marrant, ce système, c'est que... Juste une petite parenthèse. Hein, c'est que j'ai l'impression qu'il a pas du tout été pensé, en fait, pour le public américain. Parce que le public américain, ils ont des data caps. Donc ouais. ils peuvent pas télécharger au-dessus d'un certain nombre par mois. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Et ça demande tellement de download pour faire marcher et d'upload que, à part des connexions, beaucoup de connexions européennes, je vois même pas comment ça peut marcher, quoi. C'est clairement pas un truc qui compte mettre dans tous les foyers, quoi. C'est juste un délire de riche, quoi. Mais tu dis que, genre, c'est pas vraiment, comment dire, fait pour le public américain, mais je pense que... Ce serait bien de savoir c'est fait pour quel public exactement. Ouais. J'admets, ouais. Parce que... Bah comme Arkay l'a dit, hein, les utilisateurs de Google Fiber. Hein. Ouais, mais même là, si tu veux, enfin... Je sais pas, parce que, enfin, au niveau compétitif, c'est naze, parce que t'as du input delay par rapport à tout le monde. Alors, enfin, en jeu de baston, c'est clairement impossible. C'est impossible. J'ai envoyé l'image, justement, c'est des mecs qui testaient, comment dire, Mortal Kombat 11. 115 millisecondes. En solo, il y a 115 millisecondes de décalage. Non mais attends, ça c'est en solo. Et bon, Mortal Kombat, tu joues pas que pour le solo. Bah non. Puis t'as 336 millisecondes de décalage. Donc en fait, t'as 3 secondes en fait entre là où t'appuies et là où le coup sort. 3 secondes, c'est tellement long. Non, 300 millisecondes. Mais ça fait quoi? Ça fait 0,3 secondes, oui. Ça fait 3 dixièmes de seconde. Mais ça reste long. Ça reste extrêmement long, par contre. Ça reste vraiment très très long. Mais du coup, comme dit Arcana, il parlait de latence négative, mais en fait, c'était bidon, ça existe pas, en fait. En fait, si, ça existe, mais sauf que ça sort pas tout de suite. Ah, d'accord. C'est encore en train donc de... Donc il y a de la latence sur tes latences négatives. Je comprends pas. Non, tu veux dire que ça sort pas tout de suite, ils sont encore en train de... Ils sont encore... Mais en fait, le problème, c'est parce que je voyais pas mal de vidéos dont, comment dire, certains journalistes français très réputés, dont on ne citera pas le nom, mais c'est de pute, qui disaient... Putain, mais tu regardes Julien Chiez. Ah, j'ai pas dit. T'es sûr, non, mais... En fait, c'est que j'ai tapé, genre, review Google Stadia, et c'est le premier qui a popé, et je me suis dit, certes, ça va être un connard, mais j'ai envie de voir ce que ça donne, quoi. Et en fait, le mec, il l'a testé chez Google directement. Tiens. Alors là, par contre, tu vois aucun lag, rien. Tu fais, ouais. Et en fait, après, je suis tombé sur le journaliste, c'est anglais, c'est lequel? C'est... Jimquisition? Non, c'est The Forbes, un truc du genre. Ah, Forbes, oui. D'un vrai journal. Ouais. Et en fait, tu voyais le mec qui jouait, je crois que c'était à Tomb Raider. Et genre, il appuyait, il faisait... T'entendais? Ah oui! Et là, en fait, genre, elle mettait genre une seconde ou deux à sauter. C'était hallucinant, mec. Est-ce que je peux retrouver... Attends, parce qu'il y avait un gif, je crois que c'est celui-là, ce gif-là. Ce mec-là, là. Attends, est-ce que je peux... Est-ce qu'on peut voir le gif? Je suis pas sûr. Voilà. Il y a eu celui-là, là. Destiny sur... Ouais. Mec, qui teste voilà. Sur... Je sais pas, c'est sur Destiny, ça? Oui, c'est Destiny, ça. Ah ouais, c'est Destiny. C'est un truc de fou, ouais. Je trouve ça incroyable. Mais ce qui est marrant, c'est que tout le monde l'avait senti que c'était bidon. Hein. Tout le monde. Dès que ça a été montré, les gens, ils ont fait. Je comprends vraiment pas, ouais, à qui ils s'adressent avec des conneries pareilles, vraiment. Quoi. Je sais pas si vous aviez vu le thread, je crois que je l'avais retweeté, d'un mec justement qui expliquait un petit peu que le Stadia, en fait. Enfin. Le ou la Stadia, je m'en branle. Ouais, on s'en fout. Ça avait été... Il avait développé ça, mais genre à l'envers, en fait.
C'est-à-dire que plutôt que de se demander qu'est-ce que les gens attendaient, ils ont juste dit bah qu'est-ce qu'on peut foutre. Ah oui, d'accord, ouais, je vois, ouais. En gros, ils ont. Qu'est-ce qu'on peut développer comme technologie plutôt que de se demander bah quelle technologie les gens veulent, quoi. Ouais, bah, besoin. Juste la thune, quoi, c'est tout. Bah justement, non. Bah, attends. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Mais comment ça s'appelle? Ils se sont pas demandé qu'est-ce qu'on peut vendre. Quand tu te demandes qu'est-ce que tu peux vendre, tu te demandes indirectement qu'est-ce que les gens vont acheter. Mais ils se sont pas demandé qu'est-ce que les gens vont acheter. Ils se sont dit juste, nous, qu'est-ce qu'on sait faire? Bon, on sait faire ça. Bah vas-y, on fait ça. C'est quoi ça? Voilà. C'est tout ce que Google a tué. Comme. Comme on dit, de, comme. Comme technologie ou comme projet, ouais. Donc, je savais même pas qu'ils avaient buté, qu'ils avaient niqué l'AngularJS. Parce que je connais beaucoup de gens qui bossent sur AngularJS. Et je savais même pas, juin 2021, je sais pas. Mais voilà, il y a tout ça, Google Hangouts aussi, il y avait Google Bulletin. Il y avait plein de trucs. Et ça, c'est un site qui répertorie juste ça. Regarde tout ça. Regarde tous les projets là. Regarde tout cet argent. Tout l'argent qui défile. Mais Stadia, il va se retrouver là, mec. Hein. Bah, Stadia va se retrouver là à un moment, c'est obligé, hein. Dans 3 ans, c'est fini, hein. Justement, en fait, il y a un truc aussi, c'est sur le marketing du bordel, il y a eu un gros problème parce que tous les gens se disaient. Tu sais, en fait, ils annonçaient ça comme le Netflix du jeu vidéo. Bah, c'est bah, comme a dit WAP tout à l'heure, hein. C'est. Mais le truc, c'est que du coup, en fait, tu payes. Déjà, en fait, tu peux pas l'avoir gratuitement. Ils avaient annoncé que ce serait gratuit, mais en fait, ce sera gratuit qu'à partir de 2020. Ouais. Donc, en fait, là, pour l'instant, imagine, tu l'as. tu dois payer ton abonnement du coup de 9,90€. Ouais. Ils t'offrent Destiny 2. T'as des. En fait, c'est un peu comme le PSN, c'est genre t'as un jeu offert par mois. Comment dire, t'as des réductions, quoi. Et le problème, c'est que t'as pas mal de gens qui l'ont pris en se disant, bah attends, t'as 12 jeux au lancement. Il y a Red Dead, il y a des trucs comme ça. Ça va être bien, quoi, pour 10€. Ouais. En fait, non, t'as juste ton jeu, quoi, en fait. T'as juste Destiny, et le reste, faut payer. Et en plus, j'avais regardé, comment il s'appelle, quelque chose, Foundry. Pas Hentai Foundry, hein, d'autres. c'est des mecs qui font beaucoup de benchmark. Et c'est un mec aux cheveux longs qui tient ça, je me souviens plus comment ça s'appelle exactement. Mais il voulait faire une review de Stadia. Et c'est un fan qui a été obligé de lui envoyer ses clés à lui, parce que lui, il avait pas reçu les clés pour lesquelles il avait payé. Google n'a pas envoyé les clés pour pouvoir profiter de Stadia. Et il a dit qu'il a passé 3h15, je crois, au téléphone avec un mec pour pouvoir avoir ce pour quoi il avait payé. Et que le mec, au bout d'un moment, en fait, il avait révélé que tout le monde appelait au même moment pour savoir où ce que c'était ce bordel. Et du coup, il commençait à s'ouvrir, à dire personnellement ce qu'il pensait de Stadia. Et apparemment, enfin, même là-bas, ils y croient qu'à moitié, quoi. donc c'est... Oui. Non, mais ce qu'il dit, il y a un autre truc surtout, c'est que c'est Phil Harrison qui s'occupe du lancement de Stadia. Ouais. Et Phil Harrison, c'est celui du coup qui a fait le lancement de la PS3. Hein, c'était combien? 699. Ouais. Un très bon plan. C'est lui aussi qui a lancé, le marketing de la Xbox One. Ouais. Avec un autre connard. Avec Full Kinect. Full télé. Ouais. Full digital. Ouais, et maintenant c'est lui qui s'occupe de Stadia, donc tiens. Ce mec il a rien réussi. Pour un peu l'avoir chez soi, ouais. C'est vraiment le mec, fallait pas l'inviter, quoi. C'est ça. Le pauvre. Que t'as posté là, enfin que t'as montré de EA, je crois que c'est un des screens les plus tristes qui existent. Ah, bien sûr. Carrément, c'est catastrophique. Quand tu regardes tout fou, enfin. Il y a tout. Tout cela a été des développeurs importants, quoi. Il est pas complet, quoi. Ton truc. Non, il est pas complet, encore. Il y en a qui manquent, quoi. Mais, enfin, c'est terrible, quoi. Rien que pour Pandémie qui est Maxis, si tu veux, je suis... Ah non, moi, c'est surtout... moi, c'est, comment dire... les mecs de Dead Space, hein. Franchement, ça me déçoit, quoi. C'est BioWare. Ouais, bah aussi, ouais. Enfin, même quand tu regardes LucasArts, mais putain, mais ouais, bah, LucasArts... Oui. Il fait des trucs tellement impressionnants. Avec Monkey Island, Grim Fandango et Sam & Max, quoi, mec. Oh, putain. Je sais pas s'ils s'en rendent compte. Est-ce que tu penses que chez eux, c'est un petit peu... j'arrive pas à tous... Qu'est-ce qu'on va pouvoir acquérir cette année, ouais. C'est des Monsieur Burns. Ouais, c'est ça, ouais. Des Monsieur Burns. T'sais, et puis ils rentrent tous dans des grandes robes noires, tu sais, là. Mais le truc que je comprends pas, c'est que du coup, comment dire... On gueule sur Electronic Arts et ça, c'est normal. Mais par contre, ça parle un peu moins par contre quand c'est Activision. J'ai essayé de chercher tout à l'heure, mais... Qui licencie masse d'employés.
Ouais, je crois que c'est 800 personnes qui ont été licenciées d'Activision. Et le patron qui s'est foutu une augmentation. Parce que les ventes étaient bonnes. Le PDG d'Activision, c'est pas Bobby Kotick. Non, c'est pas Bobby. Parce que, attends, il est où lui? Ah, il s'est bien rincé hein, pour le coup. Hein, il a arrêté lui ou pas là? Non, attends, il bosse où l'enculé là? PDG de Activision Blizzard, c'est ça. Ah, si, c'est Bobby Kotick. C'est le même. C'est le même que d'habitude. Il s'est bien rincé ce chacal. Ah putain, c'est le gars de Blizzard qui a fait ça. C'est pas le. Ah, c'est le directeur marketing, pas le PDG. Le directeur marketing. Ah, déjà rien que même lui là, Bobby Kotick, déjà avec sa vieille gueule là, mon gars. C'est avec... une vraie merde. sérieux. Avec sa tête là. déjà quand t'es PDG de Activision Blizzard, tu sais qu'il faut que tu sois chaotique mauvais quoi. Ah mais là oui. Là, c'est obligé. Une sacrée couche et putain. Ah putain. Ça force le respect hein, quand même. Ah ouais non mais c'est impressionnant hein. Vraiment, très 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 impressionnant. Très impressionnant, mais non, c'est clairement des clavés de l'apocalypse du vidéo. Hein. Bah ouais, avec c'est mort, marche, c'est mort, Bobby Kotick, c'est pestilence. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. C'est quel mec c'est français saloperie. Pareil qui est un peu pareil? Guillemot, le mec de Quantum Dream, là. Peter Molineux, voilà. Ah, Peter Molineux, ah oui, lui, oh, Peter Molineux, c'est comment dire, c'est un chaman du mensonge, c'est différent. Ah, c'est la même merde, hein. Mais je pense que... Attends, je suis en train de me remettre les couilles en place, vous inquiétez pas. Je pense que Peter Molineux, il a cette différence que lui, je pense qu'il aime vraiment bien les jeux vidéo. Le problème, c'est que c'est une raclure. Et il promet énormément de choses à chaque fois, mais ça se déroule rien. Pas comme ça, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais il y avait lui, il y avait aussi le gars de Hello Games, là. Mais en fait... Ouais, mais lui, c'est un peu réglé. Le problème, c'est que lui, en fait, il a eu une question de cul pendant des années à cause de ça. Mais en fait, quand tu regardes toutes les autres interviews qu'il a fait depuis, c'est qu'en fait, Sony lui foutait max la pression pour qu'il sorte un gros truc, parce qu'ils avaient eu un gros budget, mais si ouais, eux, il est un peu mytho, mais... Leur dernier jeu, mec, c'était, comment dire, c'était limite Trials, quoi. C'est comme si tu demandais au mec de Trials de sortir, Star Citizen, quoi. C'est chaud. Mais tu parles de Sean machin là? Oui, de Sean Murray, ouais. Ouais, Sean Murray, ouais, ok, de Hello Games, ok. Et du coup, en fait, c'est pour ça, mais au moins, tu vois, il a réussi un peu à remonter la pente, No Man's Sky, quoi. Ouais, mais lui, c'est juste parce qu'il a menti un peu trop, mais il y avait tellement. Non, mais il a carrément menti, par contre. Bon. Ouais, non, mais il y avait tellement d'attentes derrière, alors que Todd Howard à côté, tu vois, genre. Ah mais lui aussi c'est... Pas, tu vois, oh, c'est un artiste Todd Howard, c'est même plus du mensonge, j'ai envie de dire c'est de la prestidigitation, quand hop, ton non, argent disparaît. Un vrai magicien le mec. C'est Copperfield le mec, il est impressionnant. Il est genre l'adulte. Ah ouais. Ces gens là sont incroyables, j'avais fait un montage, je sais plus si je peux le retrouver, j'avais fait justement les cavaliers de l'apocalypse du mensonge. C'est pour ça que ça me fait penser à Bobby. Je sais plus, ah bah si voilà, et là. J'avais mis les cavaliers de l'apocalypse, les hacks, tous les hacks. Ouais, j'avais mis tout ça dedans. Parce que j'avais mis aussi Cliff Bleszinski. J'avais mis. J'avais mis aussi, comment il s'appelle, celui de justement Star Citizen. Le gars de tout en bas à droite là, machin là. Fallout. Head of Xbox. Et l'autre Randy Beachford là. Ouais, voilà, Chris Roberts. Ouais. Bah mais ils ont tous des vieilles têtes de keuk. Et encore tu vois, même quand tu regardes Cliff Bleszinski, il était encore dans sa période dude bro, tu vois, à cette époque là mais c'était déjà un keuk, ça se voyait que c'était déjà un keuk, mais ils ont tous des têtes de keuk là. Todd Howard il est génial, c'est comme une machine à la saucisse, sauf que tu lui fais rentrer de l'argent d'un côté, il y a de la merde qui sort de l'autre. Waouh, ah ça c'est mais beau Peter Molineux, je sais pas où je suis, quoi maintenant Peter Molineux, je sais pas, parce que son studio existe plus, tiens, faut voir, on va voir. Il est pas killed by Google aussi, putain, Molineux. Qu'est-ce qu'il fout? Connu pour Populous, Syndicate, Team Park. C'était ouais, bah, bien, Populous. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? J'ai bien aimé. Il a travaillé pour Lionhead, pour Bullfrog, mais ça existe plus tout ça. Non, c'est mort. Hein. Mais je sais pas ce qu'il fout. C'est mort. Hein. Mais non, ouais. Médiatiquement parlant, il est mort. The Trail, attends, il a bossé sur The Trail, c'est quoi The Trail en 2016? Congregate! Ouah, attends, ouais, c'est chaud un peu. Et 22 Cans, c'est quoi?
C'est pourquoi ça remet vers... J'ai cliqué sur 20 tokens, ça m'a remis sur putain Molineux. C'est quoi le délire? Ludo qui demande modifie le wiki. En mars 2012, il quitte la Yanahead Studio et Miss Croissant Studio pour créer un nouveau studio. 22 Cans, il reste néanmoins consultant sur les prochains opus de la franchise Fable, lol. Tiens. Ouais, je sais pas ce que c'est, 22 Cans. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont même pas de page Wikipédia, alors. Fais voir. Oh là, ça a l'air. 22 Cans, c'est une société écran le bordel. Franchement, ouais. Absolument pas été sérieux, hein, vraiment. C'est quoi? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? C'est claqué. The Trail, ah bah ils ont fait que The Trail en fait. Mais il a l'air d'avoir. Ouais, ah oui, c'est un jeu mobile. Ah oui, ils ont fait Godus aussi, c'est eux qui ont fait Godus. Ah, c'est pareil. Oh, Curiosity. Oh, tu te souviens de ça? Non. Curiosity. Ah, si, c'était tout le truc où il fallait taper sur les. Ouais, le cube. Mais c'est toujours pas fini ça. Si, c'est fini, mais le mec qui a gagné, il a toujours pas réussi à récupérer sa récompense. Je crois que il gagnait un truc et il pouvait apparaître aussi dans Godus, je crois. Et il y avait quelques trucs comme ça, tu vois. Et je crois que ça s'est toujours pas fait en fait. Bah non. Donc. Et il y avait quoi à l'intérieur du coup? C'est quoi le endgame? Rien, c'était tout. Je crois que c'est juste ça. Je sais même pas ce que c'est à l'intérieur. Ils sont où d'ailleurs? Eh, on pourrait aller chez eux, mec. Hein. Regarde, ils sont là. Ils sont au sud-ouest de Londres. Un petit voyage outre-Atlantique. Et ça a l'air joli en plus là-bas. Je peux pas foutre le bonhomme là. Je veux voir comment c'est chez eux. Comment on fait pour voir le bonhomme là? C'est fait Ursaft. Ursaft. Attends. Il est où le bonhomme? Allez, petit stream incongru de comment GeoGuessr. Attendez, oui, ouais, c'est bon, ouais, tranquille. Putain, c'est quoi ce délire? Attends, je suis où là? La mer. Attends, faut que je sorte de là-bas là. Putain, je m'enfonce dans l'Angleterre, regarde. Attends, je peux pas avancer là? Ah oui, c'est de la merde. Mais non, mais je peux même pas foutre le bonhomme où je veux en fait. Enfin, ouais, c'est bidon. Bref, oui, il est mort, sa carrière est décédée à Peter Molineux. Bah, si c'est. Ouais. Mais je m'en veux quand même moins qu'aux autres, Peter Molineux, tu vois. C'est moins un connard, je trouve ça un menteur, mais c'est plus des fausses promesses, donc c'est autre chose. Ah bah, il faut comment, oui, tu es obligé de faire des catégories, hein, il faut baisser tes standards hein, au bout d'un moment. Hein. Dans les pubs jaunes, c'est les pubs belles jaunes, c'est que des fœtus avortés de jeux morts. Alors... je reviens, je vais pisser quand même. C'est ça, en pleine émission, il va pisser, ça fait une heure et demie qu'on stream, il va pisser. Vas-y, tranquille. Oh, papy, quoi. Ok, papy. Papy, il est malade. Je vais claquer dans un bravo. Claquer papy, là. Je vais se péter la hanche dans l'escalier. Tu peux aller pisser et revenir vite, espèce de connard. On a pas fini le stream, là. Hein. Par contre, il y avait deux ou trois mecs que j'ai pas reconnus sur ton image, Ruru. Alors, attends, tu veux, je peux la remettre. Ouais, t'es pas obligé. Non, mais si. Pour les tueurs à gages, au moins, c'est important. C'est vrai que s'il y a des tueurs à gages sur Discord, là... Ouais. Si on pouvait... DM. Sentez-vous libre, quoi. Ouais. J'ai failli mettre ça au début comme image, mais c'est pas du tout la bonne. C'est juste toutes les itérations de Gérald. C'est pas du tout la bonne, je retrouve plus mon image. Elle est où, mon image? Elle est là. Voilà. Donc on a Todd Howard en haut à gauche, juste à côté de lui on a Peter Molineux, ensuite on a Sean Murray, ensuite on a David Cage, en dessous on a, comment il s'appelle? Putain, tu sais, il fait chier, il parle tout le temps, tu vois, on est en train de parler, il est en train de faire ses blagues tout seul en rentrant dans sa chambre. C'est bon, t'as fini, connard, je peux parler? Oui. Ok, le gars d'en dessous, c'est il bosse à Bethesda, je crois, et il me semble que c'est le PR de Bethesda. Pete Hines. Et c'est pareil, c'est un énorme fils de pute. À côté, il y a Cliff Bleszinski, un gros cuck notoire. Juste à gauche, et bah, il y a Randy Beachford. Et juste après, il y a comment il s'appelle, machin là, Robert machin. Chris Roberts, c'est ça. Voilà, donc ce B4. Les trois premiers, j'ai le cinquième et le dernier aussi. Donc les trois premiers, le cinquième et le dernier. Donc il te manquait dans ta collection David... Panini. David Cagé. Il te manquait. David les cagettes et merde. Il te manquait cagettes là. Et il te manquait. Bah non, Chris Roberts et Cliff, Randy Beachford. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est les 8 salopards. Ah, pour le coup, carrément. Ouais.
Mais voilà, c'est une grosse liste de pédés. Donc Chris Robert, franchement, Chris Robert, je pense que c'est le pire. Parce que lui, il combine tout. Il ment, il détourne, il fait des fausses promesses, et ça arrive jamais. Mais c'est l'empereur, quoi. Dans quel truc, c'est... j'ai maté un truc hier, parce que justement, ça gueulait à propos de la Silicon, un truc du genre. Ouais. Et en fait, il y a un mec qui a fait des reportages, genre, mais... c'est un mec qui avait backé genre 10 000 dollars. Oh putain. Et si tu veux, qui disait, en fait, qu'avouait bah, ça le faisait trop chier, qu'il pouvait pas retirer sa thune et tout. Mmh. Parce qu'au début, il croyait dans le truc. Et genre, à un moment, il faisait un voyage avec sa meuf déjà. Et genre, il a sorti un truc du style. Sa meuf, il a dit, ouais, non, mais c'est l'argent des fans. Il avait sorti un truc à la fils de pute, genre, oh non, mais ils sauront pas. Oh. Et franchement, putain, what? Tu peux pas faire. Attends, Chris Robert, c'est parti en vacances avec la thune du projet. Bah ouais. Non mais c'est pas son coup d'essai, ah, mec. Ah bah c'est ça, le mec qui a mis des... Tu sais qu'il avait des... comment, il avait des autres entreprises avant qui ont été fermées et qui étaient en justice parce que c'était littéralement de la fraude. Oh la vache. Le mec est un réel criminel, c'est pas... Tu cherches les portes. Ouais, les portes du futur, là, studio. Oh là là. Ça là, voilà. Ils sont ravagés. Ils se sont mis des portes automatiques Robert Space Industries dans leur bureau, qui sont extrêmement chères. Ben voilà, c'est tout. Ces gens-là sont ravagés. Tu peux pas dire que c'est pour le confort, non. Oui, c'est ça, Hoffman, il faisait de la magouille et de la prod de cinéma. Et c'est pour ça, c'est un producteur de cinéma, bah évidemment. Ouais. Oh putain. Et je crois qu'en plus il y avait un mec, c'était sur V, hein, donc ça tient, ça vaut ce que ça vaut. Il avait vu des photos de Chris Roberts dans son bureau et il avait maté. Ils avaient reçu, je crois, une nouvelle machine à expresso. C'est pas ça? C'était eux ou c'était Hello Games ça? Deux. Il me semble, je crois que c'était Robert Space Industries qui avait reçu une nouvelle machine à expresso qui valait 12 000 balles, je crois, ou 10 000 balles. Truc italien. Pas Hello Games, hein, du coup, c'est... Non, je pense pas que c'est Hello Games, ouais. Et je sais pas si je peux. Coffee Machine, tu crois que ça marche? Non, c'est peut-être pas là alors. Non, peut-être que. C'est peut-être pas studio. Dans les actualités, je sais pas, non, ou alors regarde les. Mais en tout cas, quand tu voyais sur la photo et le mec il avait posté du coup le modèle qu'il avait trouvé sur internet, tu vois, c'était vraiment le même, c'était le même truc, tu vois. Bah, je pense que je vais pas trouver. Mais ça m'étonnerait pas. Et du coup, s'il était producteur de cinéma, voilà, c'est évident, quoi. T'as le connais. Ah bah oui, non, c'est des salopards. Et hein, même, enfin, même ces conneries avec son ex-femme et tout, quoi. Et attends, il y avait quoi d'autre? Oui, il y avait le fait. Attends, il a fait quand même. Le bâtard. Il a quoi? Attends, il a bossé sur Lord of War? Ouais, il a bossé sur Lord of War, ouais. il est producteur de Lord of War. Ouais. Oh la vache. Du Punisher avec Travolta. Ah, le meilleur. Et de Slevin aussi, hein, tu te calmes. Oh, de Slevin? Ouais. Oh, j'adore le Kinomer Slevin, il était trop bien ce film. Bah ouais, mais c'est fait par un fils de pute. Non, ça a été payé par un fils de pute. Ça a été fait par un mec talentueux, il y a Bruce Willis dedans. Mais en plus, il a pas, genre, littéralement détourné de l'argent au niveau de Robert de RSI, de Robert Space Industries. Non, mais bah, du coup, c'est ce qu'il achète des bagnoles, il s'achète des bagnoles, à un moment, c'est détourné de l'argent, quoi. Attends, je confonds encore avec Randy Pitchford, qui avait fait du détournement et qui s'était fait voler de la thune en même temps, ou je sais plus quoi, là. Non, mais en même temps, majeur. Non, au-delà de la pédophilie. Il avait payé, je crois, un employé de maison, mais avec la thune de son studio. Oh, je sais plus, mais il y avait eu un truc comme ça. Ouais, aussi, ouais. Randy, c'est un pédo et un magouilleur, bah évidemment, ouais. Ils ont tout fait, ces cons. Non, mais je te dis, c'est pour ça que c'est les 8 salopards. C'est au-delà de la pédophilie, c'est un épisode de la 4ème dimension, ouais. Mais non, mais c'est tous des enculés. C'est impressionnant quand même de voir ça. De voir que c'est aussi répandu, que ces mecs-là sont pas en taule, quoi. Et que même Balkany, il a été au moins 2 semaines en taule, quoi. Oh, je crois qu'il a... Maintenant, il a des grosses casseroles au cul, là. C'est... En ce moment, là, je crois que... Mais c'est en train de snowball, un petit peu. Ouais. C'est genre dans les 50 prisons, là. On augmente un peu. Il a quand même reporté la galette des rois, parce qu'il y avait pas mal, hein. Ah, mec, attentat. Vraiment, le chef. Les attentats qu'il y avait... Mec... Surtout en fait, il y avait les attentats. Je m'étais réveillé du coup le lendemain, toute la nuit, genre j'étais halluciné par les attentats. Le lendemain, qui fait bon, bah on va devoir repousser la galette des rois. Pour cause d'attentats et tout, putain, mec. C'était super, c'était génial. De quoi tu parles, B44?
Le tweet sur le board de Bethesda, j'ai pas... moi ça me dit rien. Ouais, je sais, moi non plus ça me dit rien, Beckett. Le tweet sur le board de Bethesda. Explique-nous. Ouais, explique-toi, sale bâtard. Dis-nous ce que tu penses. Mais oui, non, de toute façon, je pense que à un certain niveau, les grosses compagnies font forcément des coups de pute, à moins que ce soit vraiment des compagnies de génie, tu vois. Mais messieurs, enfin, on vit dans une société. Tiens. Ah putain. J'ai mis sur Discord, mais je peux pas en fait switcher de truc Discord, sinon ça va vous virer. Oh là, en plus c'est compliqué. Oh oui, ouais, ça a l'air. Attends, je vais voir aussi. Ah, y'a des mots et tout. Oh là, qu'est-ce que c'est? Attends, mais en plus y'a des. Mec, y'a les étoiles de David, c'est quoi le délire? C'est quoi que tu nous envoies là? Qu'est-ce que tu nous envoies là? Ouais. C'est pas de la propagande royaliste. Ouais, t'es sûr qu'on va attention. Pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, y'a le mec de. Mais attends, mais c'est quoi? Jerry Bruckheimer, il est à Bethesda? Ça m'étonne pas. Franchement, ça m'étonne pas. Ah, je regarde, pourquoi y'a ça? Le frère de Trump. Pourquoi y'a une étoile de David? En plus, c'est fait sur Paint. Mais oui. Ça me tue, ça. C'est gratuit, en plus. Donc, ça veut dire que la... Comment on appelle ça, la Board of Directors en français? C'est un nom, ça, en français? C'est pas les actionnaires? Bah, si, grosso modo. Hein. Je me souviens plus. Ils sont tous les CEO, donc... Mais, donc, c'est Bethesda, c'est littéralement que des criminels, en fait. Le conseil d'administration, c'est ça. Le conseil d'administration, je crois. Et donc, c'est tous des criminels, quoi. Et il y a en plus le frère de Trump. Mec. C'est un méchant. Bah, Jerry Bruckheimer, c'est un producteur de films, donc c'est les mêmes. Hein. C'est comme Harvey Weinstein, quoi. Voilà. Ça existe pas des gentils producteurs de films. Je vais voir si Bruckheimer était pas en bisbise avec Epstein. Carl Ripken, du coup, c'est un joueur de baseball. Whose only interest in gaming was trying to show his dumbass real baseball game. Ah oh, putain. Putain. Attends. Carl Ripken, c'est bien un truc. On l'a pas vu il y a pas longtemps, Cal Ripken, sur un truc de une vidéo justement qui parlait des projets qui avaient pété. Non, je confonds avec autre chose. Cal Ripken, mais c'est... Non, de toute façon, c'était pas par rapport à Malure. Mais si, c'est ça, non. Mais ils en parlent pas en tout cas sur son. Attends. Bah, non, peut-être qu'on confond alors. Kingdom of Amalur, il a été dev par. par Big Huge Games et le gars le CEO Schilling. Ouais, voilà, ouais, voilà. Lui, ouais, c'était un autre joueur de baseball, c'est pas le même. Bref, je dirais ça parce qu'ils vont croire qu'on est antisémite, mais oui, non, mais c'est évident que de toute façon Bethesda pour le coup c'est vraiment tous des criminels, quoi. C'est la cause à Nostra, hein. Donc écoute, c'est eux qu'on fait Fallout 76, hein. Bah voilà, déjà voilà, c'est évident. Fallout 76, je pense que c'est littéralement rien d'autre que du blanchiment d'argent, je te promets. C'est évident. Et encore. Par contre, je suis désolé que l'étoile de David, j'ai vu passer une version sans, mais j'ai pas réussi à la trouver. C'est pas grave. On s'en fout. Le mec, il y a un gars, il a dû voir le tweet arriver. Il a fait quoi, Bruckheimer? Ah, c'est encore un juif, ça. Allez, je décide. Il a foutu l'étoile de David sur Paint et il l'a redistribué, mec. C'est génial. C'est super. Ça me rend triste de voir Big Huge Games. Ouais, bah bien sûr. Ouais, c'était aussi ça aussi, c'était triste. Hein. C'est une histoire triste. Mais bon, ça va. Maintenant, on a quand même Ubisoft, Activision, Blizzard et EA. Hein, on va pas se plaindre. Les meilleurs. Quand même. J'ai l'impression quand même que comment dire. Que les petits studios commencent à se rendre compte que signer chez les gros studios, c'est pas une bonne idée. Bien sûr. En fait, d'un côté, ils se font avaler par Microsoft en même temps, donc. Le seul gros studio, j'ai l'impression, qui est pour l'instant, où il n'y a pas de retour comme quoi c'est des fils de pute, c'est par rapport à Devolver. Bah, il y a encore. Mais... Oui, après, on n'est pas dedans, on sait pas. Mais... Ah, puis c'est sûr que c'est pas non plus gros, quoi. Mais non, mais il y a CD Projekt, qui est plus large et qui, eux, ont fait leur thune avec GOG. Ouais. Donc je pense pas, enfin en tout cas il y a rien eu d'avéré, il me semble, sur CD Projekt, mais il me semble qu'ils sont plus ou moins legit. Je crois il y a eu des trucs qui ont circulé vite fait. Non mais les trucs c'était oui alors et ben, quand on est une femme on se sent pas à l'aise, mais du coup ça c'est dans tous les studios, donc bon.
Ouais, donc ça va en fait. C'est ça que t'es en train de nous dire. Okay, ouais. C'est bon, okay. Ailleurs, c'est bon partout. Hein. Ça va, ouais. C'est à cause des gonzesses en fait. Elles ont qu'à pas se plaindre, c'est ça en fait. Encore. Écoute, encore elles. Est-ce que sur Doom il y a eu des problèmes? Il y a eu des meufs? Bah si. Mais si, il y a eu des meufs chez Doom. Doom 2016, le Doom original. L'original. Ouais, mais ça existait pas les femmes à cette époque-là. Bah voilà. les femmes, elles sont arrivées en 98-99, au moment de la Coupe du Monde. CD Projekt, c'est juste des gros crunchers de ouf. Ouais, voilà, ça par contre, ouais. C'est vrai que je crois qu'ils ont, pour le coup, ils ont vraiment poussé leur employé au max. Ils s'en ont pris plein la gueule. Mais ouais, c'est, j'avoue. C'est le CEO, non, qui a les images de lui en vieillissant, là, par rapport aux jeux de Witcher. Ah, oui, je crois. Je sais pas si c'est le CEO ou si c'est... Du coup, c'est pas étonnant, quoi. Oui, quand tu vois sa gueule, littéralement, ouais, tu sens qu'il est agrégé, quoi. Comment il s'appelle ? J'ai jamais à voir. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a du Y, il y a du X. Oui, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi je demande en plus. CD Projekt, c'est le patron ? CD Projekt ? Ou Lead Def, hein. Attends, c'est quoi ? Ouais, putain, ouais. Je crois que c'était les mêmes noms. Il y a Marcin Wiskliki et Michal Kikinski. Ils ont foutu pas mal de studios dev dans la merde, GOG. Ah ouais ? Ah oui ? Ah, peut-être parce que du coup, ils font pas de PRM, du coup, ça serait piraté. Lui. Ah bah ouais, 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 ouais. Le CEO. Ouais. Okay. Ah, ça m'a tué. Ça m'a fait. Ah, les cons. Non, j'avoue, par contre. Mort. Putain, on dirait Renault, là, mec. Ah, oh, c'est chaud. Du coup, c'est pas trop étonnant, quoi, la culture du crunch. Putain, mec, il y a plein de mèmes sur lui, le pauvre garçon, quoi. Mec, il est passé de Anakin à... comment dire ? Un vieux Ben. À Yoda. Ouais, ouais. Non, mais oui, CD Projekt. Mais GOG a foutu des sous dans la merde. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par leur politique d'acquisition B4 ? Parce que là, moi, j'attends juste GOG Beta. Ou je sais plus quoi. GOG Galaxy, ouais. Ouais, Galaxy. GOG Galaxy. Mais parce que ce que j'avais vu, moi, c'est juste que ils essayaient de trouver des vieux jeux. Et ils arrivaient à track down les gens qui en étaient responsables et qui avaient un genre de puzzle à reconstituer pour trouver justement qui détenait les droits et qu'ensuite ils rachetaient plus ou moins les droits de distribution et ils le distribuaient sur leur site. Je crois que c'est juste ça que j'ai vu. Après, par rapport à comment ils décident d'accepter les jeux ou non. Ah ouais. Ah ouais, mais ça doit être récent du coup parce que GOG, de toute façon, c'est eux qui allaient les chercher les jeux. Il me semble pas qu'ils étaient soumis. Et là, du coup, maintenant, récemment, oui, parce qu'il y a plein de jeux indépendants qui y viennent, mais après, si c'est comme qui peuvent être plus puces que Epic Games, hein, sur ce coup. Ouais, parce non, mais bien sûr. Non, mais oui. Enfin, si tu balances les extrêmes. Écoute. Mais puis surtout, moi, ce que je me disais, c'est que quand tu dis que la façon qu'ils ont d'accepter ou non les jeux, c'est par rapport à, en gros, les critères d'acceptation, quoi. J'imagine. C'est-à-dire que c'est un jeu de merde. Mais ouais, voilà. Mais du coup, et puis limite, je préfère ça que Steam où t'as 15 jeux de hentai qui sortent par jour, quoi. Tu veux qu'on aille voir hentai Mahjong Girls ou machin sur Steam, mec ? Tu veux qu'on aille y jouer, mec ? Regarde juste les jeux de Spider, hein. Non, moi j'en ai quelques-uns. Par contre, j'en ai quelques-uns, mais comment dire, c'est pour la Nive. Par contre, vraiment, tu mates la bibliothèque de Basilic. Alors là, par contre, poto. Ah, c'est pas les anniversaires de Alain ? Ah non, vas-y. Ils ont fait signer des mecs pour éviter de passer chez d'autres mecs, et à terme ils refusaient, et du coup le studio avait plus personne. C'est littéralement un coup de pute en fait, parce que ça ne bénéficie vraiment personne en plus. Epic Games, j'imagine même pas la politique agressive qui se passe sous le rideau. C'est des Chinois, mec. Ouais, au niveau du business, il n'y a rien de plus sournois que le Chinaman. Ah ouais, non, mais Canadian Square, hein. Deceitful Chinese man, je te promets, mec. Non, rien, vas-y, t'inquiète, c'est tout. Et c'est pour ça que la moitié de leur pays, en fait, la moitié de leur construction est en train de s'effondrer. C'est parce que au niveau du business, c'est tellement des rapaces que pour n'importe quelle, pour n'importe quelle matière première, ils prennent de la merde. Donc c'est pour ça qu'il y a des mères de famille qui se font avaler par les escalators et des bâtiments qui s'effondrent et qu'ils ont la peste. Ils ont littéralement la peste. Est-ce que je peux retrouver c'est quoi, peste. Et puis c'est des vrais salopes, ils vont voir direct les studios, ils passent pas par les éditeurs. Ouais. C'est quoi que tu nous avais raconté là à propos de Insurgency?
La peste n'a pas disparu. Attends, je suis pas sûr qu'il puisse en parler par contre. Est-ce qu'on peut ouais, pas, je sais pas. Je sais pas s'il peut en parler. J'attends la réponse. Sur les galets sur Gen Sim. Alors, on peut dire que c'est des gros cons en tout cas. Voilà, ils préfèrent pas. Non, mais bien ça. Parlons de la peste en Chine. D'accord, d'accord, Mathieu. On n'en parlera pas, Mathieu. T'inquiète pas. Mathieu. Bon, on te couvre. et l'avatar flouté sur le truc à gauche. Non mais j'ai juste mis ça, voilà, il y a quand même 28 maintenant personnes en quarantaine en Chine. Moi quand j'avais regardé la semaine dernière, il n'y avait que 2. Là c'est monté à 28, ça commence à être vraiment inquiétant. Ça passe bien, je trouve. Ah, c'est super. Le fait que, enfin, écrit la peste n'a pas disparu, ça me termine. Mais quoi, la c'est vrai, peste noire, quoi. Mais c'est incroyable. C'est vraiment unique comme pays. Hein. Braquer fourche. Rallume ta fourche, brandis ses fourches. C'est pas grave, ils sont 2 milliards. Oh, fuck. Non mais écoute, si la peste au moins peut, je sais pas, atterrir genre par exemple en Inde, tu vois, histoire de faire un... Ah mais oui, c'est leur caca aussi. Mais attends, la Chine c'est plus ou moins l'Inde, mais en plus clair, hein, franchement. Ouais mais au moins tu vois, et en plus rouge. Ils payent pas encore pour l'air, quoi. Mais c'est en Chine que tu vois toutes les vidéos de mecs dans la rue qui prennent littéralement juste des chats, ils les balancent dans des casseroles, et ils les font bouillir vivants pour les manger. Ah non mais non, c'est quand, ils ont quand même des bonnes. Après on, dans certains coins, non, ici en France, on en a aussi, hein, mec. Hein. Tu peux pas genre par exemple, je sais pas, la France qui décide de balancer une bombe nucléaire genre parce qu'il pollue trop. Alors du coup une petite bombe nucléaire. Oh, la vache. Ah ouais. Rien que ça. Ah mec, tu trouves pas qu'il pollue beaucoup? Ah ouais, si, vas-y. Balance 60 ICBM, ça va régler les problèmes de pollution, tu vas voir. C'est un moment qui balance ça. Moi je suis chaud. Hein. Mais c'est genre une frappe genre un peu étendue, si tu veux, entre Chine et Inde. Et franchement, là, sans déconner déjà. Et tu divises la population mondiale par 4. après, c'est un mal pour un bien. C'est l'autruche qui chante bombe atomique sur la Chine. Une frappe chirurgicale, ouais, mais dans le style amputation, quoi. Tu vires tout le côté droit, tu gardes, parce qu'il y a des très jolis paysages à l'ouest de la Chine. Tu vires juste le côté droit où il y a tout le monde. Et il y a de très jolis paysages en France aussi. J'ai pas besoin d'aller en Chine, poto. Non, mais ça serait bien. Au cas où il se redéveloppe, le Japon, sans déconner, ça va devenir mystique. Il y aura rien autour, ouais. Mais c'est tout, ils vont se dire, oh putain, tu laisses l'Australie, c'est vraiment. Mais non. Hashimoto, t'entends pas un truc? Non, ça te rappelle pas quelque chose? T'es sûr? Quelque chose qu'on a déjà eu deux fois? Peut-être? La Coupe du Monde, non, non! Ah non! Ah non! Très bel essai, mais non! En fait, il y aurait toute une bande, en fait. Enfin, bref, on parlera de ça plus tard, parce que là, les parler de génocide comme ça devant 60 personnes, donc c'est voilà. Moyen. C'est moyen quand même. Dites non. Dites non, messieurs dames, à la guerre. Dites non au génocide. Dites non à la maladie et à la mort. Et dites non à la Chine. Les Chinois, ça compte pas. quoique, attends, il y avait. Je matais avec Momo, on a maté Minefield récemment là. Minefield, c'est l'émission de Michael de Vsauce. Ouais. Et il y avait un épisode donc sur la mort de Minefield qui était assez badant d'ailleurs. Et du coup, il faisait un petit peu le parallèle entre une compagnie qui s'appelle Alcor, je crois Alcor, qui s'occupe de cryogéniser les gens quand ils sont morts. Et déjà, c'est ultra flippant parce qu'ils expliquent qu'ils ont deux modes de cryogénisation. Soit ils ont cryogénisation corporelle, soit uniquement, ils appellent ça neuro, entre guillemets. Mais c'est pour pas dire qu'en gros, ils décapitent les gens et ils frisent leur tête. Oh, et je crois que ça coûte moins cher, il me semble, de faire une cryogénisation de la tête. Et en gros, à un moment, il rentre dans une pièce où il y a des cuves. Et tu vois, il dit, bah, alors par exemple, là, il y a mon mari, il est dedans. Et t'as des grandes cuves avec des gens congelés dedans. Et donc, tu les vois pas, c'est des cuves en alu, tu vois. Mais la meuf, elle dit, alors là, il y a mon mari, là, il y a ma belle famille, là, il y a mon grand-père. et elle pointe les cuves, les cuves successivement. Et c'est genre ultra flippant. Et de l'autre côté, il va voir une nana qui se dit Death Apologist. Et en gros, elle dit que bah, c'est plus ou moins nécessaire de claquer parce que personne n'a envie d'être immortel pour toujours. Mais...
En vrai, il y a des points qui sont intéressants chez Nicolas. Est-ce que les Death Apologies pour les Chinois, ça te dérange pas à un moment, hein? Non mais c'est différent, c'est nécessaire. Il est bien au courant du sujet quand même. 7 000 $ pour la tête, 15 000 pour le corps, et apparemment en Russie c'est populaire. Mais il me semble, non, c'était le truc que j'avais lu, c'était déjà c'était vers Los Angeles, je crois, et c'était 80 000 pour le corps, je crois. 80 000 balles. En Californie, quoi. Vous pouvez pas ouais, le faire. Ouais, non mais bien sûr. Et c'est quoi? C'est en Norvège ou en Suède où il y a les cuves de suicide? Enfin, ils comptaient faire des cuves de suicide. En Suisse, je crois. Ah, c'est en Suisse. Ah, je croyais que c'était scandinave, moi. C'est pour ça qu'il est au courant, Viper. Comment dire, je sais pas si, comment dire, en Suisse, il y a des cuves, mais t'as de suicide assisté, s'il y a en Suisse. Non, je parle vraiment, voilà, ça, les suicide pods. C'est un truc, dans la campagne, tu vas dedans, tu meurs. Mais c'est littéralement comme dans Futurama. C'est quoi ce bordel? C'est génial. Vous avez pas entendu parler de ça, et je sais plus dans quel pays. Mec, on dirait un pod de genre de n'importe quel, comment dire... truc de science-fiction, bon après tu vas dedans, tu crèves quoi. The person who wants to die presses the button and the capsule is filled with nitrogen. He or she will feel a bit dizzy, but will then rapidly lose consciousness and die. Et je sais pas c'est dans quel pays. Allez, ça va préco en balle là, c'est mardi. C'est appelé Sarko. Ils l'ont appelé Sarko. Ah, ils ont de l'humour. Oh mec. Je sais pas où c'est par des designers australiens et des Pays-Bas. Ah bah tiens, pas, la Chine encore en bas. Le Sarko, mec. Et c'est quoi? The struggle for Hong Kong's old and sick to die with dignity. Déjà qu'ils essaient de vivre avec dignité, déjà on verra après. Je prends mon code premium. Attends, t'as même un Vive avec? Mais non. C'était un... Genre, tu vas suicider, tu payes un Vive. Non, mais... Tu as peur avant la mort? Oh, ah, il m'a buté le mec. Il va claquer, il va jouer à Gore quand même. Il va jouer à Virtual Future Girlfriend. C'est pour essayer de le dissuader quand même. Tu mets un boulard en VR et après tu crées en même temps, c'est ouf. Non mais c'est dégueulasse, tu veux te suicider, le siège il est collant et tout. T'imagines, tu veux te suicider, y'a déjà un mec qui a utilisé le pod. Comment il le nettoie? Genre t'as je sais pas, certainement un petit coup de Karcher, je sais pas, un truc. T'imagines le mec qui est chargé de nettoyer les pods? Ah putain. Après franchement moi, ça me dérangerait pas parce que c'est juste des gens qui s'endorment. Donc limite, il y a des cadavres et puis c'est tout quoi. Surtout que j'imagine que t'as un système genre d'alerte, quand le bouton il est appuyé, bah t'as un petit mec, et puis... t'as un mec qui vient de s'en occuper direct quoi. Genre t'imagines le truc se décomposer pendant 8000 ans quoi. Mec t'imagines t'es genre au resto tranquille en terrasse, y'a ton portable qui sonne parce que le pod il est plein. Oh, mec, j'imagine la notif d'appli quoi, genre pot plein, veuillez enlever. Oui, c'est ça. Je suis désolé, chérie, je dois vider le sarco. Oh putain. Ah mec. Non mais ouais, ils sont ouf ces gens-là. Et du coup, je sais même pas. Je crois que c'est même pas. C'était juste un projet. Hein, c'était pas. Ça a pas commencé à marcher. Sinon, il y aurait beaucoup de clients. Tu comprends? Tu m'étonnes. Bah déjà en fait ça veut dire qu'en Suède il y aurait plus personne quoi de base. Bah pourquoi plus personne? On est pas tous suicidaires non plus, moi ça va hein. Mais toi t'es pas en Suède toi. Non mais en Suède non plus, ils sont pas tous suicidaires, ils sont tous tristes, c'est autre chose. Ils ont des médicaments pour, t'inquiète hein. Ah des médicaments qui les poussent justement à utiliser les pods. Faut que je vois pour faire installer une près de l'EHPAD où je bosse. Oh. Ouais, les gars. Si tu veux des poules, tu prends 200-300 litres de nitrogène, tu balances ça dans la ventilation, t'inquiète que les vieux vont faire une sieste. Pas de problème. Là, ils partent pour l'autre monde, mais franchement, ils ont un ticket, quoi. Dans l'Underworld. Oh, putain, ils vont voir Kate Beckinsale. Donc bref, on avait un truc aussi important. Sur lequel on a un petit peu travaillé. Là, ça fait quoi? Ça fait deux heures. Ça fait oui. Déjà on peut faire le débrief de l'ATP. On peut faire. Je vais juste ruiner le moment. Mais ouais, de quoi? Bien. Mais en fait je voulais pas parler de ça en fait à la base. Donc c'est bien ce que t'as fait. Donc ouais on a fait la ATP et du coup c'était que la semaine dernière mec hein. Ouais, mais ça fait 3 semaines. Moi j'avais l'impression que ça fait déjà un mois, ouais. On a fait la ATP la semaine dernière, c'était bien. On a rencontré plein de gens cool. Non, on a insulté plein de gens aussi. Dès le début, je crois, on a dit à des gens de fermer leur gueule parce qu'ils avaient mis Pokémon. Ils avaient mis Naruto aussi. Quand on arrive et qu'il y avait des Pikachu qui étaient en train de courir au milieu du grand champ d'herbe
avec les bras dans le dos, mais... À faire du Naruto Run, ouais. Et ils ont commencé à foutre le thème de Pokémon, tu vois, sur leur enceinte Bluetooth de merde. Et Adwim m'a gueulé « Tu vas la fermer, ta gueule !» aux gens. Et moi, j'ai gueulé après « S'agirait de grandir !» Et ils ont pas arrêté, ils ont commencé justement à faire du Naruto Run. Habillé avec des Kigurumi Pikachu. Franchement, il y avait tout, mec. C'était un maxi best-of, je te promets. Ah, mais... Ouais, c'était une enceinte à manivelle, en plus. What? Le mec, il avait... Vous aviez pas vu? Parce qu'en fait, le mec, il était au milieu du champ, tu vois, d'un petit coin d'herbe à la ATP. Et son enceinte, c'était une espèce de boîte en bois. Et il avait une manivelle. Ah, oui. On aurait dû une espèce de vielle à roue, en fait. Mais à Angers, j'en ai vu un comme ça aussi, mais c'était un clodo, par contre. C'est... Le mec, il avait 500 balles sur lui, il a fait bon... Allez, qui t'a fait... En fait, c'était pas un clodo, c'était un hipster, mec. Putain, la chance. Ça, ouais, c'était... Il était juste putain de technologique, c'est tout, quoi. Mais ouais, c'était cool, par contre. Alors, enfin, c'était cool parce qu'on avait eu tous les potes et que... Voilà, on était avec la Megaforge, on était... Ouais, on était quoi, 25, je crois. On a vu pas mal de personnes qu'on avait jamais vues avant. Ouais, voilà, ouais, surtout, ouais. Mais par contre, La conf en elle-même, c'était franchement de la merde. Ouais, c'était vraiment nul. L'année dernière encore, on avait vu des trucs sympas. Là, cette année, il y avait nos potes de l'Entre du Cinéma, qui est un magasin de posters à Nantes, qui était en train de déballer. Donc, on a pu voir des posters un petit peu cool. Nous, on les connaissait par cœur parce qu'on y va tout le temps. Mais il y avait qu'eux qui déballaient et qui étaient cool. Sinon, le reste, c'était vraiment naze, quoi. C'était vraiment naze. Il y en a qui parlaient de cosplay y avait complètement éclaté. De trois stands, pas trop dégueux, mais... Ouais, mais en fait, de commerçants, je veux dire. De commerçants. Avec des vrais artistes, c'était stylé. Ouais. Parce qu'ils avaient. Il y avait du skill, les mecs, franchement. Mais le reste. Oh là là, c'était claqué. Non, il y a. T-shirt à 25 balles là pour marquer je vis 3 fois de ta mère, quoi. Tu, je vois pas de quel t-shirt tu parles. Oh putain, Spider. Ah, t'es un dieu. T'es un dieu. Spider avait le plus beau t-shirt. Spider avait quand même le plus beau t-shirt de la ATP. Attends, est-ce que je peux le retrouver quand même, le design? J'ai pas envie de montrer la photo, mais. Si Biob est là, mais si Biob est là, franchement, je la remercie. Ok, t'inquiète, regarde, il est là. Voilà, il avait ce t-shirt là. Spider, il était beau. Beau comme un camion. Tu es beau, mon fils. Beau comme un camion. Magnifique, quoi. C'était sublime. Ouais. Et surtout, tu sais, encore, tu dis. Pour les gens, du coup, qui étaient à TP, je suis resté peut-être quoi, les 5-6 minutes avec. Le problème, c'est que du coup, Momo, lui, il est pas resté que 5-6 minutes avec moi. Pendant tout le reste du week-end, il prenait mon t-shirt d'au-dessus. Il soulevait, il fait péter ton t-shirt, il se fait. C'est une drogue, mec, évidemment. Il faut le comprendre aussi. Bah oui. Mais ouais, on a rencontré plein de gens d'ailleurs. Il y a Erso qui est là et on lui fait un gros coucou à Erso qui était quelqu'un de très sympathique et de très beau et qui sentait très bon. Alors que moi, c'est le bienvenu, ce fils de pute. C'est ça le PD, quoi. Quel PD. Okay. Et après l'art to play, du coup, c'était un petit peu la surprise que je réservais. C'est qu'on est allé à un bar qui s'appelle La Forge à Nantes. Et c'est la méga forge. Voilà. Et, nul. C'est trop marrant, quoi. Et c'est un endroit qui est super cool. C'est un bar médiéval avec des pots au mur et tout. Ils ont de la bière qui est vraiment super. L'arthurienne qui est vraiment bonne. Ils ont du sifflard. Ils ont du saucisson, mon gars. Des terrines, mon gars. Oh putain, mec. Les tueries. On est retourné 2 jours après avec Pouce pour manger une terrine. Mais c'était vraiment super bon. Pour vous donner un petit peu une idée, c'est-à-dire qu'à la base, on allait au bar, on s'était dit, bon, allez-y, on se prend un petit verre entre nous, histoire d'être cool, tu vois. Ouais, on est parti, il était 1h30, 2h. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, le bar fermé. On est arrivé à 17h. On est parti à la fermeture du bar. Ouais. On est resté 6h. On a fait que boire. J'ai dépensé 70 balles dedans, et c'est pas le temps. Ah ouais, non, B4, il a carburé littéralement toute la soirée. Ouais. Mec, on a un verre à la main tout le temps. Il était un bimbos. Il est arrivé. Déjà, Beckett, la première chose qu'il a fait, du coup, c'est qu'il a pris un verre. Il m'a aussi offert un verre pour lequel je le remercie. Ouais. Il a directement pris une terrine. Verre saucisson. Ah oui, et il y a un skinhead algérien qui a demandé à un Poléon s'il voulait faire des trucs bizarres aussi. Oh, ouais. Donc voilà, c'était quand même une très très belle soirée. Ça, c'était vraiment cool. Et si jamais vous avez l'occasion d'aller à Nantes, passez par La Forge, c'est vraiment un très très bon bar. Et n'hésitez pas à prendre, c'est même pas cher. Les cocktails sans alcool, non, je crois, ils sont à 5 balles. Les bières sont pas chères, les shots sont pas chers. Même la bouffe, c'est pas cher. Je crois que le siffleur, c'est pareil. C'est genre. Non, c'était 5 euros. Ouais, c'était 5 balles, pareil.
Donc vraiment n'hésitez pas, c'est un très bon bar. Et il est même pas grand en fait. Le truc c'est qu'on était entre 25 et 30, ouais. Et on représentait 90% du bar. Il y a 2-3 tables qui étaient derrière nous, mais ils étaient à 3 ou 4 chacun. On avait vraiment investi tout le bar. Et c'était vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a des jeux de société aussi là-bas d'ailleurs. Oui. Donc c'est vraiment sympa, ouais. C'est vraiment cool, donc n'hésitez pas. Donc ouais, c'était une ATP vraiment très cool. L'année prochaine, évidemment, on y retournera, on essaiera quand même. Si on pouvait avoir notre stand, faire des dédicaces et tout. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va y foutre à notre stand à part proposer des blagues de cul. On insultera les gens qui passent devant. D'accord, ah oui, c'est possible par contre. Et on aura des sièges, ça c'est bien aussi. On offre des petites boules en mousse pour balancer sur les gens qu'on est kigurumi. Et en fait, c'est pas de la mousse, c'est du ciment. Par exemple. Non, c'est justement, mec, je fais une ligne de t-shirt sur le magasin exprès pour la ATP avec que les trucs genre BTS et de la merde, fuck K-pop, free main dans la gueule, des trucs comme ça. Oh putain, mais faudrait. Hein. Il y avait des gens qui avaient quelques panneaux BTS sucks et la K-pop c'est de la merde. Mais en fait, ils avaient ça et en tout, il y avait quand même free. C'est genre, on est des rebelles. Ah, il y avait quand même Free Hugs. Ah merde. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Un stand de flashball. Un stand de flashball, ouais. L'année prochaine, je viendrai avec un panneau Free German Suplex. C'est pas mal, ça. Attends, Freeman, faut que je le retrouve, Freeman dans la gueule, parce que l'illustration est vraiment géniale. Oh, le mec, là, avec le scotch. Non, mais mon gars, c'est un dieu, ce gars. Oh putain, il y en a plusieurs. Ah bah, c'est le même. Non, c'est pas le même. Je suis désolé. Ouais, ferme ta gueule un peu, là. Si, je crois que c'est le même. Mon gars, en plus, il est vraiment. On voit que c'est vraiment une conne. Parce qu'on voit vraiment, il y a des gens qui sont déguisés derrière. Le mec, il est arrivé à habiller en JJ Alins pour foutre des pains dans la tête. Et il y en avait un qui avait aussi une pancarte Free Sex, je crois. Et il était en train de faire semblant de s'enculer avec un mec, je crois, il me semble. Mec, le truc, je crois qu'il nous a le plus buté. Mais on n'en parle pas trop parce que ça reste quand même assez honteux. C'est qu'on avait vu une meuf de loin. En fait, putain. C'est quoi, Spider, il me regarde, je regarde dans ses yeux et puis je comprenais pas et il me fait un petit mouvement de la tête comme ça pour regarder à côté de lui. Alors je regarde à sa gauche et puis je vois une nana, tu vois, avec un short. Alors je lui dis putain, t'as vu l'avion de chasse? Et on commence à rigoler et tout, et puis on se fout sur, on faisait la queue pour je sais plus quoi. Et il se retourne vers moi et il me dit, je sais pas si c'est un mec ou une meuf. Je fais bah attends quand même. Moi j'ai vu les gams, j'ai vu le boulard. Je me suis dit bah attends quand même, je suis pas fou. Et on le regarde. Et le mec se tourne vers nous et il fait vous attendez pour la file d'attente là. J'ai fait ça avait un nez gigantesque et une mâchoire énorme. Ouais, c'était plus ou moins un Terminator avec un organe pour repérer les truffes. Qu'est-ce qu'il t'a dit après? Il est bonne quand même. Ouais, j'ai dit quand même, ouais, ça va, il est bonne quand même. Ouais, on a eu des bonnes surprises là-dessus, mais c'est, ouais, on a eu moins quand même que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a vraiment des gens avec des laisses et tout. Là, on a eu moins de ça, après on y allait plus tard, donc ça se trouve, on y va plus tôt. Il y avait beaucoup de jokers. Le nombre de jokers. Il y en a qui étaient vraiment chum en plus, c'était génial. Il y en avait, c'était juste des mecs avec des t-shirts et du verre sur la tête. C'était top. Oh. J'ai adoré. Au montage Joker, quoi. Le mec. I'm the Joker baby. Putain, je vais le mettre. Oh, mais c'était triste. c'était vraiment super. Là, c'était vraiment. Ils se lavent jamais. Vraiment une conférence. Enfin, un salon de merde. Mais vu qu'on était tous ensemble, c'était vraiment super marrant. On s'est bien marré. Donc, c'était quoi aussi l'histoire? L'histoire avec le gamin là qui est venu quand on prenait la photo justement pour la TP là. Chien de la casse lui. Ouais, on était en train de prendre une photo. On était en train de prendre une photo du groupe et il y a deux mecs qui arrivent sur le côté et qui disaient photo bombe. Alors moi je lui fais vas-y passe et regarde ce que ça fait. Et il passe en faisant genre il a juste couru. Pas aucune photo était en train d'être prise. On attendait tous que la photo se prenne, mais du coup le mec est passé devant, il a fait comme ça tout seul. On a fait waouh, c'était super impressionnant. Et ensuite il y a un autre gamin qui est venu avec un masque de cheval, un tout petit, avec un masque de licorne, je veux dire. Il a fait balayer le pauvre. Ouais, avec un masque de licorne. Et je crois qu'il avait un truc Free Hugs, il me semble. Et Adoum l'a envoyé chier. Je sais plus ce qu'il a dit, mais il l'a envoyé chier et... Il l'a envoyé chier vénère par Adoum. Non, je crois qu'en fait, il s'est ramené avec la pancarte Free Hugs, il fait « Non, mais on n'a pas d'amour à revendre ici. » Non, oui, c'est parce que le pote du gamin était venu en disant « Vous inquiétez pas, il est pas méchant, il a juste besoin d'amour. » Et on lui a répondu « Ouais, il n'y a pas d'amour ici. » Et ensuite, il a fait des fucks, je crois, le gamin.
Ouais. Et vous lui avez dit d'aller se faire enculer, en fait, plus ou moins, il me semble, non? Non, mais dans un langage un peu plus fleuri. Ouais, un peu plus fleuri, ouais. Là, c'était... Ouais, ouais, non, par contre, en plus, on était tous habillés en noir, comme des connards. Ouais. C'était vraiment... vraiment les gros relous, quoi. Vraiment les gros cons. On était soit habillés en noir, soit en camouflage. En camouflage Woodland. Oh, les trous de balles, quoi. Non, c'était bien, c'était vraiment sympa. Ouais. On a passé un moment, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de nous rencontrer l'année prochaine, on recommencera. On essaiera aussi, je pense qu'on peut le dire, de refaire un genre d'event comme ça, pas forcément avec un salon, mais... Ouais, un tout petit peu IRL. Comment dire, au printemps, on avait dit. Ouais, on avait dit de faire ça, ouais, plus en début d'année, essayer de refaire un event pour qu'on ait au moins deux events dans l'année, on ait la Art to Play ou quelque chose d'autre en fin d'année. Et des events publics, quoi. Ouais, des events publics. Mais n'hésitez pas à venir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas ou qui se disent que ça sert pas à ça ou qu'ils ont pas envie, même si ça se trouve, vous avez pas juste pas envie, mais pour ceux qui se disent que c'est peut-être problématique, n'hésitez pas à venir, franchement, on se marre vraiment bien tous. Ceux qui sont venus, on les avait jamais vus, enfin la plupart, on les avait jamais vus et ça s'est super bien passé, on s'est fait plein de copains. Donc hésitez pas quoi. Je n'en vaut pas la peine. Non mais ça, oui, il y a ça aussi évidemment, mais il y en a un qui est venu vers moi en me disant un free hugs avec un costume de Pikachu, je lui ai dit que s'il me touchait, je le désossais. Non, Napoléon, il a dû se chier dessus, mon gars. Oh mec. Et pareil, il y a un moment, il y a un gamin qui se rapproche de moi. Enfin un mec plus jeune, si je crois que c'était un gamin. Et il étend les bras, tu vois, en faisant viens, tu vois, avec son t-shirt free hugs. Ouais. Et je voulais lui dire non, tu vois, genre non merci machin, mais je lui ai dit sur un ton genre non je crois pas non. Et je voulais vraiment pas l'envoyer chier comme ça, je voulais être plus civil, mais tant pis. En parlant de move de gros con, tu parles pas de la gamine que t'as renversée? Ah oui, non mais c'est pas pareil. Non mais les gens ils s'arrêtent au milieu du chemin. Et le truc c'est que moi quand il y a du monde à une conférence ou à un salon et tout, j'aime bien me mettre devant et faire brise-glace pour que tous mes copains puissent me suivre derrière. Et comme ça moi je m'en fous, je bouscule les gens en disant pardon, du coup c'est légal. Et à un moment je vois Pounz au loin, tu vois, elle nous attendait. Du coup je la regarde et T-800, tu vois, elle était loquée, je fonce vers elle modestement vite, tu vois. Et il y a une meuf qui arrive, elle regarde, mais pas de priorité ni rien, elle arrive sur ma gauche, bon, je l'ai envoyé chier, apparemment elle était très choquée, je l'ai même pas vue moi, j'ai même pas senti, mais Pouze m'a dit qu'elle a été très très choquée par ce qui venait de se passer, mais il y en a plein que j'ai bousculé comme ça, mais ça arrive tout le temps, parce que les gens ils font n'importe quoi, les gens ils se foutent au milieu du bordel avec leurs conneries en train de parler à des gens, Naruto machin et tout. Bah casse-toi putain, va te mettre à un endroit où tu fais pas chier, comme les gens qui étaient assis, là il y avait des gamins qui étaient assis. À un moment, ils étaient littéralement assis sur le chemin. Ils bloquaient la moitié du chemin. Ah oui, évidemment. Bah, au bout d'un moment, on piétine leur classeur et trucs comme ça. Bah, attends, ils se prennent pour quoi, là? Tout ça avec le bordel. La con, quoi, avec leur diddle, bah oui. Il y avait un concert de K-pop aussi, je crois. Mais oh, c'était de la merde. On s'est demandé si c'était un garçon ou une fille, mais bon. Bah, comme d'hab, ouais, ça arrive beaucoup dans le genre d'endroit. Hein. Je pense qu'on est tous très confus sexuellement parlant, ouais. Et il y avait aussi un concours de cosplay, et apparemment, il y en avait qui étaient vraiment, vraiment éclatés. Je crois que c'est deux. C'est Dwelly, je crois, qui me parlait d'un Illidan qui était du coup en dehors de son cosplay, il pouvait pas voir en fait à cause de son visage, du visage de son déguisement, il pouvait pas voir devant lui. Du coup, c'est un pote à lui, enfin quelqu'un de l'organisation, qui était obligé de le prendre et de gentiment le faire avancer vers le milieu de la scène, comme on accompagne une vieille personne, tu vois. Oh. Et apparemment, genre le visage était tout éclaté, on voyait clairement la scission entre le masque et la peau, les ailes étaient dans n'importe quel sens et tout. Ouais, voilà, Dwelly en train en parler. Ouais, apparemment, il était vraiment, vraiment éclaté. Moi, on n'est pas allé voir. L'année dernière, on était allé voir un petit peu le concours de cosplay. Il y en avait des jolis quand même. Et ouais, il y en avait des jolis, mais là. Le problème, c'est qu'en fait, on en a vu certains jolis dans les allées. Ouais, oui, voilà. Ouais. Mais. Surtout dans l'Iron Man. L'Iron Man, il y avait le Monster Hunter aussi. Oui, exact. Et c'était un copain d'ailleurs. C'était un copain à quelqu'un qui était en groupe aussi, il me semble. Monster Hunter, il me semble. Ah bon? Il me semble, ouais, je suis pas certain, mais il me semble. Il y avait un Dark Vador du coup qui était aussi Dark Vador en steampunk, qui était très très cool. Oui, et il y avait une nana qui faisait aussi du Star Wars steampunk, et avec un R2-D2 en steampunk aussi, je crois. Ouais. Et c'était mignon aussi, c'était marrant. Ah ouais. C'est Hatsune Miku, non, je crois, le hologramme. Yadar a lâché un, mais t'es pas un hologramme, toi, salope.
à une cosplayeuse de Hatsune Miku, tu l'as balancé ça? Oui. Oh putain. Faut pas te sortir, toi, mec. Le problème, c'est que justement, c'est. Certes, les cosplays, hein, c'est trop cool, tout ça. Mais bon, en fait, ils cosplay des meufs d'animé. Mais du coup, tu mets juste une perruque et tu fous un t-shirt qui est juste en dessous des chamblards. Et puis c'est bon, t'as un cosplay, quoi. Mais c'est ça le truc, tu vois, sur scène, t'en avais des jolis. Et à un moment, t'en as un, il a acheté à Lidl, quoi. Tu fais, mais casse-toi. Après, c'est créatif, tu sais pas. Ça se trouve, il faisait un cosplay de Saitama. Il s'est juste rasé la tête, il a mis les costumes framboise. Bah, la salle, super. Tati. Ah, bah, quand tu le vois comme ça, Saitama, on dirait pas non plus. Mais quand tu vois ça, bah, du coup, ça te donne pas envie de regarder. Alors que pourtant, il y avait des costumes. Bah, genre, par exemple, il y avait un Master Chief qui était pas dégueu. Ouais. Il y avait. Alors, par contre, il y a un mec qui était déguisé. Je sais pas c'était quoi son costume. Mais tu sais, genre, qui arrêtait pas de gueuler dans le hall. Il y avait un hall d'entrée, tu sais, bah, pour aller dans la. Ouais. Où il y avait tous les magasins, ouais, en fait. Ouais. Et en fait, il y avait un mec. Genre, quand on est sorti, il gueulait, mais genre, il a gueulé pendant peut-être sans déconner 5 minutes de suite. Là. Il hurlait, oui, on n'a pas compris. Mais je pense qu'il avait un problème parce que il hurlait juste. Genre, il des cris inarticulés pendant 5 minutes. J'ai rien compris. Ouais. Et on a vu un aussi avec Momo. On n'a pas compris ce que c'était, mais c'était une nana, elle était à moitié déguisée en Valkyrie avec un putain de bouclier. Oui, oh putain, mais c'était pour le coup, c'était vraiment super impressionnant. Mais je sais pas d'où ça venait. Je pense que c'était un JRPG. Je pense, ouais. Mais c'était vraiment super impressionnant. Le bouclier, mais vraiment, je te promets, énorme, quoi. Et une lance. Ouais. Et ouais, elle avait des putains d'ailes et tout. Elle était vraiment cool. Et on l'a vu juste passer de loin. Et je sais pas ce que c'était, mais ouais, c'était cool. C'était plutôt sympa, ouais. Et on a encore vu des matchs de. C'est quoi, de Troll Ball, là, je crois, c'est ça? Ouais. Mais il se défonce pas, en fait. Du coup, on était un petit peu déçus. Il y avait le truc le plus cringe du monde. C'était, tu sais, du coup, les tapis qui font un tapis de souris et de clavier avec les gros culs d'Overwatch. Ah oui, avec les chamblers aussi. Et tu voyais les gens qui. Comment dire? Tu sais, ils ont vécu quoi, 14-15 ans avec la gueule, mais tu sais, genre, c'est typique le nerd, quoi. C'est. La gueule remplie le bouton de boutons, quoi. C'est le mec qui lui fout une claque, tu sais, ça te reste sur la main partout, quoi. Ouais, mais sûr. Non, c'était pas ceux-là où c'est confortable, c'était juste vraiment imprimé dégueu, quoi. Ah oui, d'accord. C'était vraiment dégueulasse. Il est super, il est génial, mec. C'est vrai que celui-ci, il est bien. Oh, mec. Oh, ça te déchire. Ah, oh, mais c'est quoi? Ah! Oh, mec, c'est n'importe quoi. Ah, oh, j'en peux plus. Donc, ouais, ATP, très bonne expérience. Et vraiment, n'hésitez pas à venir. Du coup, c'était 14€, je crois, le billet cette année. Ouais. Même si à la rigueur, l'année prochaine, vous n'avez pas forcément trop les moyens pour prendre l'ATP, généralement, on se retrouve après ailleurs. Ouais. Retrouvez-nous après ailleurs. Quoi. Si les ATP vous intéressent, pouvez quand même nous voir. On a l'air d'être des connards comme ça, mais en vrai, on est tout gentil. Ça disait avant la ATP, ouais, on va faire des suplexes à tout le monde, on va éclater tout le monde. Enfin, finalement, on a été très gentil et très poli. On disait merci, s'il vous plaît, bonjour. Donc, ça va. Après, on a envoyé chier des cosplayers, mais c'est pas pareil. J'ai jamais utilisé une seule formule de politesse de tout la ATP pendant longtemps. C'est comme. J'ai adressé la parole à personne à part vous. C'est comme Dame Célie et Léo Dagan, là. Quand t'as dit en 50 ans de mariage, vous avez jamais su réussir à dire merci dans ma langue. Et il dit, bah je le dis déjà pas dans ma langue, hein, qu'est-ce que ça va me foutre. Donc ouais, n'hésitez pas à venir nous voir, en plus ça nous fait super plaisir. On a même distribué des stickers. Et les gens qui sont pas venus, vous avez loupé les stickers LMF. Ouais. Bien sûr, et ouais. Il y en a un qui est dans les chiottes. Et voilà. Ouais, on en a mis un dans les chiottes de l'Atomix. De l'Atomix Café à Nantes, ouais. Parce qu'en plus, oui, le lendemain, on est aussi allé au Sunset, bouffer. Ouais. Et on est allé à l'Atomix Café après faire chier pour des milkshakes et tout. Non, c'était cool. C'est sympa. Donc, ouais, si jamais vous voulez des stickers et nous voir, venez à la ATP l'année prochaine. Ils sont plus là, nous. On va juste chier au milieu du parc des expositions. Mais voilà, n'hésitez pas à venir. Et ouais, on essaiera de vous maintenir au courant si jamais on fait quelque chose pour le printemps, là.
Ouais. On va essayer de se trouver un truc correct et pas trop dégueu. Même si c'est pour juste chill à Nantes, une connerie, faire juste une rencontre avec des gens. C'est malade, se passer une maladie, tout ça. Quoi. Voilà, par exemple. Bah, putain, c'est vrai que putain, j'ai filé mon cancer à tellement plein de gens. Je sais pas si c'est toi qui me l'as filé ou alors c'est si, 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 ouais, si, c'est moi qui te l'ai filé, t'inquiète. Moi aussi. Tout pute, quoi, ouais. Tous à la Paris manga, non, on va pas à Paris par contre. Non, par contre. Là, par contre, tu vas avoir vraiment de la baston là. Non, non, c'est sympa, mais Paris, soit on va se faire shank, soit il va y avoir des problèmes, quoi. Je tiens à dire que le concerto de renflement de Ruru, Spider et Momo à 9h du mat, c'était spectaculaire. Attends, il y avait Paco aussi dedans. Non, 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 mais surtout, attends, c'est lui qui parle. Parce que poto, j'ai pas réussi à dormir avant 5h du matin. Tu étais tellement en train de ronfler tes grands morts, poto. Et attends, mais parce que Léon, il fait pas que ronfler, il fait aussi des petits. Mais non, le matin, il fait des petits. Alors, s'il te plaît, poète camembert, Poléon. Hein. Moi, où on les dit bon. Ouais, attends, faut pas déconner. Sinon, ouais, juste, je tenais à faire une petite parenthèse pour décembre, là. Donc, là, on avait eu pas mal d'events et tout pendant novembre, mais pendant décembre, c'est un petit peu plus calme. Du coup, on va se concentrer un petit peu sur les streams un peu particuliers. Moi, il y a quelques trucs que j'aimerais bien faire. Déjà, à Noël, comme d'habitude, il y aura un Noël des exclus que Adwim va faire, je pense. Moi, je sais pas si je serai là encore, mais j'essaierai si je peux, je viendrai. Normalement, je pourrais être là. Je vais essayer de participer. Le matin, genre d'accord. À 10h. Donc on essaiera de faire voilà, le Noël des exclus. Et j'aimerais bien qu'on puisse caler le RMC Night, le RMC Découverte ouais, Night avec plein les jeux de chasse et tout. C'est ouais. Là pendant décembre, parce que je pense que c'est le bon moment. Ouais, et j'aimerais bien aussi faire un moment un blind test et vous faire gagner des jeux ouais. Parce que vous ouais. Nous donnez tellement de thunes et vous venez tout le temps et tout. J'aimerais bien rendre un petit peu. Voilà, j'aimerais un petit peu rendre l'argent aux abonnés, quoi. Mais voilà, un petit blind test. on essaiera de faire ça une soirée maintenant, en plus que OBS est un outil, comme vous pouvez le voir, que nous maîtrisons à perfection. On fera des blind tests. Je sais pas encore si on fera jeux vidéo only ou série, etc. Mais on essaiera de faire un blind test. On peut en faire plusieurs. Voilà, par exemple. Une soirée où on fait. Mais du coup, par contre, si on le fait, faut bien être d'accord, par contre, que Russien ne joue pas. Hein, bien sûr. Non, mais c'est moi qui serais lost, con, espèce de con. Oui, non, mais quand même, c'est bah, je saurais, du coup. Non, mais de toute façon, non, je participerai pas non plus. Je suis beaucoup trop fort pour vous, donc ça ira pas. Mais... Allen et Rufian, c'était les mecs, ils aiment pas le fun. Le seul moyen de gagner, c'était en piquant les points, voilà. Bah oui, bien sûr. Et encore, c'est pas possible parce qu'on écrit parfaitement. Mais voilà, on essaiera de faire ça. Et j'essaierai aussi de faire enfin le truc que je prépare depuis un moment là sur WWE 2019. ça fait un moment t'étais que. T'étais vraiment pas loin, mec. Ouais, franchement, t'étais pas loin. Ça fait un moment. Mais en fait, le truc, c'est que là, j'ai encore Fallout à faire, Fallout 4. Mais une fois que j'aurai fini Fallout 4, je pense que je ferai Skyrim. Donc t'inquiète pas. Tu t'avances, homme de bonne loi. Bah non, mais c'est dans mon schedule, donc je m'en fous, c'est de m'avancer ou pas. Je te le dis, c'est tout. Une fois que j'aurai fini Fallout, je ferai Skyrim. C'est le même jeu, donc limite, on s'en fout. Il y a un truc aussi qui va être fait, attention, parce qu'on en a parlé bon, pas mal de fois. C'est que du coup, il y a Halo Reach qui va sortir. Bien sûr. Et donc, enfin, savoir manette contre. Clavier. Contre clavier. Qu'est-ce que ça a donné, les duels? Ouais, y a Spider qui veut me duel sur Halo Reach, moi avec souris clavier et lui avec manette. Donc, voilà. Je pense que, au moins, tu sais, ça va durer 5 minutes, mais ça va être bien. Non, mais je vais t'enculer, quoi. Encore, mais attends. Je suis désolé, hein, mais je vais t'enculer. Non, mais voilà. Mais mec, je crois que tu te rends pas compte. Bouffon. Ouais, mais... Et les mieux, je joue à la manette, je suis un gros bouffon. Espèce de bouffon, va. Non, mais voilà, donc ça, c'est ce qu'on a prévu un petit peu pour Noël. Donc il y aura d'autres trucs, bien entendu, comme d'hab. Mais on essaiera de faire ça. Et puis voilà, je sais pas si. Ouais, pour le nouvel an, de toute façon, vu que nous on est occupé à raclette, ça va être chaud de faire un stream. Mais bon, je sais pas, peut-être que Skad, du coup, pourra pour le nouvel an. Mais lui aussi, il sera dans sa famille, je pense. Donc on verra. Une raclette aussi, lui. On vous tiendra au courant. Et ça y est, il a eu un kill sur R6 avec sa manette. Voilà, je suis trop bon. Non, mais attends, il y a un autre truc aussi sur lequel on a travaillé là et que je voulais y venir. Donc, quelque chose qui va repousser la fin de ce stream, de la fin de ce Forgecast à demain. Au moins 4h du mat. Au moins 4h du mat, ouais. C'est que récemment, il y a eu une vague de tweets sur les meilleurs films, les films qu'on trouvait les meilleurs pour cette décennie, vu qu'on est en 2019 et bientôt 2020. Les gens ont fait voilà, leur jeu préféré. Et nous, on s'est dit que on allait faire pareil, c'est vraiment une idée de merde, hein, qu'on allait faire pareil avec les jeux vidéo.
Et voilà. Du coup, on s'était dit qu'on allait faire aussi les déceptions, mais ça va peut-être être un petit peu long, je sais pas. On peut-être une autre fois, du coup, les déceptions. Ou pire, on verra à la fin, enfin, ça dépend, on verra. En tout cas, voilà, on a noté les jeux qui nous ont. Je vais aller me chercher un mouchoir parce que je vais crever sinon. Je t'en prie, vas-y, fonce. Vas-y, papy. Donc, on a noté les jeux qui nous ont soit le plus marqué, soit qu'on a préféré entre 2010 et 2019. Pas à l'année à laquelle on les a joués, mais à l'année à laquelle ils sont sortis. Donc c'est quand même une petite distinction qu'il faut faire. On va attendre Momo, mais est-ce que tu penses que je peux... attends, bouge pas, je vais juste je vais virer vite fait cette fenêtre-là, voilà, excusez-moi. Je veux voir si je peux faire un truc. Je pense que je peux faire ça. Oh putain, je suis bon. Vas-y, balance ce poteau. Attends, je suis en train de faire du Excel là. Donc on a Spider, Momo, Yadar. Tu sais ce qui serait bien, franchement, moi, qu'on fasse un Stropol en direct pour savoir qui c'est qui a les meilleurs goûts. Ça serait bien. Non mais ça on verra si on peut le faire maintenant avec les. Oui, mais c'est sur Discord qu'on peut. Non, on peut le faire sur le Twitch maintenant. Oh. Bah oui, mais je me suis pas fait chier à foutre des plugins pour rien, connard, putain. Avec tu réfléchis pas là, ça m'énerve, connard. Eh, papy, Russian, avec le Steam Manager, on peut demander un sondage. Non mais ça me saoule, j'ai un joli truc que j'ai mis en place, on va pas s'emmerder pour rien. T'inquiète pas, ça va être rapide, hein. Attends, bougez pas, tac, je finis ça, hop. Comme ça, forcément, vous allez pouvoir... Donc ça veut dire qu'on va essayer de dire quand même pourquoi on a aimé le jeu. On va pas non plus faire comme tout à l'heure quand... Genre sur Red Dead, on va pas genre parler 15 minutes d'un seul jeu. Sinon, ouais, mais juste quelques explications. Pourquoi du coup non, parce que sinon ça fait quand même 40 jeux à expliquer. Non, mais le pourquoi du coup, c'est bon, hein, deux phrases. Il était bien, j'ai bien aimé. Comment on fait pour colorer une colonne à ce comme ça? Oh non, attends. Pourquoi qu'il est pris, il est sorti Bombo Cloud, lui. Bombo Cloud, Babylon. En plus. Bougez pas, je suis là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais CTRL-C, CTRL-V. Mais attends, mais ta gueule. Mais je parle pas à toi, je parle à Yadar. Ta gueule. Yes. Ça... Je à la main. C'est vraiment dégueulasse. Surtout qu'il y aurait peut-être 2, c'est 21 sur 20. Ah oui, merde. Oh, en plus. Oh là là. Merde, on avait oublié ça. Je fais... Et moi, je vais me foutre en orange. Hey, tu m'as mis en rouge? Oui. Oh putain, t'es trop gentil. Merde, attends, je me suis gouré de couleur. Je suis en jaune pisse. Non, toi t'es en. Comme t'es en... la maladie. Je t'ai mis un peu en PD, je suis désolé, mais c'est juste histoire de comment de différencier, hein, c'est rien d'autre. Hop, ça je remets ça. Pas, il est PD, tac, ou... voilà. Donc, on a fait donc notre petit classement des jeux qu'on a préférés entre 2010 et 2019. Ça a été long. Parce qu'il a fallu qu'on trouve déjà les jeux qui étaient sortis à cette époque-là, et même là, je pense qu'on en a loupé. Je pense qu'on a loupé beaucoup de jeux, donc... mais bon, on a mis au moins ce qui nous avait intéressé, quoi. Donc voilà, ouais. Et bah écoute, je t'en prie, Spider, t'es le premier de la colonne, alors vas-y, fonce. Alors, du coup, on fait chacun un une année, ouais. Ouais, chacun ouais. 2010, ensuite 2011, puis... Du coup, en 2010, moi, le jeu qui m'avait le plus marqué, c'était Super Meat Boy. Rien. J'ai rien écrit. Moi j'ai fait. C'est vraiment. En plus, il date pas. Il va gagner au meilleur goût après. Il date pas de 2011 en plus, t'es mauvais. Il en sait beaucoup, je trouve. Et du coup, oui, bah c'était quasiment l'un des premiers jeux indé que je jouais. Et puis, bah, il m'a retourné la tête, il était vraiment cool. Et puis, bah, les sensations étaient géniales. Donc, il y avait du Bonnie Tyler à la fin. Sur mon stream. Ouais, non, mais ton stream, bon, à l'époque, je regardais pas trop, ça m'intéresse pas aussi, c'est du connard. Bref. Trop marrant. Ok, t'es viré. Alors, tu fais comment? Ah ouais? Regarde. Bouge pas, mec. Voilà, impeccable. Vas-y, Momo, du coup, toi, pour 2010. J'ai mis Just Cause 2. Très bien, ouais, très, très bon choix comparé à Spider. Ouais, ouais. C'est vraiment le pire des mecs. Juste parce que pouvoir juste se balader et faire tout péter. Le jeu lui-même est tout pété, quoi. Mais c'est juste marrant, quoi. Ouais, non, tu fais tout péter, enfin, la physique veut rien dire.
Et en plus, il y avait des mécaniques plutôt cool. Il me semble que dans Just Cause 2, par exemple, quand t'étais en course-poursuite et que tu tirais dans le pneu d'un mec, je crois que sa bagnole, elle faisait des. Elle partait en fait. Enfin, elle explosait pas, mais ouais. Elle faisait des tonneaux automatiques, je crois. Elle faisait des tonneaux et tout, ouais. Ça, c'était super classe et j'adorais ça, j'adorais ce truc-là. Et le jeu était tout pété, je veux dire, enfin, la synchro, ah non, mais mec, n'existait pas, les cinématiques qui se coupaient en plein milieu, c'est génial. Mais j'ai pas encore testé le tout dernier, celui avec les tornades et tout, là, mais faudrait peut-être que, ouais, faudrait que je vois quand même, tu vois, mais... Apparemment, en fait, il apporte rien de neuf. Ouais. Quelque part, on s'en fout. Ouais, s'il est fun. Le truc, c'est que le 3, il était chiant à faire tourner, déjà. C'est pas Whisky qui l'a streamé, le 4 ? Non, c'est le 3 qu'il a fait. C'est le 3. Ouais, le 3, certainement, parce que le 4... Ouais, non, c'est le 3, en Italie qu'il a fait, le 3. Pété. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Vas-y, du coup, Yadar, 2010. Moi, c'est un des seuls où j'en ai que deux. Enfin, où j'en ai deux. C'est Alan Wake et Conviction. Et lequel si tu devais emmener un sur une île déserte, tu ferais quoi? Ah, c'est vraiment trop dur à choisir, vraiment. C'est con, hein, il va falloir. J'ai pas envie d'écrire de nom, moi. Conviction. Splinter Cell. Ouais. Et dans ma tête, en fait, quand il a dit Conviction, j'ai fait putain, je connais pas de jeu qui s'appelle Conviction. t'as bien aimé Splinter Cell Conviction, c'est marrant ça. Bah ouais, bah parce que pas au niveau de forcément de l'infiltration pure et dure, mais le il se bat, enfin par rapport à l'histoire et la mise en scène. Ouais, voilà, et tout d'un coup, c'était tellement bien. Non, en 2012, j'ai même pas mis CS. C'est vrai, merde. Non. Ok. Même si j'ai gâché ma vie dessus. Bah en fait, en 2012, j'ai mis Attends, ma plus t'as écrit quoi, toi? Je vais grossir un petit peu juste les mots, voilà, histoire qu'on voit bien. Voilà, ça va être peut-être mieux pour le stream. Je sais pas, vous voyez bien, vous arrivez bien à lire quand même ou quoi? Un petit peu plus, je pense. Encore? Juste un tout petit poil. Bon, voilà, on va faire ça comme ça, hein. Mais ouais, non, vraiment, l'histoire mêlée à l'action, ouais, et la mise en scène de tout ça, c'était... en plus, c'était plus ou moins la fin, vu que ce qui arrive après, ça n'existe pas. Et puis ouais, même le mode coop, il était génial, enfin, j'ai pas passé de temps dessus. C'est trop bien. C'est vrai que le mode coop, pareil, beaucoup joué, ouais. Et j'avoue que tu sais que j'ai beaucoup joué aussi au mode multi, parce que j'ai pas joué à beaucoup de mode multi sur Splinter Cell, mais à beaucoup de mode multi sur... Double agent. Ouais. Ah. Sur PS3. J'ai joué tellement au mode multi, mec, pourtant c'était éclaté, hein, mais j'avais bien aimé. Et moi, pour 2010, j'ai mis... Attention. Le mec qui s'est suicidé en arrière-plan. Voilà. Red Dead Redemption, parce que il m'a piqué une bonne partie de ma vie. Et que je trouve que le premier Red Dead Redemption est vraiment un chef-d'œuvre, comme on dit. Ah bah, je le trouve vraiment incroyable. Il y a tout qui va dans le jeu, donc voilà. À part le framerate, mais bon, je joue sur PS3, que veux-tu? Ta gueule. On va pas recommencer une guerre des consoles de 2008 quand même. Attends, mec. Bring back the old guys. Putain. Moi je m'amusais au début du lancement de la console. Moi aussi, c'est juste qu'elle m'a coûté 700 balles. C'était quoi PS3 Snow Games? Ah oui, bah là, putain. Mais c'est vrai parce qu'en France, c'était pas trop un mème ça, en France, le PS3 Snow Games, donc ça allait. Allez, 2011. 2011, moi j'ai foutu Bulletstorm parce que. Parce qu'il y avait rien d'autre. Ouais. Bah non, c'est juste que je le trouvais très arcade, très fun, et puis non, ouais, bien sûr. C'est, comment dire, c'est, tu sais, il y avait des épreuves où tu pouvais jouer, comment dire, une petite section de la map avec des armes obligatoires, en fait, qui te poussaient à examiner l'environnement, faire des combos, tout ça, et je le trouvais très 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 cool. Ouais, j'aurais mis RDR aussi. Oui, n'hésitez pas à nous donner vos choix aussi à vous, par année, si jamais vous avez une liste de jeux voilà, qui sont sortis par an, n'hésitez pas à nous dire, parce que ça on aime bien, c'est aussi ça qui nous a poussé à faire ça, c'est la curiosité de savoir ce qu'aiment les gens, donc n'hésitez pas. Hein. Et tu sais que d'ailleurs, fun fact, dans le film Wounds de justement sur Netflix, le mec joue à Bulletstorm. C'était marrant. Bon, par contre, il joue mal. Oui, il joue mal. Par contre, il joue mal. Tu peux supprimer le taco quand même, s'il te plaît. Non, je le laisse. T'aimes pas le taco vivant. Attends, il y a Arcana qui dit 2010, Fallout New Vegas, très bon choix. Poléon qui est déjà en 2011, non, c'est bon, en 2011 aussi. Portal 2, Black Ops pour Scholar of Mews, quel PD. Spider, il l'a pas mis dans Dante's Inferno en 2010. Franchement, j'ai. Ah, c'était une bonne époque, Black Ops aussi. Black Ops, c'était très bon. Ouais. Allez, Momo, 2011. 2011, j'ai mis Portal 2. Putain.
Portal 2. Ok. T'as lâché une caisse toi derrière ou... C'est qui c'est qui a lâché une caisse? On est bien d'accord, on a tous entendu une caisse. Il a fait. Attends putain, il a lâché une caisse. Il a rigolé. C'est bien ce que je me disais, j'ai entendu un. Putain. On est d'accord, il y a eu un truc. Attends, y'a King Games qui dit Bad Company 2 en 2010, c'est pas mal aussi. 2011, ah, Arkham City pour Scholar of Mimes, ouais, ça va. Ouais, et c'est marrant, Momo, qu'on n'est pas le même d'ailleurs pour 2011. Ah oui. Ouais, bah je dirais après lequel est mien, mais c'est pas grave. Donc Portal 2, Momo, vas-y en quelques mots, pourquoi? Ce jeu m'a juste, comment dire, bluffé, quoi. Il t'a baisé la gueule, quoi. Ouais, il m'a enculé le cul. Il t'a enculé la bite, ouais. Bon, je comprends. En travers, quoi. j'ai tout kiffé dedans, en fait. Déjà le gameplay en lui-même. Ouais. Le jeu un petit peu énigme, mais comme ça. Surtout, en fait, je suis pas vraiment trop. Comment dire, game. Ouais, voilà, c'est pas forcément trop mon truc. Et du coup, de tomber dedans un peu, pas vraiment au pif, parce que je savais quand même dans quoi je me lançais. Ouais. Mais sans trop de. Comment dire, sans trop d'attente, etc. Et j'ai tout aimé, quoi, du gameplay au scénar, à la narration. C'est que graphiquement aussi, il ressemble pas à un puzzle game. Bah ouais. T'as pas l'impression de jouer à un puzzle game, même si... Je me suis senti vachement immergé dedans, en fait. Genre, tout me paraissait crédible, bizarrement, tu vois. Faudrait que je me le refasse, Portal 2, je pense que je vais me le refaire. Ouais. Moi, en solo, parce que le multi, il m'avait moins marqué. Enfin, le multi, il est marrant, mais c'est le truc, c'est que... Si y a un mec, enfin... Un studio qui arrive à faire une coop pas marrante, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de faire des jeux vidéo. Bah oui, c'est ça, bien sûr. N'importe quel jeu de merde, mais quand même, c'est marrant. C'est à la fin du 2 où il y a l'opéra des tourelles, ou c'est le premier? Ouais. Non, c'est dans le 2, ok. Elle m'avait foutu des frissons, cette chanson. J'étais vraiment sur le cul à la fin. Les deux endings, enfin, l'ending de Portal 1 et Portal 2, les deux, je kiffe de ouf. Ah, c'est super propre. C'est Calamia, je crois, elle s'appelle dans la 2, Calamia. Ma chère ou ma chérie, je crois, en espagnol, en italien. Ouais, ouais. Du coup, sinon pour les autres, il y a Battlefield 3. Pas ouais, putain, très bon ça. Ouais. Deus Ex, Skyrim. C'était 2011, Skyrim. Ouais, c'était 2011. Bien sûr, il est sorti le 11 novembre 2011. 11 Skyrim. Ouais. Alors, du coup, voilà, il y en a deux qui disent Deus Ex Human Revolution. Et puis, quitte à faire, hein, je vais le mettre aussi. C'est ce que j'avais mis, moi, pour 2011, Deus Ex Human Revolution qui paraît. Tu l'avais pas mis, moi. Non. J'ai adoré. J'ai hésité aussi. Ouais. Ouais. J'ai adoré. Mais vraiment, Portal 2, il m'a. Là, ah, d'accord, mais... je peux mettre Deus Ex en mention honorable, quoi. Ouais, ouais. Bien sûr. Ah, moi, je dis Deus Ex Human Revolution. En fait, j'avais réussi à pirater avant qu'il sorte, un jour avant qu'il sorte, je crois. Oh, un genre de. C'était un genre de démo, je crois, qui était sorti, une connerie, tu vois. Et non, une semaine, je crois, une semaine avant qu'il sortait. Et je me demandais si j'allais faire une vidéo dessus, mais je voulais pas aller en pantoufle. Et du coup, j'ai pas fait. Mais j'ai commencé à jouer, et directement, même si le jeu il tournait comme une merde sur mon PC, parce que j'avais vraiment une merde à l'époque, il m'avait vraiment bourriné la gueule. Et j'ai vraiment adoré Deus Ex Human Revolution, et je l'ai fait en boucle depuis. Et de temps en temps, je le relance et je me le refais vite fait. Et puis voilà, parce que c'est. Je trouve qu'il est vraiment génial. C'est un vraiment super jeu. Alors, il y a l'art 2011. Bah moi j'ai mis LA Noir. LA Noir. Je sais tiens qu'il donc. Est très controversé. Non. Non, les gens sont plus ou moins d'accord pour dire qu'il est très bon quand même, non? Mais oh, je quand même un petit peu entendu de ça. Ah ouais. J'ai pas dit j'ai pas dit controversé mais ouais, j'ai entendu un peu de Ouais. Mais moi j'ai adoré de bout en bout et je crois que c'est un des premiers jeux à la fin où j'étais tellement investi et la fin, j'ai fait la Madeleine, tu vois, comme une sale merde. Mais c'est vrai qu'elle est noire, moi aussi, à la fin, pas forcément, même si c'était pas forcément super investi dans le scénar, j'avoue, il y avait des trucs qui étaient un petit peu, que je trouvais un petit peu longs. Mais rien que pour le fait que la fin est clairement injuste, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il m'a foutu un coup dans les couilles aussi, elle est noire. Mais du coup, tu vois, cette année-là, ouais. Lucien, toi qui dis, t'as mon Tekken et tout, j'ai pas ton Tekken, par contre, j'ai ton elle est noire. Hein. Ça doit faire maintenant en fait depuis que t'es arrivé à Nantes que je l'ai. Mon L est noir. Ben oui, sur 360. Ah mais oui, sur 360, oui, mais je m'en fous. Mais oui, parce que je l'avais acheté quand j'étais avec mon coloc avant. Et il avait une 3-6, du coup j'avais juste sur la 3-6, mais oui, je m'en fous du coup. Je me disais aussi, putain, c'était chelou. Non mais oui, ok. Oui, bah écoute, je t'en prie, garde-le, vends-le, je m'en bats les couilles. Hein. C'est quoi sinon? C'est quoi 2011 Skyward Sword qui est proposé?
Bah oui, et tu dis ouais, et alors, mais j'avais bien aimé ce qu'il y a sort, moi. Hein. Il y a, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont chié dessus parce que, bah, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un Zelda qui sort, c'est quand même des fois assez conflictuel. Évidemment, à part Breath of the Wild qui a mis tout le monde d'accord. Mais moi, j'ai trouvé que Skyward Sword était cool. Maintenant, le truc, c'est qu'il me semble que dans Skyward Sword, il y avait pas mal d'éléments justement avec la Wiimote, avec le motion gaming. Et moi, ça m'a toujours cassé les couilles, vraiment, le motion gaming. C'est chiant, le motion gaming. J'ai jamais trouvé ça intéressant. Il y a juste sur la Switch où je trouve que c'est plutôt bien intégré, notamment bah, justement dans Breath of the Wild. Ou pour viser, et dans Splatoon 2 aussi apparemment il y a ça, quand tu vises, tu sais, il y a avec l'accéléromètre de la manette, donc tu peux viser assez vite. Et à part ça, franchement, ça m'a toujours cassé les couilles, le motion gaming. Donc écoute, mais oui, Skyward Sword, j'avais bien aimé, moi. Et donc du coup, ça parle déjà en 2012, mais attendez, on a pas fait encore 2012. Allez, 2012, mon petit Spider. Alors moi, du coup, j'ai hésité sur deux jeux. Le premier, c'était Kingdom of Amalur, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le jeu. Ouais. Et au final, j'en avais mis deux, mais le premier, ça restera Dishonored. D'accord, là, ok, ouais, je me disais. J'ai rien besoin de dire, de toute façon, tout bien sûr. Ouais, non, c'est valeur sûre. C'était un vraiment super jeu. Le premier Dishonored fait partie, ouais, de mon top des jeux. Et le 2, moins, hein, bien sûr. Je crois un peu comme tout le monde, d'ailleurs. Clairement. Mais le premier, il est... Vraiment génial. En fait. Enfin, le jeu, je l'ai fini 15 fois d'affilée, je crois. Il est vraiment super. Du coup, on était sur Skype, c'était à l'époque, Yader, et justement, on parlait, c'était l'un des premiers jeux où, en fait, littéralement, on se filait des tips pour savoir comment faire, et lui, je crois que sa première run, il a décidé, genre, faire sans tuer personne. Ouais, la run pas marrante, mais dès le début. Ouais, la run ghost, moi, je l'ai fait le premier run aussi, moi. J'ai fait un run ghost sur Dishonored. Mais tout le monde a fait ça, je crois, à part le mec qui aimait pas le fun, et du coup, on veut, je vais tout taper. Oui, bien sûr. Ouais, salut The Mouette et Cat Insanity, salut les gars, on vous a pas dit bonjour parce qu'on était dans notre truc, mais... Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on a en 2012, il y a Cat Insanity qui dit justement XCOM. Oui. XCOM, évidemment, Enemy Unknown. Moi, c'était dans mes mentions honorables, c'est pas ça que je vais retenir de 2012. Enfin, si, je vais le retenir, mais je veux dire, c'est pas ça que je vais noter. L'autre truc qui dit Sniper Elite et Sleeping Dogs. Sleeping Dogs est très bon aussi, Far Cry 3. Hotline Miami, qui a été mis. Ouais, Hotline Miami, et ben justement, moi, écoute, vu qu'il vient d'être mis, c'est mon jeu de 2012. Et il a marqué, je pense, assez tout le monde, tu vois, au niveau de son gameplay. Ouais, de son gameplay, de sa BO, enfin... Mais voilà, c'est surtout, en fait, au niveau... Il m'a enculé au niveau, vraiment, limite mouvement culturel. Il a foutu un gros coup dans la fourmilière du synthwave et du retrowave et tout. Et ouais, je me suis vraiment lancé dans plein de trucs après Hotline Miami. Et il m'a vraiment marqué. Donc c'est pour ça que je vais marquer. J'avais noté aussi, du coup, en mention honorable, XCOM Enemy Unknown, parce que c'est un de mes jeux tactiques préférés. Et Max Payne 3, parce que j'avais adoré Max Payne 3. Ouais, mais c'est vraiment Hotline Miami qui m'a éclaté. C'est le jeu qui a lancé la synthwave et qui l'a tué par la suite dans le 2. Bah oui, bien sûr. Ouais, il fait quelque chose de bien, quoi. Il y en a qui ont choisi Dragon's Dogma. Ouais, Dragon's Dogma, ouais. FTL, putain, c'est vrai qu'il était bien, mais... Lego Seigneur des Anneaux en 2012. Aussi, ouais. Mais ouais, FTL, ouais. Je comprends, par contre, que les gens puissent l'avoir mis en 2012. Ouais. C'est quand même un super jeu. Bah, ça fait quand même 7 ans, il y a quand même des gens qui jouent encore, quoi, c'est ouf. Bah, ouais, c'est ouais, ça, il y a... Et puis maintenant, qui joue au MMO Lokshin, certes, mais... De quoi? Bah, le Dragon's Dogma Online. Ah ouais. Non, on peut en parler de Faster Than Light. Ah pardon. Ouais, mais oui, Dragon's Dogma aussi est un super jeu, mais je pense que FTL a touché plus de gens que Dragon's Dogma quand même. Je pense. Bah, surtout par chez nous, en fait. Bah oui, surtout par chez nous. Ouais. Oui. Mais écoute, vas-y Momo, 2012. Fais-nous rêver. Moi j'ai mis Mass Effect. Yes. Impeccable, superbe. C'est le premier Mass Effect en 2012. Bah non. Bah non, le premier est sorti bien plus tôt, non? Bah oui, ouais. Le premier de 2012. Non, c'est Mass Effect. Non, c'est pas le 3. C'est le 3, bah mets moi aussi le 3 parce que c'est pareil, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord, ok. C'est vrai que j'ai pas fait, moi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste... Alors après, si j'ai mis le 3, c'est parce que... comment dire c'est parce que... cette année-là, c'était le 3 qui était sorti. Oui. Le 3 est sorti en 2000. Bah tiens. Ah oui, t'es fan des Mass Effect en général? Et ouais, Mass Effect, c'est vraiment une de mes sources préférées. Ouais. Et le 3, je sais que beaucoup de gens lui chient dessus. C'est ce que j'allais dire après, mec. J'allais vraiment. Ouais, t'allais l'enculer, mais. Bah, ouais, non, clairement. J'adore ce jeu, peu importe. Je sais pas. Alors, on sent bien quand même que. La différence. Si vous faites le 1 direct après, vous passez sur le 3. Ouais, ça se voit, quoi.
mon gars, tu vas toucher. Ouais. J'ai quand même kiffé, quoi. Justement, après, je pense que si j'ai autant kiffé, c'est aussi parce que j'adore la licence. Et que, bah, du coup, ça malgré tout, alors, c'est un peu controversé de dire ça, mais le jeu finit l'histoire, quoi. Oui, et ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant aimé. Un peu comme Adwim et Fear 3, je pense, d'une certaine manière. C'est pas le problème que ça se finisse, c'est vraiment comment ils l'ont fait, quoi. C'est une de mes plus grosses déceptions de 2012 et j'ai hésité entre soit ça, soit Dishonored. Mais ça m'a tellement... Parce que l'aventure, tu vois, je l'ai kiffé, c'était vraiment bien. Attends, Mass Effect 3, il est en même temps ton jeu préféré de 2012, mais ta plus grosse déception de 2012. C'est ma plus grosse déception, c'est parce que t'avais demandé les jeux qui marquaient le plus, et Mass Effect 3, c'est celui qui m'a le plus marqué, quoi. Ouais, mais quand on dit marqué, c'est quand même positif, poto. Ouais, c'est pour ça, j'ai hésité entre les deux. Donc tu préfères Dishonored, quand même. Ouais, bah ouais, Mass Effect 3, il m'a vraiment marqué de ouf, hein. Encore aujourd'hui, je le déteste, hein. Je me suis senti trahi à la fin. Donc je mets quoi dans ta case de jeu préféré de 2012? Je mets pas Mass Effect, du coup, je mets Dishonored, non? Ouais, bah oui, bah vas-y. Ok. Le mec, il est blasé, lui, il aime de ces trucs, quoi. T'es à Bazzi qui parle de Tribes Ascend aussi. Tribes Ascend qui était, qui brillait par son multi, mais qu'ils ont ruiné en limitant la vitesse. C'est dommage. Ouais. Comme ça tient un peu de choses, ouais. Putain, mais enculé. Bonsoir mes louloutes préférées, qu'est-ce que ça dit ce soir? On est en train de faire, comme la liste que font les gens sur Twitter, la liste des films qui les ont le plus marqués dans cette dernière décennie. Et nous on fait pareil avec les jeux vidéo, Elden Lino. Donc si jamais t'as envie de participer avec nous, hésite pas, là on vient de finir l'année 2012. Pas encore, Ludo. Hitman, par contre, Absolution, je peux pas. Non, pareil. Dishonored, je suis d'accord avec toi et King Games, mais j'allais dire Kingsman. Mais Hitman Absolution, putain, miss me with that gay shit, quoi, vraiment. Je peux vraiment pas. Attends, je vais mettre. Putain, ils vont chier ces chansons-là, ouais, attends. Non, pour le cas Mass Effect 3, c'est vraiment. C'est dur, c'est vraiment sentir trahi par un univers que t'aimes, ça fait mal, quoi. T'as fait l'extended cut ou quoi? Ouais, je l'ai fait bien plus tard, hein, sur PC, quand j'ai pu tout choper. J'ai fait Day One, moi. Mais ils étaient très bien, c'était très cool. Mm. Et du coup, c'était avec les versions de fin changées. Mais ouais. Je peux pas enlever de mon cerveau et de mon cœur la première fin, c'est pas possible. Ouais, il parle avec son cœur, c'est beau. C'est la première fin, c'est avec les couleurs, c'est ça? Ouais, on m'a craché à la gueule, quoi. Ouais, je comprends. Je l'ai pas fait encore le 3, mais peut-être que j'essaierai de le faire quand même. Parce que, à partir du 2, en fait, j'ai lâché, moi. C'est vraiment le premier. Dans le premier, j'avais vraiment le côté vieille série science-fiction des 80. Ouais. Tout le monde en collant. Les dernières armures, c'était des collants couleur camouflage. Ouais. J'ai vraiment kiffé ça. Après, le 2, c'est qu'il est vraiment très terre à terre et très. Bon, dès que j'ai vu qu'il y avait des munitions, je me disais putain, mec. Et très humain dans le sens construction, tu vois. Genre, c'est très gris, très métallique. Ouais. Ça se ressent, tu vois. Alors, attends, il y a beaucoup de gens qui partent de 2013. Et on a Assassin's Creed 4. Et bah, si, on y est, là, on va y passer là. Mais non, il parlait encore de Vemol. Oui, non, mais là, j'ai dit juste avant, si on en parle, je vais passer des années, donc on peut. 2013, c'est parti. On a du Metro Last Light, on a du PD2, Pokémon XY, MGR sans contexte, Tomb Raider. Le 2010 de Ruru, je suis totalement d'accord, ce jeu c'est le sang de la veine. 2012, 2011 de Yadar, en effet, c'est un excellent jeu qui est beaucoup trop sous-côté. C'est quoi 2000? Ah oui, elle est noire, ouais, ok. Metro Last Light, GeoGuessr, bien sûr. The Last of Us, ok. Il était très sur les jeux Pokémon. Ah si, ça m'étonne. Bah non, mais si tu veux, genre c'est. Après, c'est pas on n'en parle pas souvent de Pokémon sur les mêmes. Ouais. Je le suis de plus en plus, moi, sur Pokémon. Et en fait, c'est depuis que Scad m'avait vendu sa 3DS et il m'avait filé Ruby Omega avec. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas, parce que j'avais jamais fait vraiment un Pokémon avant. Et depuis que j'ai fini Ruby Omega, en fait, je suis vachement attiré par les autres jeux. Donc, je peux comprendre que XY soit dans tes tops, si tu les connais pas. D'ailleurs, ouais, faudra que tu me conseilles sur quel Pokémon a le plus de contenu. Parce que j'ai envie de m'y mettre, mais j'ai envie d'avoir un truc assez solide. Sur 3DS, de toute façon, hein. Bah, je sais pas, justement, de toute façon, il y en a qui sont un peu plus fournis. Bah, il me semble que c'est plus ou moins exponentiel jusqu'à maintenant, et que c'est sur 3DS, ce sera le meilleur compromis que t'as avant de passer à la Switch, je pense, non? Enfin, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique, en tout cas, ce que j'ai vu, moi. Bah écoute, tu sais quoi, au pire, de toute façon, on en parlera après, c'était juste... Oui, bien sûr. Bref, 2013, hop, c'est parti, Spider, vas-y. Moi, j'ai pas le choix.
Vas-y. C'est Killer Instinct. Killer Instinct, yes. C'est sans de la veine, ça. Il y a toujours pas de Donnie que sa mère. Non, mais le problème, c'est que Killer Instinct, du coup, c'est tout le monde pourrait se dire, ah, oh, c'est juste un jeu de combat. Alors déjà, non, c'est musiques, pas que. Non, musiques, c'est pas que. Les musiques par Mick Gordon, déjà, voilà. c'est le seul truc que ça fait trois portables que je change. Ça fait trois portables qu'il y a toutes les mêmes musiques dessus. C'est con que celle de Cell Dweller soit moins travaillée. Ouais, j'aime beaucoup Cell Dweller. Bah ouais, c'est con parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, Cell Dweller. Mais il est tellement au-dessus, Mick Gordon, là-dessus, que. Ouais, il a vraiment tout éclaté, quoi. Mais du coup, ouais, voilà, c'est. Et parce que c'est. J'arrivais à accrocher à aucun jeu de baston jusqu'à Killer Instinct. Et Killer Instinct, depuis, en fait, ça m'a élargi tellement d'horizons au niveau du jeu de baston. C'est trop. Connard. D'horizons, ouais. Mais depuis, voilà, jouer à MKX et tout, parce qu'avant je pouvais pas blairer les jeux de baston à part Marvel vs Capcom. Et c'est vraiment le jeu qui m'a ouvert tout un genre. C'est marrant parce que Killer Instinct, justement, il est super rigide, il accueille vraiment pas la nouveauté, quoi. Enfin, les nouveaux joueurs sur Killer Instinct, ça doit être vraiment confondant, quoi. En fait, le problème, c'est que c'était à la saison 1, j'ai pas pu, genre, je pouvais pas y jouer parce que je comprenais pas comment fallait faire. Et j'ai commencé à jouer avec Riptor. À la saison 2, du coup, le Velociraptor, là, et en fait, je sais pas pourquoi, toutes les commandes me sont venues instantanément, et ça passait tout seul pour tous les autres. Je sais pourquoi, c'est parce qu'il est très simple, Riptor, il est très simple et très fun, genre. Bah ouais, mais du coup, après, tous les autres persos, ça allait, quoi, je pouvais y jouer. Ouais, 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 ça a été ton introduction, quoi. Ok, et bah écoute, Killer Instinct, c'est validé par moi aussi, donc je te permets de le garder. Voilà. Vas-y, Momo. Alors du coup en 2013 j'ai mis Black Flag et je pense pas avoir besoin de... D'accord, non, mais t'es pas seul, hein, Ludo aussi. Oui, j'en ai vu plein dans le chat. Aussi, ouais. Puis, vu qu'on en a reparlé tout à l'heure aussi. Et on en a déjà parlé tout à l'heure, donc je pense pas. Il y a quelqu'un qui a mis Bioshock Infinite. Ouais. Il peut, hein. Ouais, non, il peut, mais c'est chaud quand même. Ouais, ouais. Voilà. Mais en mention honorable, j'ai aussi mis Call of Juarez Gunslinger. C'est vrai qu'il était vraiment génial, Gunslinger. T'es boulonné. C'est un des rares jeux, ça m'est arrivé de temps en temps, mais Gunslinger, je l'ai vraiment refait dès que je l'avais fini. Genre, ouais. je l'ai fait en un sitting, parce qu'il est assez court, je crois qu'il a fait 6 heures. Et je l'ai refait juste derrière, je l'ai fait 2 heures, je l'ai fait 2 fois en fait, en une session. Parce qu'il était vraiment, vraiment super. Bah si, par contre, il soulève des trucs. 2013, c'est Bioshock Infinite, RE6 et DMC Devil May Cry, ouais, pire année. Oh la vache, c'est chaud de ouf. C'est vrai que 2013, c'était un petit peu la descente aux enfers. Ouais. Il y a un gars qui FIFA 14. Je vais rajouter à ça que 2013, c'était Splinter Cell Blacklist. Oh, voilà. C'est vrai, oh putain, c'est chaud ça. c'est chaud. C'est ton jeu préféré, là, c'est bon. 2013 a tué ma série préférée, c'est vas-y, super. Vas-y, Yadar, dis-moi, vas-y, pour rattraper, c'est quoi ton préféré 2013? C'est The Last of Us, parce que... Bah, rien que le début avec le choc psychosomatique de la fille. Bon, oh, tu utilises des termes, tu sais tellement pas à quoi ils servent pour toi. Il m'a enculé le début du jeu, enculé, j'ai chialé comme une tapine. Giga Madeleine. Ah, truc de ouf, mec. Ah, il m'a pété. Le début du jeu, il m'a pété. Les 30 premières minutes du jeu, t'as ça, tu fais oh les gars, oh non. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Le jeu, du coup, bah moi j'avais pas de PS3 à l'époque. Et en fait, j'avais juste vu une vidéo, let's play, et ça m'avait fait chialer alors que j'y jouais même. Non, mais oui. Et ça vient surtout, je pense, du voice acting, de la direction qui est vraiment très très bien. Et ouais. Du coup, ça prend vraiment aux couilles. Mais ouais, je valide aussi. Ouais. Très bon jeu, The Last of Us. Il y a beaucoup de gens qui ont craché dessus, mais c'est vraiment pour rien, quoi, parce qu'il est. Bah ouais, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment un très bon jeu. Ouais. C'est un jeu de Gwyn. C'est pas le 2, c'est quand elle est avec sa pote Black, le DLC, là. Pardon, ouais, le DLC. Celui-là, c'est un jeu de Gwyn, ouais. Mais sinon, avant, ça va, c'est clean, mec, hein, tu peux y aller avec tes enfants et tout. Avec ta compagnie chrétienne et tout. Salut B44, d'ailleurs, bonjour à tous les chrétiens. 2013 pour moi, et c'est marrant, je pensais que qu'au moins Spider ou Yadar allait le mettre, mais c'est Metal Gear Rising. Revengeance. C'est beaucoup trop difficile entre KI et MGR. Ouais, ouais, mais rien qu'au niveau des bandes son, si tu veux, ça se vaut énormément. Bah, c'est vrai. La bande son de MGR étant vraiment, enfin, c'est un truc de malade mental. Et oui, le gameplay, il m'a éclaté. Enfin,
J'ai vraiment adoré le jeu, et puis en plus ça doublait sur un jeu, enfin sur une série de jeux que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup MGS, donc c'est vrai que même si c'est pas du tout scénaristiquement, ça vaut que dalle. Ça m'a vraiment plu. MGR m'a vraiment plu, quoi. Il était vraiment cool. Il y a beaucoup de memes qui sont sortis aussi. Ouais, et puis en plus MGR, je pense que ça a été, c'est pas la seule source, hein, mais une des sources qui ont mené les gens à se pencher un petit peu plus sur les character action game. Comme MGR, comme Bayonetta, enfin comme Platinum en fait en général. Donc c'est pour ça que ouais ça m'a bien marqué, ouais, carrément. Du coup, quand ça parle de 2014, Nekopara, Dark Souls 2, GTA 5, Alien Isolation, Dragon Age Inquisition, Wolfenstein New Order. Divinity. Vous avez tout store à part Deadpool. Dark Souls, ouais. Ouais, carrément. Bah justement, allons-y, 2014, c'est parti. Alors bah du coup moi j'ai été c'est fait un peu bâtard, mais du coup c'est The Binding of Isaac Rebirth. Ouais, je comprends. Mais c'est un peu bâtard parce que du coup au final c'est comme un remake de Binding of Isaac, mais ouais, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup vraiment celui-là il m'a tenu dans les veines. On a Diablo 3 Reaper of Souls aussi, c'est très bon, je pense que c'est pas mal aussi comme truc. The Evil Within, Wasteland 2, ouais, et l'ombre du Mordor. Shovel Knight, dis donc. Ouais, Shovel Knight, c'est putain, c'est un putain de jeu, ceci. Et Dark Souls 2 encore, j'ai vraiment pas aimé Dark Souls 2, moi. J'ai juste oublié, mais pour 2013, il y a la saison 2 de The Walking Dead qui est sortie, le jeu, hein. Ouais. Et il y a un moment, c'est au début, je crois, où t'as une petite fille avec un plan très rapproché de son visage qui se prend une cartouche dans la tête. Oui. Et depuis, c'est pas une blague, mais depuis, dès que je vois un plan de près, je suis stressé. T'es vu en comédie romantique avec une meuf qui a pas ta soeur embrassée. Marqué, le mec, marqué, quoi. À cause de ça me. Et pourtant, c'est juste une vidéo que j'avais vue, que je regardais, parce que c'est un truc de. J'ai une autre vidéo qui m'a marqué comme ça, moi, mais ça m'a rien à voir. Et ça m'a niqué de. Ça m'a niqué. Il y avait des grands-pères qui étaient dans une salle. C'est quand. Comment elle s'appelle, Sacha Grey, elle lèche les chiottes. Non, bah c'est en rapport avec les chiottes, mais c'est pas Sacha Grey. Non, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo là où. Je sais pas pourquoi, j'ai déjà mal et je sais même pas ce que tu vas dire, mais j'ai mal. Ah bah, non, mais surtout toi, ouais. Mais je sais pas, c'était un webm de genre des chiottes d'autoroute, tu sais. Et le mec, ouais, il soulève la lunette des chiottes et t'as genre. Ah putain! Avec toutes les araignées là! Ah, et bah, à chaque fois que je vais aux chiottes, je soulève la lunette pour vérifier. Ah putain, je pensais que t'allais parler de la vidéo du mec qui se casse un bocal dans le cul. Non. Parce que celle-là aussi, elle m'a éclaté un petit peu. Mais ouais, c'est avec les araignées là, mon gars. Ouais, non, j'avoue. J'y vais aux toilettes, je soulève les lunettes. Ah, mais ça choque à vie, hein. Franchement, c'est vrai, on sait jamais, t'as raison. Allez, Momo 2014. Wolfenstein, j'ai pas besoin de le dire. Eh bah, écoute, je vais remplir nos deux caisses, parce que moi aussi, j'ai Wolfenstein The New Order. Ouais. Et en mention honorable, j'ai mis Legion of Rus quand même. Ouais, oui, carrément, ouais, ouais. Ouais, forcément, toi il est là, toi, il est ancré, toi. Ouais. Mais si je devais en choisir qu'un, ce serait quand même Wolfenstein, puisque il est dangereux. Même si j'adore le jeu, mais enfin, il y a quand même pas mal de choses qui font chier avec, tu vois. Sur Wolfenstein, Elite Dangerous. Ouais, ok, d'accord. Et genre, j'ai une relation un peu particulière avec, tu vois, mais... C'est abusif. Film, en fait. Ouais, je comprends. Enfin, comme tous les joueurs de Elite Dangerous, tout le monde est d'accord pour dire que le jeu est très bon, mais qu'en même temps... Ouais. Il a ses défauts, quoi. Et aussi, juste que je suis fasciné par le jeu, son univers et son histoire, mais si je devais en choisir qu'un, ce serait quand même Wolfenstein. Il y a Basilic qui a mis Transistor, et j'ai pas fini Transistor, mais c'est vrai que c'était un putain de jeu aussi, ouais. J'ai fait juste le début, et rien que quand j'ai vu qu'on pouvait siffler, je sais pas pourquoi le jeu, et je me suis dit, putain, ça c'est un bon jeu, ça. Tu sais quoi, c'est un bon jeu, ça. Et il y a eu Wasteland 2, mais Wasteland 2, j'ai pas assez joué pour que je le mette dedans. Et bizarrement, j'ai relancé ma save de Wasteland 2 il y a pas longtemps pour voir où j'en étais, et je suis assez loin dans le jeu, mais je m'en souviens pas du tout. donc j'ai pas. Tu vois, non. Wasteland 2, non. Pourtant, c'est un très bon jeu, hein, mais non. Ouais. Vas-y, Yadar, 2014. Moi j'ai mis Outlast Whistleblower parce que ce jeu a littéralement failli me tuer. Putain, donc, tu m'étonnes. Ah, et moi aussi j'adore les trucs qui me tuent. Yes. Non, mais j'étais en train de jouer chez moi en pleine journée, tu vois, dans ma chambre, et j'ai fait un arrêt cardiaque quasiment.
Enfin, voilà. Mais, hein. mais Yannar, attends, j'essaie il quand même. Il a pas compris le principe. Voilà, oui, tu sais quoi, ce qu'on fait ou bien. Oui, non, mais j'ai kiffé, hein, j'ai kiffé de ouf. Ah, bah, hein. C'est super, ouais, l'expérience de mort imminente, j'adore aussi, moi. mais bon. Non, mais c'est un des jeux qui m'a le plus marqué. D'accord, en okay. bien. Avec, okay. avec l'histoire qu'il y a avec, mais non, c'était très DLC, bien. C'était très bien. Ça fait crever. Ça finissait le jeu de base qui était excellent et. Ouais, la boucle était bouclée, c'est trop bien. Ouais, je comprends. Yes, bon bah écoute, 2015, vas-y Spider, fais péter là. Bloodborne, pas de question. Bon, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup à avoir d'explications. Il y a personne qui a voté Bloodborne dans le chat et franchement, ça me fait mal. Mais il faut. C'est compliqué, il faut une PS4 quand même. Ça pince mon petit cœur. Mais c'est dur quand c'est les exclus quand même. C'est bien plus dur de voter pour une exclu que voter pour autre chose, mec. Hein. Quand même, à vous. À vous. Non, j'avoue rien. Tiens. Ah, tout de suite là. PD, tiens. Et du coup, il y a l'air, c'était Bloodborne aussi Non, ok, d'accord. Bah, vas-y, Momo avant alors. Moi, c'est. Ouais, pourquoi t'as dit ton propre nom? Momo, le Pokémon, quoi. Alors, Momo a choisi Ori and the Blind Forest. D'accord. Momo a aimé. Parce que... Enfin, ce jeu est parfait, quoi. Il est chialant à souhait, il est magnifique. J'ai pas fini non plus, hein. Putain. Mais mec, faut que je me bouge le cul un peu, moi. Faut que je fasse les jeux que t'as aimé, faut que tu fasses les jeux que moi j'ai aimé. Ouais. Y a... Attends, juste au pire, on va faire ça. Tous les deux trucs, on prend l'avis du chat. Si tu veux. Oui, si tu veux, ouais. Non, y a quoi? Y a Dying Light, Hotline Miami 2. 2. Totalement incident. J'en ai vu 2-3. Hatred. Vermintide. Ouais. Rayman Adventure. Ouais. C'est vrai que c'était un putain de jeu, ça bah, aussi. Attends, Rayman Adventure, c'est lequel? C'est sur portable, Adventure? Non, c'est Legend et... Ah oui, Legend, ah merde, oui, ah, bah peut-être qu'il a aimé un jeu sur portable, c'est possible aussi. C'est vrai que je me suis pas penché dessus, mais par exemple, il sortit quand, Reigns sur, c'est vrai, on a pas pensé au téléphone. Tu vois, il est sorti en 2016, Reigns. Donc, j'aurais peut-être pu mettre Reigns d'ailleurs en 2016, mais bon, on verra plus tard. Non, en 2016, il y a autre chose. Vas-y, ouais. Ah, moi, j'ai mis The Witcher 3 qui m'a piqué énormément de temps de ma vie, donc... Ouais, surtout toi qui aime bien... chaque fois qu'il y a un point d'interrogation, t'es dedans, quoi. Ouais. Je comprends. C'est tellement bien en même temps, en plus. Ah, du coup, c'était bien Legend. C'était bien Legend, ok, d'accord, ok. Très bon aussi. Et moi, en 2015, bah, j'ai mis, comme tout le monde, MGS5, hein. Parce que, bah... je l'ai précommandé, c'est un des rares jeux que j'ai précommandé. Et l'attente, quand minuit a sonné et qu'on pouvait enfin y jouer, mais qu'il y avait des trucs à télécharger et tout, l'attente avait été insupportable. Et Poons, on n'arrêtait pas de s'engueuler parce que je passais mon temps sur MGS, quoi. On faisait que ça. Et puis en plus, on y était tous. Je me souviens qu'on était tous sur MGS5 sur PC à ce moment-là. Et du coup, on était vraiment tous dedans. Les spoilers, c'était. Il y avait un genre de comment? D'engouement autour du truc, on essayait de pas spoiler, mais on essayait de se parler quand même, machin. Je sais que Whisky a pas eu de vie non plus. Je crois que j'avais été. En fait, j'ai été resté debout. Parce que moi, en fait, je savais que j'allais l'avoir pour mon anniv, mais du coup, il fallait que j'attende 10 jours. Et si tu veux, enfin, j'étais resté debout quand vous l'attendiez. Et putain, c'était. C'était bon, allez, il reste encore quelques minutes. Et ça se calme, genre, qu'elle me dit, genre. Je crois qu'il allait lancer, genre, le film MGS4 en attendant, un truc du style. Ah ouais. Ah, il avait pas pu y jouer directement lui non plus, ouais. Donc, allez, 2016. Donc, on a de quoi déjà en 2016 là, vite fait, juste avant. Total War Warhammer, XCOM 2, Titanfall 2, Doom, Persona 5, Doom, Yakuza 6, Punch Club. Putain, je croyais que j'étais le seul à avoir joué à Punch Club, dis donc. Il est vraiment super cool, Punch Club. Ouais, en top non plus, mais il m'avait vraiment fait kiffer, Punch Club. C'est le genre d'histoire que j'aime bien, genre le mec qui commence dans un appart de merde, tu sais, et qui va faire des combats underground. Ouais, je trouve ça génial, ouais. Hitman, XCOM, Doom... Voilà, ouais, Mafia 3... Non. Mafia 3, je suis pas trop d'accord. Celui qui nous sort un Pokémon Go, j'assiste 3 générations. Grop, il était bien. Grop, c'est vrai qu'il était bien. Je l'aurais pas mis dans le top, mais j'avais bien aimé Grop. C'est une belle petite expérience aussi, ouais. Ça me dit un truc, The Witness. The Witness, c'était le jeu du mec chauve là. Ouais, c'est un jeu. C'est le mec qui avait fait. Putain, il avait fait quoi avant ce qu'on a? Ah oui, c'est pas lui qui avait fait. Merde.
Attends, parce qu'il était dans la vidéo avec Phil Fish et justement l'hôte de Super Meat Boy. Bread. C'est ça. Il avait fait Bread. Ça parle de quoi? Attends, je sais, vois, ça parle de rien, c'est juste un genre de puzzle, espèce de voyage introspectif. C'est l'île au puzzle, ouais. C'est ça, ouais, l'île au puzzle. C'est littéralement ça, mec. Hein. Ouais. Persona 5, Mafia 3, je l'ai bien aimé. J'ai pas aimé Mafia 3. J'ai réessayé récemment. L'histoire était sympa, tu vois, mais il y a trop de trucs chiants, quoi. Ouais. Vas-y, spoiler, commence. Oh putain, en plus, il y a du Wind Waker qui passe derrière. Vas-y. Je pense que tu vas pouvoir écrire le tir en même temps. C'est Hitman. Ouais, bien sûr, Hitman. Hitman qui, même si, voilà, même que tout ce que vous avez dit, j'ai pas mis Doom, parce que Hitman m'a bien plus marqué que Doom. Doom est un jeu vraiment très bien, il est vraiment super comme jeu, c'est un de mes tops, mais Hitman m'a vraiment plus bouffé de mon temps, et j'étais bien plus intrigué par Hitman. Bien et plus par... de liberté aussi. Bien, bah déjà, ouais, bah carrément, et puis tout l'expression du joueur par rapport au jeu, j'en parle souvent ça, de l'expression, mais Hitman te permet vraiment plus de t'exprimer que Doom, c'est tellement rapide et tellement vénère que c'est limite un rail shooter. Mais bien sûr, Doom en mention honorable, parce que c'est Doom et que je suis fan de Doom, quoi. Mais Hitman quand même, ouais, Hitman quand même. Vas-y, Momo. Mankind Divided pour moi. Deus Ex Mankind Divided, qui a aussi divisé la player base, parce qu'il y a tout le monde va pas être d'accord avec toi. La fin, elle m'a saoulé. Mais je pense que tous ceux qui l'ont pas aimé, c'est des gros cons communistes. Allez, mange. Mais ouais, je trouve que c'est juste comment dire, Human Revolution mais en mieux, quoi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé moi aussi Mankind Divided. Je suis d'accord avec toi, ouais. Il est génial comme jeu, quoi. Je suis d'accord pour dire que la fin soit chiante parce qu'elle arrive trop tôt, en fait. Mais enfin voilà, il est beaucoup trop bien. Ouais. En termes de liberté, comme vous disiez par exemple. Ah non, c'était cool. Alors c'est pas la même que Hitman forcément. Ouais. Mais même en termes de level design, le fait que tu puisses, comment dire, appréhender tes missions, tes cibles, etc., vraiment de n'importe quelle manière que tu ouais. souhaites. Mais Deus Ex, permet beaucoup d'expression de la part du joueur. T'as vraiment plein de façons différentes d'appréhender n'importe quel problème. Et c'est vrai que Mankind Divided a vraiment doublé la possibilité par rapport à Human Revolution. Et il y avait des trucs sympas, genre. C'était quoi? C'était un genre les augmentations à moitié interdites là, non? Qui te faisaient surchauffer et tout. C'était sympa, ouais, ça. C'était une bonne idée, ça. Ouais, c'était vraiment cool. Vas-y, Edar. Et moi, c'est Uncharted 4. Uncharted 4. Et c'est quoi, Thief's End, c'est ça, non? Ouais. Ok. De toute façon, je l'ai streamé le soir et au mat, genre à midi. Je me suis levé, j'ai streamé. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est la fin d'un truc, c'est trop bien, quoi. Tu sais, j'ai toujours pas fait en entier, j'ai fait juste le début de Uncharted 1, le début d'Uncharted 2, et c'est tout. J'ai pas fait le reste, moi. Il aurait fallu, J'ai pas fait le 1, je crois. Mais 2, 3, 4. Ouais. Alors, 2017, ça parle de quoi déjà, là? Divinity Original Sin 2, Horizon. Ouais. 2017, je trouve que, bah t'inquiète, on va trouver ensemble, tiens, Spider, vas-y, fonce. 2017, et bah moi c'était facile, c'était R7. R7, putain, quel jeu. Tellement attendu. C'est quand je marque en entier. Pour moi, c'est vraiment la réinterprétation d'un Resident Evil, mais comment dire, à l'époque moderne et bien fait, quoi. Je suis d'accord. Et c'est vrai que Resident Evil 7, c'était vraiment particulier parce que quand il est sorti, c'était vraiment très déroutant le fait qu'ils soient en FPS. Mais si t'imagines que le jeu a des angles de caméra fixe, c'est vraiment un Resident Evil pur, quoi. Y a rien de plus proche que les Resident Evil de base, quoi. Et attends, ça dit quoi sinon? Ça dit Evolution 2, Vanquish, parce qu'il est sorti pour de vrai en 60 FPS, putain, tu m'étonnes. Il y a Dishonored, Death of the Outsider, le reboot 2, Gravity Rush 2, Zelda, South Park, l'Anneau du Destin, Nyon, At In Time aussi, j'ai pas fait At In Time. Il était simple. Alors 2017, je me fais revenir, mais Call of Duty World War 2, Fire Pro. Oh, Fire Pro Wrestling, c'est vrai qu'il était bien, Fire Pro Wrestling. Titanfall 2, ouais, ok, je vois. Non, même pas, Yadar, je vois bien du Nier Automata. Bah, il a streamé de toute façon, hein. Ouais. Donc, Ah, non. Ça, c'est chaud, franchement. Encore Dante's Inferno, on pouvait de vanner, mais là, personne le vanne sur Nier Automata, mec. et du coup, Momo, vas-y, fonce. Oui. Momo Momo Wolfenstein New Colossus.
Ok. La pute. La pute. Attends. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai tout pété. Ok, Wolfenstein. Tout en caps. Merde. Non, pas TNO. The New Colossus. Colossus. Avec un visage qui est pas content. Et voilà, et ça dépasse en plus. Et pourquoi, et Momo, est-ce que c'est parce que t'es résigné ou c'est parce que tu l'as vraiment aimé? Est-ce que c'est parce que je l'ai vraiment aimé? Mec, ok. Je l'ai torché le jeu en une journée, je crois. Ouais. Enfin, j'ai kiffé. Alors, je suis d'accord pour dire que le jeu a plein de défauts, mais en termes de gameplay, les sensations et tout, j'étais vraiment à fond, quoi. Mais c'est vrai, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et j'ai réévalué ça quand je l'ai retesté un petit peu récemment. Et c'est vrai que, bah, à part quelques personnages et à part bah, la ligne comment narrative, ça va, quoi. Bah ouais. Donc, mais moi, c'est surtout le hub, ça ouais. M'a cassé les couilles. Mais je sais pas, et on en avait un aussi on dans, en a reparlé, mais dans New Order, et ça gênait personne. Mais dans New Order, c'était facile. Il est tellement anecdotique. Dans New Order, t'as deux étages, une porte, quoi. Ouais. Donc, t'as trois étages, t'as à peu près trois trucs qui reviennent sur des propres pas. T'as des raccourcis pour aller à d'autres salles, t'as des chambres. Mais d'accord, non, mais vous avez le sens d'orientation du quoi des... Mais oui, mais bien, il est là le problème. Si j'avais un bon sens d'orientation, j'aurais pas de problème, Momo, enfin. Réfléchis. Voyons. Bah oui, bah, il vient pas de vous. Mais du coup, voilà, on a pas aimé le jeu pour ça, c'est tout. Parce qu'on a des problèmes avec ça. Mais moi, déjà, l'idée d'un hub, déjà, ça me saoule. Et le fait d'ailleurs qu'il y en a un dans Doom Eternal, ça va me saouler. Ouais, mais j'ai vraiment pas envie de voir le Doom Marine en train de faire les tâches de la vie de tous les jours ou en train de se marier, ça m'intéresse vraiment pas, quoi. Ouais. Ça va niquer le personnage. Je suis sûr ils vont trouver un moyen de niquer le personnage. Mais oui non mais je suis d'accord, c'est vrai qu'au niveau du gameplay New Colossus il est impeccable, hein. À part le boss de fin. Vu qu'il y en a pas en fait, bah ouais, il y en a pas. Ouais vraiment. Bah ouais. Mais bon. Oui non, c'est un bon jeu quand même. Ayadar. Moi c'est Yakuza 0, hein, parce que le jeu il est parfait, voilà, de bout en bout il est parfait, il y a rien à dire. Ouais, c'est vrai que Yakuza 0 est vraiment très bien, et il est vraiment supérieur à Yakuza Kiwami, et même Kiwami 2. Ouais, complètement. Ils ont les bastons sont vraiment super satisfaisants dans Yakuza 0, et Mais c'est pas un truc rapport aux Dragon Engine qui ont été mis en place à partir de Kiwami? Il a été mis à partir de Kiwami 2, le Dragon Engine. Bah, donc Kiwami 2 est assez jouable, tu vois. Mais Yakuza 0, vu que c'est une préquelle, ils ont pu moderniser complètement le système de baston, donc c'est super agréable. Mais Kiwami 1, c'est pas le Dragon Age encore, et ils ont rien touché à la baston. Donc c'est ouais. Extrêmement clunky, extrêmement rigide, et il y a vraiment Kiwami, j'ai pété des plombs sur le premier, il va vraiment péter les plombs. C'est dur, hein. Ouais, parce que là, Vimes qui dit j'ai toujours pas fait Kiwami 2, Kiwami 1 m'a fait grave ouais, chier. Non, Kiwami ouais. 2 va un petit peu mieux, tu vois, mais le problème c'est Kiwami 2, faut vraiment faire des grosses sessions dessus, et tu joues pas pendant une semaine, t'oublies tous les personnages, et ça me fait chier d'écumer les pages aussi, Wikipédia ouais. Pour savoir qui est qui, quoi, franchement. Non, mais ok, le truc, c'est le Dragon Engine pour le 6, mais c'est qu'on parle. Surtout. On parle de Kiwami, ouais. Il y a Slay qui dit ça me surprend de ne pas avoir vu Borderlands 2 en 2012 quand même. Bah c'est parce qu'on a mieux, hein, écoute. Ouais. C'est tout, hein. Moi j'ai même pas enfin, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas... Chamboulé. Ouais. Pour se fire Amon dans Kiwami 1 et 2, c'est chaud. Amon. C'est qui? C'est celui... C'est qui Amon? Je me souviens plus, c'est qui Amon? C'est pas le mec qui t'apprend les coups, là, non? Non, c'est... Moi je me suis un puits, bref, ouais, on s'en fout. Toi ton jeu. Et moi mon jeu pour 2017, je me suis beaucoup galéré entre les deux. C'était Breath of the Wild, mais finalement j'ai préféré mettre Divinity Original Sin 2, qui m'a boosté vénère sur les CRPG déjà de base. Et qui m'a, au niveau de la, des synergies et du combat, il m'a émerveillé sur des trucs, quoi. Il m'a vraiment bourriné. Il y a des combats où j'ai vraiment été hype de ouf, quoi. Parce qu'il se passait des trucs tellement incroyables que, ouais, Divinity Original Sin 2 m'a vraiment enculé. Du coup, c'est ça avec en mention honorable Breath of the Wild qui est un masterclass de game design. Donc voilà.
Donc 2018, on a quoi déjà de la part des gens? Il y a BattleTech, Into the Breach. Bah tu vois, Arcana, j'ai failli mettre Into the Breach aussi. Tellement il m'a marqué et j'ai vraiment bien kiffé. J'ai dû choisir entre ça et un autre. Ouais, et un autre. On a Monster Hunter World, bien entendu. Ouais, il y en a plein. Eldon Lino, il a balancé toute sa bibliothèque. Entre Red Dead 2, Detroit Become Human, Hitman 2, Overcooked 2, il a tout balancé lui. Frostpunk. Ouais. Red Dead 2, BF5, RDR2, Shadow of the Colossus. C'est vrai que le remaster Shadow of the Colossus, c'est impressionnant aussi. Ouais. Bien sûr. Ah, Kingdom Come. Kingdom Come, ouais, mais Spider, t'es pas assez mature, mais tu verras dans quelques années, tu t'y feras. Ouais, sûrement. Ouais. Bref, vas-y, 2018, impressionne-nous avec tes goûts de Patricien là. Spider-Man sur PS4. Il y avait pas d'autre, tu vois. Yes. Patriarcat photo là, c'est ouf. PS45, Spider-Man PS4, et ouais, non, mais bien sûr. De toute façon, je l'ai streamé le début, j'ai streamé tous les DLC. C'est gros truc de fanboy. Je l'ai enculé aussi, Spider-Man PS4. Hein. Une session. Je l'ai enculé, mais après, c'est clairement pas. Après, oui, toi évidemment, t'as un rapport très particulier avec Spider-Man. Mais, putain, bon, vraiment, le Spider-Man, ça dégoûte. Bah écoute. Le jeu est bien. Et je veux dire, t'as aimé Red Dead 2, moi je l'ai détesté. Écoute, hein, chacun ses goûts. Hein. Chacun ses dégoûts, hein. Ouais, voilà. T'as aimé Overcooked 2 alors qu'il n'y a rien de plus que le premier. Hein, Ouf. Non, mais il est bien. Il sent pas Overcooked 2, j'ai bien aimé moi aussi. Oh, le premier. Vas-y, Momo, 2018. J'ai mis MHW, mais. Bah, mais le mot pourra pareil. Hein. C'est parce que j'avais pas d'autres choix en fait. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on avait galéré pour 2018. Hein. Ah non, le jeu lui-même est cool, hein. J'ai pas le contraire, mais c'est juste que dans la liste là, c'est probablement celui qui va le moins marquer quand même. Ouais, ok. Ah, moi, mais j'avais mis aussi en mention honorable Monster Hunter World, tout comme j'avais mis Into the Breach et Monster Hunter Generation Ultimate, qui est sorti d'ailleurs en 2018. Et finalement, j'ai mis Red Dead 2, parce que pareil, j'ai adoré, je suis vraiment allé directement dans le jeu. Après, bien sûr, comme on a parlé tout à l'heure, il y a plein de problèmes avec le jeu, mais en le recommençant récemment, j'ai vraiment réévalué ce qui faisait que j'adorais le jeu, et j'ai réévalué ce qui faisait que je l'aimais pas. Et je pense que les points négatifs sont largement compensés par les points positifs, au moins pour moi. Et ouais, vraiment, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais difficile. C'est un chef-d'œuvre compliqué, RDR2. Donc voilà, j'espère tout, voilà. Non mais j'étais en train de me dire, j'espère que, Death Stranding va être aussi bien. J'ai toujours pas joué à Death Stranding, j'ai toujours pas. Je pensais le prendre en décembre, mais finalement, je pense que ça va être un petit peu chaud pour moi. Alors ça se trouve, j'y jouerai qu'en 2020, donc ça va être complexe pour moi, mais... J'ai pas fini encore. Ouais, d'accord, ouais. Mais RDR2, ce qui est trouvé bizarre, c'est que... Il a pas divisé autant les gens que je pense qu'il aurait dû, tu vois. Pardon. Non mais vas-y, fonce. Mais non mais parce qu'avec ce qu'il dit sur le chat, je pense qu'en 2019 ça va être très DMC5 qui y a pas. Non, tu sais pas. Non, c'est parce que moi je m'en fous par exemple. Il y a Judgment, il y a The Surge 2 pour Cast Insanity, Focus Home, les meilleurs, les seuls à qui vous faire confiance. Metro Exodus, Plague Tale Innocence, c'est un B4 manga qui fait la promo. Mon jeu il est bien. King Games qui dit Control, j'ai super bien aimé Control, il m'a vraiment grave plu. C'est un des rares jeux où j'ai vraiment lu tous les documents et que j'étais triste de voir qu'il me manquait les documents à des moments. Sekiro m'a gonflé, Kingdom Hearts 3, ouais. Je m'en fous. Hero de Remake, Death Stranding, j'attends de le terminer, pareil, ouais, je vois que t'es pas le seul, du coup, Yadar. DMC5, Hero de Remake, Kingdom Hearts 3, Death Stranding, The Outer World, Planet Zoo, Arcana, yes. tous des fils de pute sauf Focus, exact, Poléon. T'as raison. Sekiro, ouais, encore. Ok, allez, Spider. Ah bah, Devil May Cry 5. Devil May Cry 5, Devil... Il était tellement, tellement bien. Même si, pour ma part, parce que lui, Spider, il les a tous faits. Même si moi, c'est mon premier DMC, il était tellement cool à faire. Ouais, il est accessible, je pense, en plus. Vraiment, ouais, pour le coup. Et puis bon, bah, c'est que du bon moment sur du bon moment, quoi. Ça s'arrête jamais. Mais, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est ce que j'avais dit sur le Discord, je crois. C'est mon intro de jeu préféré de cette année, je pense, des années arrière. C'est trop bien l'intro.
Ouais, tu sais que j'ai toujours pas fait. J'ai une relation conflictuelle aussi avec DMC, mais je comprends qu'il ait pu plaire autant par contre. Ouais. Il est impressionnant, rien qu'au niveau du gameplay, il est vraiment impressionnant quoi. Ouais, non, non. Voilà. Vas-y, Momo. J'ai mis Borderlands 3. Borderlands 3. Ah ouais? Ah ouais. Et dans quelle mesure exactement? C'est le seul jeu de 2019 auquel j'ai joué donc. Oui voilà, c'est là qu'on avait parlé. C'est qu'il avait pas joué à des jeux de 2019, c'était le seul. Ouais, je comprends. Il y en a un qui est pour Goditeur, il est tout seul. Ouais, bah pauvre il pleure. Ah ouais. T'avais pas fait Metro Exodus, Momo? Non. Ah tiens, il a pas joué au métro, Momo. J'ai fait aucun métro. Ah merde, ah oui, c'est j'ai commencé 2033, mais je me suis chié dessus, du coup j'ai raté. Ah oui, c'est vrai que ça te saoule les jeux d'horreur. Et bah moi, pour Plague Tale, j'aimerais bien le faire, ouais. Si tu pouvais lâcher. Et du coup, pour Russienne. Bah. Ah oui, ouais. Évidemment. Voilà. Évidemment, Resident Evil 2, parce que bah, voilà, c'est tout ça, j'ai même pas expliqué, en fait, il est vraiment super, donc j'ai trouvé vraiment cool. J'ai même pas de mention honorable pour 2019, parce que c'est un peu pareil que Momo, en fait, j'ai pas joué à beaucoup de choses qui sont récentes. Ou alors, enfin, si, des trucs comme Ace Combat 7, Outer Worlds et tout, mais pas assez pour que ça vraiment me marque plus que ça. Donc, ouais, Resident Evil 2, que j'ai vraiment poncé, je l'ai fait tous les modes de diff. J'ai fait tous les parcours bis, etc. Donc je crois franchement, que c'est la première fois. Ouais. Quand même, c'est que quand on l'a pris, du coup, je t'avais dit de le prendre sur console. Mm-hmm. Et j'ai dit, bah comme ça, on pourra y jouer et tu pourras me le prêter. Et tu m'avais sorti, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et en fait, je comprends parce que du coup, je l'ai toujours pas quoi. Ah bah bien sûr. je l'ai enculé le jeu. Alors évidemment que. Mais en fait, évidemment. Je pense que ça me l'a gâché un peu. D'y jouer en stream, mais tu sais, genre à des. Puisqu'on a fait quoi? On a fait la première partie, je crois, et on a continué genre 2 mois après, 3 mois après. Et ça m'a un peu gâché le truc, je pense, de pas le faire d'un seul coup. Ouais, non, mais je comprends par contre, ouais. Je peux comprendre que ça t'ait saoulé, ouais. Alors attends, bouge pas, du coup, je fais le pôle, hein. Voilà. Vu qu'on voulait comparer. Ça va en vrai, hein. Nous, on a des bons goûts. Donc, dans la liste, je vois, comment dire, à part forcément The New Colossus où c'est divisé, je pense qu'on kiffe à peu près tous les jeux qui sont là. Ouais, carrément. Ça, et excusez-moi, je me suis gouré, j'ai oublié. Ah voilà, c'est bon. Vous pouvez voter du coup 1, 2, 3 ou 4, vous tapez juste 1, 2, 3 ou 4 ou alors vous tapez nos noms tels qu'ils sont écrits sur la fenêtre de vote. Et j'étais pas, putain il a voté pour lui-même l'enculé, ah ouais. Ah bah moi je vais voter pour Momo connard, tiens. Mais ça marche ou quoi là? Pourquoi ça marche pas? Moi je vais avoir un vote, ce sera le mien. Attends, ça marche pas, c'est quoi ce délire? Ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Merde. Ça ne monte pas. Attends, la génoise elle risque pas de monter. Attends, je recommence. Pour ceux qui votent 3, je vous vois, hein. Vous êtes... Attends, je recommence les gars, je recommence. Vous vous voyez. Ah, c'est des copains. Pourquoi ça marche pas? Attendez, c'est des... Il est con ou quoi le truc? Attends. Je suis bien connecté là, attends. Non, attendez, parce que c'est des problèmes. Normalement. Tac. Ah voilà, c'est bon, vous pouvez y aller les gars. Il y a déjà un vote pour Yadar. Ah. Tiens. Ok, donc 1 pour Spider, 2 pour Momo, 3 pour Ruru, 4 pour Yadar. J'ai inversé Yadar et Ruru, je suis désolé. Ou alors vous écrivez les pseudos, c'est ça? Ou alors vous écrivez le pseudo, vous pouvez écrire le pseudo, ouais, vous pouvez écrire les réponses. Mais c'est compliqué. Il y a Alain qui a bien mis Spider. Ça dépend vraiment des goûts. Il voit pas ta liste, Rufian. Comment ça, il voit pas ma liste? Avec ton cadre, il est au-dessus de la liste. Ah oui, merde, oui, bah là, ici, du coup. Hop, excusez-moi. Allez-y, prenez votre temps pour faire votre choix, hein. Ah mais oui, c'est vrai que je suis en 4. Oui, là, t'es en 4, par contre, ouais, j'ai inversé, je suis désolé. Bah, j'ai voté pour toi. T'as inversé, attends, vous voulez qu'on recommence encore? Attends. Non, c'est bon. Après, moi, je m'en fous, hein, j'y gagne. Donc... Pareil, ouais, là, c'est piété, on recommence, c'est piété. Putain, je suis en égalité avec vous. Ça vous a fait... C'est vrai que vous êtes littéralement à égalité, putain. Oh, c'est bégé, ça. Si, recommence. Ouais, non, ça a été niqué. Je recommence, les gars, je vais recommencer. Oh, putain. Je vais recommencer. Ça, tac.
Vous êtes sérieux? Voilà, donc moi je suis en 3, Yadar est en 4. Hein. Oubliez pas, tac, on recommence. Voilà. Juste à POC, on fait des listes des meilleurs goûts. Mais c'est très subjectif, donc allez vous. Non, mais c'est juste pour jouer Kékette en plus, hein, ça. Non, non, plus, bah après, si je perds, vous êtes tous bannis, mais. Ah putain, je vais claquer. Bon, bah sinon, je suis content qu'on ait fait cette petite liste. Ça fait un moment qu'on en parlait en plus de faire ça. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, je crois qu'on a tous mis nos listes sur Twitter de films. Ouais. Il me semble. Donc, les films, c'était encore plus dur, sérieux. Ouais, les films, c'était coup, vraiment compliqué, ouais. Du coup, pour les pires déceptions... Ouais, c'est dur, ça, je saurais pas, là, je saurais pas dire... Mais le truc, c'est qu'il y en a pas beaucoup, quoi. Enfin, genre... Au pire, on fait juste la mention honorable. Moi, j'en ai deux, tu vois. Notre pire déception qu'on a eue ces 10 dernières années. ME3 et Blacklist, hein. Youngblood. un moment. Il s'est clic-clac. Ce serait cool de faire pareil pour les jeux que pour les films. Bah. Mais les films, on les a déjà fait, Beckett, sur Twitter. Tu attends, tu sais quoi, je peux aller chercher, je pense. Ah oui, tu remarques, c'est un petit peu loin. Ouais, ça commence à remonter. Hein. Envoyez vos liens au pire. Hein. Ouais. Faire ça, je vais te choper ça. J'ai essayé de trouver le mien aussi. Après, ouais, est-ce qu'on va. Comment dire. Parce que forcément, je suis un fan de Marvel, donc ça va niquer, quoi. Bah, toi, déjà, t'es enterré, hein, donc... où est-ce que je l'ai mis, ça? Oh, putain, c'est super loin, mec. Attends, parce que là, on est en train de remonter... Ah, tu sais... Tu veux que je te prenne un screen? Pourquoi j'ai entendu un Facebook, là? Ah, non, oui, il y a un Facebook, là. J'avais un Firefox ouvert. Tu veux le lien ou un screen, du coup? Je m'en fous, peu importe. Non, moi, je t'envoie le lien. Où est-ce que je l'ai mis, cette salope, putain, je tweete vraiment trop, mec. Waouh. Attends, mais c'était avant ça. Ah, c'était là, ok, c'est bon, j'ai. Tac. Je vais foutre le mien avant, vous avez envoyé les vôtres. Envoie-la sur la conversation plutôt, Spider, parce que j'ai pas envie de changer de fenêtre. Attends, bougez pas, je finis juste le pôle ici, tac. Non, mais je veux pas foutre ni trop. Allez, je commence par WAM. Hop. Tac. Alors 2010, j'avais I Saw the Devil, 2000, parce que c'est un de mes films coréens préférés. Je pense que les Coréens sont des génies pour faire des thrillers. Bon, mais là, qu'on fasse tous la liste des jeux sur Twitter. Bah, faites-le si vous voulez. Qu'on fasse tous la liste des jeux sur Twitter. En gros, il veut faire comme on a fait, mais du coup, sur Twitter. Quoi. Voilà. Ouais. Ah oui, mais allez-y. Les autres aussi, que tout le monde puisse participer, quoi, du coup. Ouais, bah, est-ce que tu peux pas faire un tweet original avec le compte de l'MF et puis comme ça tu vois. Bah, je pourrais limite prendre un screen de ça et puis dire aux gens de recommander par dessus. Tu sais quoi, je vais le faire tout de suite pour pas qu'on me nique l'idée. Bouge pas, attaque. Comme ça va faire masse influenceur en plus. Non, putain, ça c'est du bon. Ça. Attends, je vais changer ça du coup parce que j'ai fait le con avec ça. Tac, je vais remettre en 12, bip bap. Voilà, c'est bon. Merde, hop, bougez pas, je vais vous envoyer le lien du coup pour faire votre retweet derrière. Ça va retweeter sec. T'inquiète pas. C'est qui a gagné le Stropole? C'est Russian. On était pas à égalité? Russian et Yadar, t'es en égalité. Mais attends, j'ai pas vu. C'était. Je crois qu'ils étaient au-dessus. Merde, j'ai même pas regardé les résultats, merde. Bon, tant pis, on s'en fout. vous avez voté pour rien, les gars. Tac. Hop, je tweete ça vite fait. Commencez déjà à préparer vos trucs pour les retweeter avec notre. Vous faites un retweet, comme on dit, commenté là. Ouais. C'est moi qui ai gagné. Ouais. D'accord, ok. Je tiens à dire, c'était mon idée soutenue par Momo. 37% pour nous deux. Ah, mais attends, par contre, on met pas nos jeux par contre dedans. Ouais. De quoi ? En retweet commenté, on met pas les jeux. Non, mais c'est moi qui est con, c'est moi qui est con. Oui. Non, mais bien sûr que t'es abruti, je m'en vais. Non, mais. Fatigué. Ouais, je vois ça, mec. Hein. Une fatigue. Mais il est où le compte de Mégaforge, le bordel de merde? Il arrive le tweet là ou quoi? Oh, 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 oh. Hey, tranquille. La crise, c'est un chinois ou quoi? Oui, j'espère pas. Hein. C'est ONT, il t'a dit, ouais, par contre, influence bien.
Putain, tu te fais corriger par web, ça me fait trop chier. Ah putain, je suis en train de galérer, vous parlez tous en même temps, j'arrive pas à écrire, putain. Vous savez ce qu'on a oublié en 2010, Mountain Blade ou Warband? Non, vôtre. De quoi? Genre, mais voilà, c'est quoi que j'ai dit? C'est on, par contre. On vient juste d'établir. On a préféré ONT, apparemment. Ou nous ont... Ah oui, non, nous ont, ouais, exact, le plus marqué. Putain, c'est compliqué. Ok, bah écoute, je tweet. Voilà. C'est envoyé. C'est envoyé, tac, je vous envoie le lien. Hop, ici. Putain, en plus, on doit cliquer. Ça va, papy? T'as oublié Bomboclad pour faire un master? Non merci, ça me va, franchement, on a pas besoin de ça. Le cancer, non merci. Hop, tac, je vais retweeter aussi de mon côté, histoire de... Enfin, retweeter le résultat au moins, quoi. Tac. Bon, et puis de toute façon, je pense qu'on va pas tarder à couper, hein. Bah on fait les films, du coup. Oui, pardon, putain, j'ai failli oublier. Et merde, du coup, j'ai coupé, attends. Putain, quel connard. vraiment un connard. C'est bon, j'ai retrouvé mon tweet. Hop, tac. Attends. Donc ça, le mien. Attends, je vais ouvrir le vôtre direct maintenant. Attends, je vais t'envoyer le lien du tweet. Si tu veux. Alors, celui de Momo, il est là. Bah, tu sais quoi, on va les faire un par un avant. Alors, attends, on va commencer déjà. Bah, oui, allez, hop, on commence par les mains. I Saw the Devil, si vous connaissez pas, c'est un film de thriller sud-coréen qui est génialissime et je vous conseille de le mater. Et c'est un de mes films préférés et les Coréens sont très très bons. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'est l'adaptation américaine de 3 films et des bouquins suédois. Et dedans, il y a Daniel Craig qui joue et je crois que c'est Fincher, le réal. Ouais, c'est ça. Super film. 2012, The Raid, évidemment. Oui, 2013, Mama, qui était un de mes films d'horreur préférés pendant un moment et qui l'est certainement encore maintenant. Je sais pas encore, faudrait que je réfléchisse à ça. Mama, qui est super aussi, avec dedans, il y a Coster Waldo, celui qui joue Jimmy Lannister. Et super putain de film. Birdman, parce que c'est pareil. Je n'ai pas envie de faire mon cinéphile de merde, mais je suis d'accord avec tout le monde, donc c'est vraiment un film de ouf. Fury Road, je pense qu'on est tous d'accord. Oui. Shin Godzilla, si vous l'avez pas encore vu, Shin Godzilla, allez le voir, t'attends quoi? Mon film Godzilla préféré, je crois. Je voulais streamer pendant un moment, mais finalement ça m'a saoulé, donc non. Donc voilà, One Cut of the Dead, vous le connaissez pas ce film, mais me dites pas oui ou non, donc voilà. Mais One Cut of the Dead, je vous le streamerai, parce que je pense que dimanche prochain, j'ai rien à foutre, donc je pense que je pourrais peut-être le faire dimanche prochain. Ça sera un de vos nouveaux films préférés, donc vous inquiétez pas, ça va vous plaire. C'est clair. Vous connaissez pas le film, donc cherchez pas. Il y a Taxi Phoenix qui dit Fury Road, j'ai pas aimé, qui a des goûts de merde. 2018, donc je savais pas, j'ai pas réussi à me décider entre Hérédité ou Annihilation, qui sont les deux qui sont vraiment géniaux. Annihilation, je pense que c'est un des films préférés de Hadwim aussi d'ailleurs, et Hérédité qui m'a foutu sur le cul aussi de plein de façons différentes. Il m'a retourné, en fait, le film m'a retourné dans tous les sens, quoi. Il m'a tartiné, le film. Et 2019, j'ai pas encore mis, mais je sais pas encore. Ça va certainement être Joker, mais je sais pas encore, on verra bien. Voilà, donc ça c'est pour moi. Ensuite, eh ben écoute, Momo, vas-y, je te laisse expliquer. Alors du coup, en 2010, j'ai mis le livre d'Eli, parce que ce film avait vraiment éclaté à l'époque. À l'époque, j'étais au collège, j'avais séché les cours avec un pote, et on s'était dit, mais merde, on fait quoi du coup? Et on a été au ciné, on avait vu le livre d'Eli, et c'était vraiment l'expérience. Putain. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai vraiment kiffé ce film. En 2011, j'ai mis Sucker Punch. Parce que pareil, j'ai adoré le film et le fait que ce soit un film un petit peu pour le coup très controversé. Ouais, carrément. Ouais. Ah, c'est vrai, complètement. Que là, pour le coup, Et surtout de toute l'histoire qui pas l'histoire du film, mais l'histoire autour du film, sur son développement, génial, etc. Ouais. Sur son développement, j'adore vraiment le fait que Snyder du coup ait essayé de faire un film personnel, mais qu'il s'est un peu fait enculer par... C'est parti vraiment en couille, hein. Tu m'as envoyé l'article et c'est vraiment super triste. Il s'est même pas fait enculer par la production était derrière lui, il s'est fait enculer par la MPAA,
qui a dit ouais ton film il est bien mais il y a des moments faut que tu les retournes et faut que tu les refasses etc. Et il y avait vraiment de très bonnes idées derrière mais malheureusement bon, il s'est un petit peu fait charcuter mais bon bah, j'adore quand même. En 2012 j'ai mis Skyfall, je sais pas pourquoi. Parce que je crois que tu m'avais dit que tu t'en souvenais pas d'autre ou il y avait rien d'autre littéralement un petit peu comme ouais, je 2018 crois, je crois. Ça, ouais. Enfin 2018 jeu vidéo je veux dire. Ouais ouais. En 2013 j'ai mis Pacific Rim parce que il est génial ce film. Ouais bah ouais. Et de voir justement ce côté kaiju qui finalement très japonais enfin arrivé avec succès. Ouais. Quel bonheur. Ouais ça fait plaisir. Donc 2014 John Wick, j'ai pas forcément besoin de l'expliquer, je pense que tout le monde est d'accord. Je pense que c'est tout le monde, ouais c'est évident pour tout le monde je crois. 2015 Sicario, bah parce que putain. Parce que cette scène sur l'autoroute continue à me faire des crises de spasmophilie alors qu'elle est passée. la scène de fin continue à me faire sursauter alors que pareil je sais très bien ce qui va se passer. Avec ouais. Tu as pas vu? Ouais, c'est un super film, super thriller, super. Ouais, c'est un thriller policier quoi. Vraiment ouais, génial. Et du coup, ouais, ensuite 2016, Arrival, parce que, ouais, vraiment, lui, pareil. Oui, c'est pareil. Arrival, c'est Villeneuve, non? C'est Denis Villeneuve? Oui, ouais, il me semble. Je crois, ouais. Il était voir dans le ciné, là, comment dire, c'était combien? Je crois que c'était genre 16€ la place. Ça nous avait coûté 14 balles d'aller. Oui, on allait les voir tous les deux, ouais, Arrival. Ouais, dans une petite salle en VO. Dans une petite salle au Gaumont, à Nantes. Et ouais, il nous avait soufflé. Vraiment, il m'avait plutôt enculé ce film. Ouais. Ouais. Et pourtant, moi, je suis pas vraiment trop. Trop sujet au film assez lent, on va dire comme ça, très posé, tu sais, très. Pas atmosphérique, mais. Si, limite, hein. Ouais, contemplatif limite, oui. Ouais, contemplatif, ouais. Ouais. C'est pas trop ma tasse de thé d'habitude, mais Arrival m'a vraiment captivé. Ouais. En 2017, j'avais oublié, mais du coup, One Cut of the Dead aussi. D'accord, oui, bien sûr. J'avais oublié que t'es sorti en 2017, en fait. Putain, ce film nous a tellement retourné la tête. À plein de niveaux. Vraiment, il m'a plu à tous les niveaux. Ouais, c'est, de toute façon, on en reparlera, je pense. Je le streamerai, du coup, un de ces soirs-là. Peut-être, ça se trouve peut-être même en semaine, on verra bien. Mais vous verrez. En 2018, j'ai rien trouvé. Je crois que tout me fait chier en 2018. Ouais. Ça arrive. Et 2019, bah Godzilla 2. Voilà. Non mais voilà, c'est évident. Voilà. C'est évident. Voilà. Du coup, Spider, c'est à toi. You're on deck, comme on dit. Allez, bah, attends, du coup, j'attends que ça arrive. Yes. Tech. Bah du coup, je suis Shutter Island parce que j'adore. C'était un des premiers films de comment il s'appelle Scorsese que j'ai maté. Ah oui, tu t'as maté, ok. Il en a fait 2-3 avant. Et du coup, c'est un film que je revois très souvent parce que je le kiffe. Et ouais, je l'avais vu il y a longtemps. Et vu qu'on avait fait ce truc-là, enfin, tu l'avais fait, il me semble. Et je me suis dit, tiens, je vais le remater chez Terry Lam parce que ça fait longtemps. Et au deuxième visionnage, j'avoue qu'il m'avait vraiment bourriné. Et je l'aime beaucoup aussi, ce film, ouais. J'avoue. En fait, le truc, c'est surtout que je suis Terry Lam, la première fois, tu le mates pour l'histoire. La deuxième fois, tu le regardes pour les détails. Ouais. Parce qu'en fait, tout le film, il y a un twist, et à travers tout le film, le twist, il est annoncé, quoi, en fait. C'est, ouais, Et je trouvais ça assez bien fait. La planète des singes, du coup, c'est le reboot, que j'ai trouvé très bon avec James Franco. Oui, le premier avec James Franco, ouais, exact. Rien à dire, j'ai beaucoup aimé. Avengers, Bon. Vu le succès au box-office, pas grand chose à dire. Pas besoin d'en parler. Ouais. Dernier pub avant la fin du monde, j'ai toujours kiffé les comédies d'Edgar Wright, c'est ça? Quoi qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Thank you, comment fait-il? Quel enculé ce mec! Putain, je l'hésite! J'ai cru que c'était quelqu'un qui nous avait envoyé une grosse dick pic dégueulasse au début, je me suis dit ça va être chaud mec. Et du coup, dans les pubs en fin du monde, j'ai dit parce que ça a été très drôle et que la trilogie Cornetto elle est cool. Et c'est pareil, le dernier pub avant la fin du monde, il est déjà marrant, l'action est cool et il est touchant aussi. Et j'avais vraiment bien aimé, tu vois. Du coup, Captain America Winter Soldier, parce que ça représente beaucoup, beaucoup le comics dans le côté espionnage et j'ai trouvé génial. Je sais que Lucien n'est pas partisan, mais c'est très bien. Je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Mais j'ai bien aimé, ouais. Ah, je croyais que t'avais pas aimé. Fury Road, on en a parlé. Civil War, parce que c'est
comment dire, c'est toujours Marvel, et puis bah, c'est l'affrontement... Ouais, j'ai préféré Civil War à Winter Soldier, quand même. Et bah, après, du coup, Heat, parce que du coup, ça, j'ai énormément apprécié, je crois que c'est un de mes films d'horreur préférés. Ouais. Et Logan, parce qu'il est... Ouais, putain, lui aussi, il est chiant. Il est très propre. Infinity War, bah, ça va avec Endgame, en soi, c'est le même film, mais sur deux ans différents, quoi. Enfin, ouais. Sur deux ans différentes. Et sinon, j'ai foutu Annihilation, parce que bah, il m'a mis une claque. Ouais, ouais. Il nous a tous enculés, Annihilation, hein. Ouais. La première fois qu'on l'avait vu, ouais, ouais. On était tous ensemble, en plus, la première fois qu'on l'avait vu, je crois. Ouais, il me semble. Non. Il me semble. Et du coup, Endgame... Bah, Endgame, en fait, ça va avec Infinity War, quoi. C'est, ouais, ouais. C'est, ça fait... Bah, depuis, en gros, 2008, les mecs, ils se font chier à faire une trame scénaristique. Forcément, ils balancent tout à la fin dans la gueule, c'était... C'est une des rares fois où ça m'a fait chialer au ciné, quoi. Donc, Jujo, quoi. Mais Jujo, ouais, ouais, pour le coup, pareil. Ok, Yadar, du coup, tac. Allez, je t'en prie. Ça pop. Exprime-toi. Ah, voilà, bah déjà, putain, Megaman, 2011, non mais attends, ouais. T'as mis tous les films qui sont sortis, en fait. Mal, mec. Bah déjà Megamind, parce que putain, c'est trop marrant, et le sujet il est quand même assez bien, tu vois. Après Drive, bon, pas grand chose à dire, c'est Drive. Ouais, Redline, c'est pareil, c'est la voiture, c'est trop bien. Il est vraiment stylé, Redline, ouais. Harry Brown, c'est avec, j'ai oublié son blaze. John Michael Caine. Ouais. C'est quand il joue un vieux qui... Ouais. Ouais, parce qu'il y a de la merde dans une banlieue anglaise, c'est ça. C'est ouais, ça c'est... le nom, putain, je l'avais vu il y a longtemps, mais il était vraiment stylé, Harry Brown, ouais, j'avoue. Ouais. The Red, bon, bah, The Red, Pacific Rim, hein, le film, je l'ai vu de partout. Whiplash, parce que bah, la musique, le jazz, c'était génial. C'est vrai que j'ai hésité avec Whiplash aussi, j'avoue. Et ensuite, bah, Mad Max Fury Road, c'est... littéralement le film qui est dans la liste pour le meilleur film de cette décennie, donc bon, voilà. Batman vs Superman, j'ai pas pu mettre parce qu'il y avait plus de place, mais c'est la version qui est génial, vraiment, c'est un de mes films de comics préférés. Un dernier train pour Busan qui est délicieux, ouais, vraiment. Ça c'est pareil, les coréens franchement ils t'enculent dans tous les sens, mais bien. Bon bah Logan, voilà. Blade Runner 2049, pas 47. Ça c'est Blade Runner 2077, toi. C'est parti, mec. qui était bien, qui était trop trop cool. Spider-Man New Generation, où j'ai vu des couleurs qui n'existaient pas, tu sais. Donc à partir de là... c'est vrai que ça aussi... C'est tout, la baston de fin, mon gars. C'était n'importe quoi, sérieux. Laisse tomber, quoi. Il y a eu un AVC, il a vu des couleurs. Là. Ah non, ouais. Mais gros, j'étais assis, je fais... un nouveau spectre. Et puis bon, bah Endgame, parce que ouais. Ouais, c'est quand même une décennie de films qui t'arrivent à la gueule d'un coup, quoi. Bah, qui... ouais. Avengers Rassemblement, là, putain, il a... Je suis passé par vraiment toutes les émotions possibles dans le film, quoi, donc... Alors attends, voyons par exemple ce qu'il a mis dans ses jeux, B40K, donc on a Brotherhood, Portal 2, Disneyland, Hotline Miami, Metro Last Light, Titanfall. Je suis content de voir Titanfall, qui est pas mal de gens qui disent Titanfall et Titanfall 2. C'est dommage qu'il soit pété la gueule, parce que c'est un des jeux qui mérite, je pense. Titanfall, le premier, c'était Only Xbox One aussi. Ou sur PC, je crois. Au début c'est Netflix, ouais. Mais sur PC il y avait personne, je crois. Et puis ouais, après il l'a mis sur PC. Mais de... Putain, attends, il y a l'autruche qui vient de pop, du coup. Mec, attends, il a tout bousculé. Ok, bah l'autruche alors. Je suis désolé, B4, mais l'autruche il t'a enculé. Il t'a littéralement poussé pour passer en premier, quoi. Donc il a foutu Warband. Ouais, bah, il appuie sur mes softness. Shogun 2, bah écoute, Adwim, c'est Cimer Adwim. Sleeping Dogs, Assassin's Creed Black Flag, L'ombre du Mordor, The Witcher 3, Wasteland 2. Punch Club, Yakuza 6, j'ai pas encore fait Yakuza 6, il est encore là, hein, mais j'attends de finir Kiwami 2 et ça prend du temps, quoi. World War 2 et Fire Pro Wrestling, RDR 2 et Frostpunk et Judgment, ok. Judgment. Judgment. Il y a ce qui est passé entre B44 et l'Oltruche. Oui, il s'est inséré en plus. Alors on a Kingdom Hearts, Birth by Sleep, ok, je l'ai vu en parler tout à l'heure. Skyward Sword, Dragon's Dogma, il faut vraiment que je refasse. Je pense que je vais me refaire Dragon's Dogma dans pas longtemps. Hein. Metal Gear Rising, ouais, je comprends que t'aies du mal, hein, il est vraiment spécial, mais j'adore ce jeu. Surtout la relation que t'as avec ton pion, je trouve ça vraiment super intéressant. Ouais. Metal Gear Rising, Shovel Knight, MGS5, World of Final Fantasy. Alors là, c'est un, bah du coup c'est un FF, mais je crois que tu captures.
C'est pas trop comme Pokémon, mais un peu dans c'est Final Fantasy Snap, en fait. Mais en fait, non, c'est surtout que... c'est tout est en chili. Et du coup, tu captures des monstres, enfin exact. Des monstres de Breath of the Wild, forcément, Monster Hunter Generation Ultimate, c'est un vrai mec, Arterus. Et God Eater, hein. Ouais, bon, ça je peux pas relate, ouais. mais je comprends. Pareil. Et du coup, Beckett, il avait dit quoi après? Il avait Hotline Miami 2, Disneyland 2, Breath of the Wild, en 2017. Ah oui, remarque si, oui, 2017, oui, mais non, c'est moi qui suis grand. Deep Rock Galactic, c'est vrai j'ai entendu lui et Funeral en parler beaucoup de Deep Rock Galactic. Funeral, il était PDG, c'était le commercial. Metro Exodus et Plague Tale Innocence, parce qu'il faut bien vendre des jeux quand même, hein. Oubliez pas, Focus Home Interactive, c'est les copains, c'est Focus Home qui nous a envoyé des clés pour Castle of the Dead God, ça rend des copains, donc n'hésitez pas à acheter les jeux. En fait, pour tous les jeux quasiment qu'on a fait, Focus, quoi. Ouais, voilà, Focus, merci Focus. À part Styx, c'est vrai qu'il l'avait acheté. On t'aime Focus. Tu es là-haut, Focus. N'hésitez pas, si jamais de l'argent en rab, achetez les jeux Focus, même si vous les avez déjà. Franchement, achetez tous les stocks. Achetez des parts de marché. Tiens, je vais voir tout à l'heure si je peux pas. On va essayer de faire en sorte que LMF devienne actionnaire majoritaire. Alors, WAP, il a Fallout New Vegas. Oh putain, quel homme ce WAP. C'est vraiment un intellectuel, WAP. Hein. Franchement. Trop chad. Battlefield 3, tu sais que Battlefield 3, je l'ai racheté il y a pas longtemps. Avec tous les DLC, parce que j'avais envie de l'avoir en entier. Hotline Miami Dishonored, Pokémon XY. Il est sur XY, il est sur 3DS? Ou DS normal? Ouais, faudrait que tu nous dises. Après, s'il est sur DS normal, il tourne sur 3DS aussi. Quoi. Oui, mais enfin c'est un peu chelou, des fois les résolutions sont pas les bonnes, etc. Donc, 3DS, ok, d'accord. Ouais. Mais je vais peut-être essayer de le choper un moment en occasion, parce que je vais peut-être me le faire s'il est aussi bien que ça. Dark Souls 2, Hotline Miami 2, MGS 5, Doom, Dark Souls 3. Il n'y a pas eu beaucoup de Dark Souls 3, si? Non, il n'y en a pas eu autant que ça. Ouais. Nioh, je sais pas dire, il y a eu plus de Dark Souls 2 que de Dark Souls 3 d'ailleurs, et moi c'est plutôt l'inverse, j'ai préféré le 3 au 2. Moi j'ai préféré le 2 au 3. Ah le 3. Ouais. Un peu chié, le 2 c'était le premier que je terminais vraiment et beaucoup apprécié. Ah oui, pardon, attends, j'ai oublié de faire un truc là, attends, c'est quoi? Attends, y'a quelqu'un qui a parlé. Putain, attends, y'a Bazou qui a parlé encore au-dessus. J'ai oublié un truc, regarde. Voilà, pardon. Alors attends, Bazou, du coup, qui dit Alan Wake, Batman Arkham City, ouais. Mass Effect 3, Beat Trip Run. Putain, lol, truc, oh. Attends, mais t'es déjà passé une fois, espèce de connard. Beat Trip Runner, Fatu Legend of Rhythm Alien, c'est marrant parce que Beat Trip Runner on entend vraiment rarement parler, ouais, mais c'est cool. Dark Souls 2, tu sais que moi le premier rapport que j'ai eu avec Beat Trip Runner c'était dans, Super Meat Boy, ouais, c'est marrant, ouais, pareil. Dark Souls 2, Bloodborne, Doom, ça, c'est un bon gars, ça. Assassin's Creed Origins, moi. J'ai hésité avec A Way Out, moi aussi. Ouais. Parce que et Control. C'est tellement bon moment. Control 2019, c'est vraiment. Control m'a vraiment mis sur le cul aussi, hein. Franchement, je suis d'accord. Donc bouge pas, fallait juste que je like ça, voilà. Ce tweet a été supprimé, ah oui, c'est vrai. Celui-là, on a passé ça. King Game, non, on a pas fait King Game. Alan Wake, Deus Ex, putain, Alan Wake, c'est ça qui est bien aussi. Deus Ex Human, si on l'a déjà fait, non, on l'a pas déjà fait, non, c'est bon. Deus Ex Human Revolution, Dishonored, Metro Last Light, The Evil Within, Bloodborne, Hitman, Evil Within 2, Hitman 2, Control, putain, ça c'est un il beau gosse aussi. Evil Within. Ça c'est un beau gosse, ça. Putain, quel homme. Je devrais être CM de LMF. Les bons c'est goûts, cool. Dit Mandrux, ça c'est gentil. Spider, attends, je vais le unfollow lui. Comment je peux nous abonner de Spiderweb 441FR qui a toujours pas refait son putain de handle. Oh, c'est gentil, Bazou, il a fait un truc. Yadar et Momo les ont fait. Whisky aussi, même Adwim. Donc, Adwim a commenté. Ah putain, il m'a pris par surprise, il m'a pop devant la gueule en plus. Il est où Horizon, Adwim? Derrière Soulcar. Merde, il est où? Il est caché. T'as caché Horizon. Il l'a paumé. Ah merde, il m'a pris par surprise, enculé. Et du coup, c'est pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, je crois. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. N'hésitez pas, du coup, à aller voir. Je pense qu'on va reposter. CM B44, t'as qu'à poster le lien dans le Discord, tiens. Puisque c'était un meilleur CM que moi. Connard. Hein.
Nazi. Vas-y, poste-le dans le Discord que les gens puissent que les gens puissent voilà voter eux-mêmes. Du coup, je pense que nous on va arrêter là. J'espère que ça vous a plu ce long Forgecast. On est quasiment à 4 heures. D'habitude, on essayait de faire moins quand on les enregistrait, mais maintenant on s'en bat les couilles. On n'a pas parlé du coup, on a parlé littéralement que de news. Je sais pas si ça vous a plu quand même. Là, c'est comme on est fin 2019, on voulait faire un truc un petit peu plus, voilà, résumé de fin d'année où on parle de trucs qui nous ont marqué et tout. Une vidéo un petit peu spéciale, hein, comme ils disent les youtubeurs. Cette fois-ci, pour une vidéo un peu spéciale. Mais avant ça, je vais vous parler quand même de NordVPN. Savez-vous que. Tu connais Rage Shadow Legends ou pas? Je pense que pour les prochains Forgecast, on va essayer de se pencher un peu plus sur les news et j'aimerais bien qu'on fasse un moment aussi peut-être je sais pas les temps forts de notre année en tant que LMF ou comme ça, je sais pas, on verra si on fait un truc le mois prochain, mais pourquoi pas. Si tu veux, je t'ai envoyé la vidéo du Illidan de ATP, c'est vrai, fais voir, est-ce que je peux le choper, c'était lui. attends, bouge pas, je te disais, c'est en train de niquer je pense l'écran là. Ouais, on voit les gens auxquels j'ai parlé, c'est pas grave, je vais le foutre là-dessus. Parce que je le trouve génial, on dirait que. Regarde sa gueule! Oh le pauvre garçon! Oh la vache! Oh le pauvre garçon, il est éclaté! Il est éclaté le mec! C'est dur de ouf! Hein. Oh la vache, regarde-le! Oh putain, les ailes qui partent en banane! Et du coup, attends, parce qu'il y a sa vidéo? C'est ça? Ouais, non, ouais, le Momo, ouais, il a mis une bonne phrase. La doublette. Oh, attends. Attends. Oh le pauvre. C'est chaud. On le voit en plus qu'il voit rien. Oh le pauvre. Oh, oh mon dieu mec. Oh là c'est ghetto. Mec en plus il a trop la pose de Snoop Dogg. Mais tu vois que ses ailes font n'importe quoi. Oh le pauvre mec, mais il a des couilles parce que je serais pas capable de faire ça moi. Ouais, non, mais moi aussi mec, c'est full cringe de ouf. J'aurais et jamais les couilles de faire après, ça moi. Le mec il a eu des énormes boules, mais bon, est-ce que ça justifie? Putain. Mais il y a un truc qui me fait beaucoup rire aussi, c'est les torses comme ça là. Oui. Ça te fait directement des muscles. Ça me flingue. J'aime parce que du coup, sa tête elle a une seule expression. Il est tout le temps un tout petit peu dégoûté. En plus, il a un. Ouh là, attention, il bouge. Et j'espère qu'il va s'envoler, sinon ça marche pas. On dirait qu'il a un bas de jogging en fait. Oui. Oh, putain, le gamer. Oh la vache. Ah oui, c'est tout, car. Putain, y'a des hucs là, mon gars. Oh, attends, on dirait que ça vient de robotique. Oh, y'a des hucs, oh la vache. C'est qui ces gens là? C'est quoi c'est. C'est quoi ça? Oula. Pour ça je connais pas. Qu'est-ce que c'est? On est en train de revoir du coup les concours de cosplay de l'art tout play, ça a l'air passionnant mec. C'est bien pour finir un Forgecast. Franchement ouais. Qu'est-ce que c'est que ce. Ah ils font un concours de danse avec du Britney Spears quand même. D'accord. Ok, monte pas ça Qatar. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est juste. Attends, est-ce qu'ils sont en train. Je crois qu'ils étaient en train de faire du default dance mec. Non, c'est quoi ça? Je connais pas. C'est pas du Nier. Ah, attends, remarque, c'est marqué au début, non? Ah, c'est du League of Legends. Ah oui, bah voilà. Non, mais oui, fallait dire aussi. Elle était censée être l'autre là, Rengar. Ouais, bah c'est pas top. Fais voir, attends, concours cosplay mixte. T'as fait un truc de fou. Oh, y'a Naruto. Oh, mec, y'a tout le monde. Les mecs, ils ont fait tout le cast. Oh putain, là Yadar est mouille. Mec, attends, ta gueule Street Fighter. T'as sur la table. Oh. Mec, regarde en haut. Comment elle est. Oh, l'actrice. Oh, quelle actrice. Qu'est-ce qu'elle joue bien. Everyone's here. C'est plus ou moins Smash. Oh la vache. Ah, je peux pas tenir. Je peux pas tenir, mec. Mec, Naruto, il a un pantacourt. Moi, vous avez cliqué, hein. Oscar. C'est moi, tout le monde est en train de se marrer dans le public. Attends, vos gueules. J'ai l'impression que tout le monde est en train de se marrer, mec. Qu'est-ce qu'ils font, mec? Attends, il y a MC Circulaire qui va arriver, MC Hammer. Elle arrive avec son tapis de yoga. Oh la vache.
C'est qui? Je sais pas, je connais aucun de ces... C'est pas... qui Tenten, à gauche. Tenten, Tenten 1, Tenten 2. Shikamaru aussi, celui à gauche. Inat... Ah non, c'est pas une... Si, c'est une meuf ou mec? Qu'est-ce qu'il faut? C'est un Yels. Et après, à droite, j'ai oublié. Ah, mais c'est une meuf, Naruto, en fait. Non. Mais non. Bah là, si. Bah, c'est une meuf, là. Ah, mais c'est pas raccord. Ou c'est un mec très très efféminé, je sais pas, j'arrive pas à... C'est un mec avec des chonzes, je comprends pas. il est bonne aussi, un peu, quoi. Oh, elle a fait un jutsu, elle a éclaté tout le public. Oh, putain. Oh, merde. Bah, attends, c'est un mec ou... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je sais pas ce que c'est, en fait. Non, c'est une meuf. Ah putain, je crie, j'arrive pas à regarder le mec. Ouais, non, ah, mec, c'est chiant. Ah non, le canard, je suis crispé. J'aime bien quand on se moque, mais là c'est chaud quand même. Est-ce qu'elle vient de le descendre? Est-ce qu'elle vient de le réservoir d'ox? Est-ce qu'elle vient de les affranchis dans le putain de couloir là? Un petit traprouto de B4. Qu'est-ce qu'il a dit? Où ça? Qu'est-ce qu'il... Traprouto. Oh putain. Vas-y, t'en as deux. T'en as d'autres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 10, 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 10